Comment ça va tout le monde Bonsoir. Ah il y a déjà du monde, c'est cool. Salut Ligmilly, bienvenue à toi. Salut Arnaud. Euh, oui, oui, oui Ligmilly, ça va mieux. Je vais en parler tout à l'heure, justement. Euh, salut Lady, j'espère que tu vas bien. Donc, euh, et merci Arnaud euh, pour, le, pour le petit retour sur le podcast Bunko. Salut Matojora, en forme. Stickies, brioche, brioche <rire> pauvre. <laughs> J'aime beaucoup ton pseudo. <laughs> et Zeno, bonjour tous les trois. Ça fait plaisir, ça m'avait manqué. Hein. Là, ça fait un mois que, que le live, euh, j'avais pas fait de live. Et j'étais déçu de ne pas pouvoir faire le dernier live. Hein. Donc ça, ça me manquait un petit peu. Donc euh, donc voilà. Salut JPMus. Et ben en fait, là, je suis dans une pièce temporaire parce que j'ai déménagé. Là, c'est ce que je vous disais dans les derniers mois. Merci, lady. Euh, je vous disais ça dans les derniers mois. Et, et là, pour l'instant, ma pièce n'est pas encore faite. Je pourrais vous montrer un petit peu tout à l'heure où ça en est. Là, elle est juste vide. Hein, je suis en train de la préparer. Et, et du coup, ben, pour l'instant, je suis dans, dans une autre pièce. Effectivement, derrière, il y a tous mes vêtements. Un peu caché ça euh, vite fait avec des rideaux histoire que ça fasse pas trop dégueu, mais euh, oui, derrière c'est tous les vêtements. Euh, c'est voilà, c'est la pièce de ma copine. Euh, donc voilà, euh, salut Julien, bonsoir à toi, salut Samougi, c'est cool. Là, il y a plein de monde, salut Dorothée, oui, pour une fois que tu as l'heure, effectivement. <laughs> Donc oui, joli carton de texte, mais là c'est ça, là tout est entreposé dans une pièce, dans un bureau Et là le bureau est rempli, je vous montrerai ça tout à l'heure Donc, euh, et salut Lildor Donc euh, oui, une belle collection de boîtes à chaussures qui n'est pas à moi hein, qui, est, euh, qui est à ma copine, je ne sais pas combien de chaussures bien sûr Et euh, donc là c'est une partie de sa, sa belle collection dans des boîtes Écoutez, chacun son plaisir, hein. ah, on, on peut dire ça hein. Uh, bon, ça fait plaisir en tout cas de, de, de revenir. Ça m'avait manqué. Alors là, euh, en plus comme j'ai déménagé, c'est un peu le nouveau setup que je teste euh, ici. Euh, j'ai acheté quelques petits trucs là pour le, pour le live. Déjà, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Je suis mieux éclairé euh, par rapport aux au dernières fois. J'ai toujours la même caméra. J'aimerais bien euh, améliorer ça un peu plus tard. Mais euh, du coup, euh, du coup, voilà, là, je pense que vous voyez un petit peu mieux et euh, j'ai un peu refait mon bureau là. Donc, c'est euh, euh, plus agréable pour moi, j'ai plus d'espace qu'avant. Euh... Donc, toi tu, toi, tu vas faire la même début de trois, mais la même, la même que moi ou euh, une que tu vas personnaliser Puisque moi, j'ai fait les vidéos pour construire sa mangatech, mais c'était plus une base, parce que je me doute bien que personne ne va faire exactement les mêmes. Mais euh, c'était plus une base pour ça. Mais du coup, tu vas faire quoi Exactement comme moi ou tu vas quand même adapter euh, Qu'est-ce que tu vas faire euh, au final Salut Maxime, mais merci pour, euh, pour l'énergie parce qu'effectivement il y, y, y a pas mal de boulot dans, dans, dans la maison là que j'ai pris. Euh, alors la maison est, est propre mais il faut quand même la, elle, elle, est, elle est récente mais il faut quand même l'entretenir, la, la nettoyer etc. Et euh, malgré tout, ben, des gens ont vécu là-dedans donc il faut repeindre, il faut boucher des trous euh, etc etc. Donc il y a quand même un peu de boulot de ce côté-là. Mais on va faire le tour là, je vais vous montrer un petit peu le, le, la pièce. Euh, donc, le rideau derrière, ça va faire spectacle de magie. Oui, mais c'est vrai, là, avec les rideaux brillants, euh, oui, c'est exactement ça. Alors, j'en avais d'autres, mais ils étaient gris, un peu, un peu terne. Je me dis, on va mettre de la couleur et, et ça brille. Avec la lumière, ça va briller, ça fera joli. Donc, voilà. Donc, oui, le déménagement s'est bien passé, hormis mon œil, bien sûr. Euh, mais je vais vous expliquer un petit peu et comme ça, je vais vous montrer. Et après, on fera le point un peu sur la chaîne. Et on va reprendre le programme habituel. Vous connaissez quoi. Donc, voilà. On s'attend presque à un déchet en <laughs> <Un> talon aiguille. <laughs> Ça ne sera pas la bonne tienne, euh, Lady. <laughs> Peut-être sur mon OnlyFans, si je ouvre un, je, je mettrai talon aiguille, on verra. <laughs> Salut, euh, Sao. Ciao, pardon. Salut, bienvenue à toi. Euh... D'accord, oui, toi, tu as pris des spéciaux, je suppose, Elidor, sur tes meubles actuels. Euh... Moi, je n'avais jamais pris, du coup. Euh... Oui, non, il ne faut pas boire de suite, non. Euh... Euh, donc oui, la capsule manga, c'est aussi le nom de la chaîne Twitch, hein. pareil. J'ai tout mis au même nom, vous pouvez suivre dessus. D'ailleurs, ça ça fonctionnait pas juste avant que je démarre, j'avais un petit peu peur, parce que comme j'ai mis le nouvel OBS, le, le donc, logiciel qui permet de streamer numéro 28, je ne comprenais pas, euh, Twitch ne marchait pas, mais en fait, j'avais changé un réglage, et je m'en suis rappelé après, donc j'ai remis le réglage comme avant, et maintenant Twitch fonctionne. Donc voilà. Salut Nico, bienvenue à toi. Euh... Non, alors Arnaud, je, je la peins en blanc en fait. Je la repeins en blanc parce que sinon, euh, c'est un, euh, un petit peu léger. Ben là, c'est gris, c'est pas, pas terrible. Il y avait besoin. Salut Simfea. Ah, ça fait longtemps, Simfea. Merci de, de, de passer. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo en plus. Donc euh, j'espère que tu vas bien. Et euh, en espérant te revoir bientôt sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, ok, après tu as bricoulé le meuble. Ben, il faudrait que tu partages ça sur le, le, le Discord, euh, euh, Elidor. Comme ça, on pourra voir. Euh, on va pour avoir tout ça. Salut Unicorn, bienvenue à toi. Et pas de soucis, Seb. <laughs> Salut euh, euh, Lilololi, bienvenue. Allez si vous voulez je peux vous montrer un petit peu euh, ma prochaine pièce à manga, là où elle est actuellement. Alors je je pourrais pas voir les commentaires donc je vais vous montrer. D'accord, mais je ne pourrais pas voir vos commentaires. Donc du coup, quand je reviendrai, je lirai vos commentaires. Mais euh, voilà, si vous me posez des questions, sachez que je ne pourrai pas répondre. D'accord Allez, je vous fais un petit tour, comme ça, ça c'est fait. Et vous pourrez voir. Alors, la pièce est pour ouais, elle est vide, mais je vous montrer où je stocke mes mangas actuellement et, où, euh, et quelle pièce j'ai. Voilà. Alors, euh, allez, j'y vais. Hop. On vous remettra tout ça en place. Alors, euh, toc, toc. Donc, ça, c'est le téléphone, ça marche, c'est parfait. Bon, déjà, euh, ça, c'est ma pièce où je suis. Vous voyez, il y a un beau rose, euh, un beau rose fille. un hein, c'est une petite fille qui habitait dans cette pièce avant. Et vous voyez, vous voyez je me suis mis des petits bras euh, sur les bureaux. Et je me suis mis même, vous voyez, le, je me suis même acheté ça, là, ce petit bras-là, pour, pour, euh, pour les, les trucs. Ça sera beaucoup plus simple. Et je pense faire un bureau un peu comme ça, vous voyez. Un peu euh, avec un retour, ça sera pas mal comme ça. Alors il y a un décalage, hein, c'est un peu lent, c'est normal euh, derrière. Bon là c'est le bordel. Hein, c'est vraiment, euh, vraiment histoire d'eux. Et vous voyez mon, mon live je, que je n'ai pas pu faire. J'avais tout préparé dans des sacs. Hein. Tout était là. Hein. Ce que je vais faire, je vais basculer sur le micro. Juste un instant. Est-ce que vous m'entendez là est-ce que vous m'entendez toujours Confirmez-moi que ça fonctionne. Et après, je vous fais le petit tour. Vous voyez la pièce est en bordel. Hein, je vous dis... Euh, ouais, c'est parfait. Allez, je vous montre ça. Comme je vous dis que je ne peux pas voir les commentaires. Hein. Alors, hop. Donc là, on a la pièce. Donc vous voyez, alors tout ce qui est en blanc, ce sont les petits trous qu'il y avait ou des problèmes de peinture. Alors ça résonne. Hein. Et là dans le placard, donc j'ai viré le placard et en fait euh, tout ça, tous les trous c'était parce qu'il y avait des crémaillères pour les pour les meubles en fait pour mettre les vêtements tout ça. Donc euh, voilà, donc je me suis fait chier à arracher le sol. Il faut encore que je passe à l'acétone et euh, tout ce qui est en blanc voilà c'est euh, tous tous les petits shots. Et là il m'avait laissé un super euh, un super ballon de un panier de basket. Donc j'ai arraché tout ça. Maintenant il faut que je pense et il faut que je repeigne parce qu'en fait j'ai du gris et avant c'était du bleu. Voilà. Et le panier de basket ici, ben, j'avais une grosse tache bleue ici. Quoi. Donc voilà. Donc ça c'est la pièce. Hein. Donc vous pouvez voir, euh, elle est assez grande parce qu'elle fait 14 mètres carrés. Donc du coup euh, là j'ai vraiment la place. Et euh, je suis en train de réfléchir à savoir comment, euh, comment je vais l'aménager. Et mes mangas aujourd'hui, ils sont là. Hop Voici. Vous voyez, il y a une petite une pièce là. Et tous mes mangas sont là. Donc tout entreposé, sachez que j'ai déplacé comme ça dans les sacs cabas, 70 sacs de sacs cabas euh, parce que tout ce que vous voyez entassé là sur trois niveaux euh, euh, derrière, et eh bien tout ça je les ai mis dans des sacs cabas comme ça que j'avais euh, protégé là avec euh, du papier bulle et j'ai tout posé, j'ai tout vidé pour re-remplir ces sacs et j'ai fait ça trois fois. Euh, et je, sachant que j'avais euh, 25 sacs ou un truc comme ça. Donc voilà, donc là c'est tous mes sacs et ça, tous mes livres, euh, jeux vidéo et, et, euh, et manga. Vous voyez, il y a du monde. Il y a du monde. Donc voilà, allez je retourne dans la pièce. Voilà. Vous voyez les coulisses. Hop Voilà, c'est bon, ça remarche, effectivement, merci d'avoir prévenu pour le son. Euh, donc voilà, vous avez vu, alors, bon, j'ai pas vu vos commentaires, je, je remonte vite fait. Euh, hop, 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 donc, salut Mathieu, euh, ok c'est pas de soucis, on dirait que je suis dans première personne, oui, bah, tu vois, Béreuch, pauvre, <laughs> je, 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 Inside, vous pouvez l'appeler la capsule maga Inside. Donc voilà, donc tous les mangas, effectivement, vous avez vu, il hein, y, a, y, a, y a du monde. Hein, et ça me remplit la pièce. Hein, et sachant que toutes les bibliothèques, du coup, me remplissent la moitié de mon garage. Ce qui fait que ben là, j'ai plus de place en fait. Donc il faut vraiment que je finisse cette pièce. Euh, donc voilà. Non, ça va, Brioche, brioche pauvre, je, 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 je vais y arriver. Je, on va se débrouiller, allez aller rentrer. Euh, là, ça va marcher le son normalement. Hein, ça, ça fonctionne à nouveau. Donc voilà. Et, euh, bah, et effectivement, j'ai reçu mes Tezuka. Hein. Derrière. Alors rapidement parce que euh, le, le, là je vous ai montré ça. Alors effectivement à euh, le, le, combien je gagne de mètres carrés euh, Avant j'avais 11,5 je crois et là je vais avoir 14, Donc du coup euh, surtout ça va être plus spacieux. C'est ça qui va être qui va être agréable. Et je ne vais pas refaire les étagères, c'est les mêmes. C'est juste qu'elles sont dans le garage. Je ne vais pas aller jusqu'à là-bas pour vous les montrer, mais elles sont stockées dans le garage, tout simplement. Donc euh, voilà, ça va être une pièce un peu plus euh, spacieuse, plus aérée surtout. Parce que l'autre était un peu serré et là j'aurai un peu plus d'espace, surtout pour mettre un bureau plus grand. Parce que pour les lives et tout, euh, mon bureau était un peu, un peu petit. Et là, celui-là, il est beaucoup plus euh, spacieux. Et euh, si je mets la même configuration, là je vous ai montré avec la Calax à côté, ça me permettra d'agrandir de, 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 l'espace, euh, etc. Donc euh, voilà, mais ça, euh, ça je, je compte faire un petit live hein, euh, la semaine prochaine. Euh, avec mes Patreons, ils ne savent pas encore parce que je n'ai pas envoyé le message <laughs> j'ai totalement oublié cette semaine mais euh, ça pourrait être un petit, euh, j'aimerais faire un petit live privé avec mes Patreons et, euh, et ça peut être un petit truc, qu'on peut voir ensemble comment aménager ma pièce de manga donc s'ils si sont chauds, on le fera ensemble j'ai quelques idées déjà mais euh, ça peut être cool de confronter les idées et euh, donc voilà, donc euh, je, je vais envoyer un petit message je pense demain là pour savoir quel jour on fait ça la semaine prochaine donc voilà euh, donc, ça c'est la pièce donc je suis très content parce que franchement ça va faire une belle pièce et tout, euh, c'est très très cool. Et, euh, et sinon, après, ben voilà, le, le, effectivement, le déménagement euh, s'est bien passé, hormis mon problème à l'œil, puisque pour vous raconter rapidement, parce que bon, là le, le but c'est parler manga, hein, c'est pas parler de ma life euh, en, en détail, mais, euh, mais en gros, euh, on. Euh, le déménagement s'est fait sur deux jours, euh, un vendredi et un samedi, puisque c'est un peu particulier. Je devais euh, absolument rendre la, la maison le, euh, que j'avais avant le, le samedi midi. Donc euh, j'étais obligé de déménager sur deux jours. Et euh, en gros, le soir dans la nuit, on était euh, dans le jardin et, euh, et on était en train de regarder un petit truc. Et le problème, c'est qu'à un moment, je me suis relevé et j'étais collé à un buisson et c'était un laurier rose. Et en me retournant, et bien, bam, j'ai une feuille qui m'est rentrée dans l'œil. Et cette feuille, alors attention, c'est un petit peu, ça, il y en a qui, euh, qui bouchez-vous les oreilles. Euh, il y a, cette feuille en fait, est rentrée dans ma cornée et ben retourné un peu la cornée. Donc ce qui fait que ben, ce n'était pas très agréable sur le coup. Et je pensais que ben, c'était juste un choc quoi, c'était rien. Et en vérité, euh, en réalité pardon, mais ben, non, c est, c est, il y avait une, vraiment une rayure sur mon œil. Donc là, ben, j'ai dû aller aux urgences. J'ai passé la nuit aux urgences, hein, je suis sorti à 7h du matin. Euh, et donc sur le coup, elle m'a dit, ben bah oui, vous avez un ulcère de la cornée, ça s'appelle. Et euh, on, on va vous mettre des gouttes là et on va voir lundi comment c'est. Donc le lundi, j'y suis retourné. Et là, ils m'ont fait euh, non, mais en fait, euh, ça ne s'est pas remis en place. Donc, on va opérer. Donc, on je suis resté toute la journée à l'hôpital. Et euh, on m'a opéré l'œil, euh, donc anesthésie locale. Ça a duré une demi-heure. Pour me remettre la cornée proprement. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que le mercredi, c'était un peu compliqué pour moi de faire le live parce que j'avais un œil euh, depuis, depuis le vendredi soir. J'avais un œil euh, parce que le déménagement, c'est mes amis qui ont fini le déménagement et, et ma copine, c'est pas moi. Et, euh, et donc du coup, euh, je voyais rien parce que j'étais hyper ébloui par toute la lumière et en plus, ça me forçait je forçais énormément pour garder l'œil ouvert, l'œil gauche ouvert. Donc c'était juste pas possible, c'était très très compliqué. Mais après l'opération, euh, on va dire le jeudi vendredi, donc un ou deux jours après le live, ben déjà ça allait beaucoup mieux. J'arrivais à garder les deux yeux ouverts et, euh, et je pouvais pas trop trop rester sur l'écran parce que ça poussait tirer un peu, mais ça allait. Et, euh, et après, ben avec les jours, ça va mieux. Et là hier, j'y suis retourné, donc ça ça fait il y a deux semaines. Hier, j'y suis retourné et euh, j'ai retrouvé ma vue. Donc ça c'est très bien, euh, c'est bon. Donc euh, j'ai pas perdu ma vue. Sauf que euh, y a, ils ont détecté des petites poussières encore euh, présentes. Donc là on m'a donné euh, un autre traitement pour traiter ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, du coup là aujourd'hui j'avais mon oeil qui piquait, donc je ne sais pas si je fais une réaction au traitement ou pas. Donc demain je vais retester, je vais voir. Mais euh, bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé mon oeil. Et moi, les poussières ne me gênent pas, mais ils se laissent le temps de réfléchir s'ils doivent me repérer l'œil ou pas pour me nettoyer proprement la cornée, etc. Donc, c'est pas fini, hein, ce truc d'œil. Mais ça ne m'empêche pas, là, de retrouver une vie normale. Et, euh, et tout ça. Donc, vous avez tous été super gentils. Euh, J'ai reçu plein, plein, plein de messages. J'ai Recevoir au moins une cinquantaine de messages euh, super gentils de votre part pour, que, voilà, pour avoir un bon rétablissement et tout ça. Donc, c'est vraiment adorable. En plus, euh, voilà, bon, moi j'ai essayé de répondre un peu comme je pouvais parce que vous vous doutez bien, euh, je ne pouvais pas trop voir les écrans, etc., mais j'allais un petit peu. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je répondais un peu quand, quand je pouvais. Au début, je mettais des petits cœurs, puis après, j'avais <coughs> répondu aux, aux personnes. J'avais essayé, du moins. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'était très touchant. Franchement, c'était vraiment super. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Ça, ça, ça fait plaisir et, euh, et donc euh, voilà. Donc là, là, on peut reprendre les lives normalement. Ça m'avait manqué. Euh, J'avais même hésité à décaler l'autre et tout. J'ai fait, mais bah, en fait, je, je suis tellement crevé que on va, on, on va attendre. Tant pis, on va l'annuler. Mais je me suis dit, on va faire un petit live avec les abonnés pour, pour compenser. Donc voilà. Euh, donc on m'a tout m'a appelé de, de le corsaire, le, le, le pirate. Il y a plein, plein de petites de petits surnoms quoi. <laughs> Donc voilà, euh, la petite histoire pour résumer euh, rapidement. <coughs> Alors, je vais un petit peu aux commentaires. Merci Tic Tac, bienvenue à toi. Euh, oui, effectivement, hein, ben, je m'en suis sorti, c'est le principal. Moi, c'est ce, ce qui est le plus important, c'est que ma vue revienne. Hein, parce que quand vous vous retrouvez avec un œil, c'est là où d'un coup vous dites Ah ouais, c'est quand même euh, important, c'est vraiment important. C'est là où on est vraiment handicapé que, si on n'a plus qu'un œil euh, oui, c'est une bonne excuse hein, pour zapper un déménagement. Hein. Euh, là, je, je... Du coup, j'étais tranquille le lendemain. Ouais, j'ai pu dormir et tout. Euh, parce que moi, ma, ma copine qui a, qui, a, qui a assuré la suite du déménagement avec les copains, elle avait do dormi deux heures. Elle était KO, la port. Mais bon, elle a, elle, a, elle a super bien assuré. quoi. Et mes, et mes amis aussi. Euh, donc, ben en fait, Tic -tac, je dors avec un, une protection la nuit pour éviter de me gratter l'œil. Et genre, la nuit dernière, euh, la protection elle est tombée parce que j'ai eu la flemme de, la, de changer le scotch. Et d'ailleurs, je pense que je me suis gratté l'œil dans la nuit. C'était pour ça qu'il piquait, d'ailleurs. Donc, salut Akira, bienvenue à toi. Euh, pas de souci. Euh, euh, ciao. Tu reviens quand tu veux. Salut les euh, <coughs> Incas, bienvenue à toi. Et salut Julien. Allez, euh, je propose qu'on commence un petit peu parce que là, on n'a pas encore fait euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses. Bon, je vous ai quand même montré ma future pièce. Hein, ça c'est cool. Euh, juste un petit peu sur les news sur la chaîne. Euh, donc qu'est-ce qu'il y a eu depuis le mois dernier Puisque malgré tout, il y a eu des sorties, malgré mon œil et tout, parce que j'avais programmé plein de choses ce, ce mois dernier. Et des vidéos qui ont été euh, très appréciées, donc je, ça m'a fait plaisir. Salut, docteur Gonzo. Et en fait, donc je vais vous partager moi, là, bon. mon écran. Il faut que je vous mette comme il faut. Euh, du coup, il y a eu deux vidéos qui sont sorties. Enfin, on a fait depuis le dernier live, il euh, y a eu donc le, le, deux vidéos sur le numérique. Hein. Une première qui explique les raisons euh, du pourquoi le, le numérique ne marche pas trop en France et, euh, et un petit peu les, les préjugés qu'on peut avoir euh, sur lui. Euh, et euh, le deuxième qui est, selon moi, un guide, euh, un guide de lecture du manga numérique pour apprécier la lecture au mieux. Euh, de, pour ça, donc. Euh, quelle tablette choisir, euh, quel type d'écran, euh, où acheter, euh, etc. etc. Euh, donc voilà, deux vidéos que j'avais pu tourner en cet été. Euh, pendant que j'attendais, c'était un petit peu mort là, le temps de, de finaliser les... Les, les ventes là, des achats des maisons. Donc, du coup, c'est un truc que j'ai pu finaliser là cet été. Heureusement, c'est un script que j'avais déjà écrit, mais je l'avais un peu peaufiné. Et il y a eu des très bons retours dessus parce que celle-là, elle a fait 1000 vues. Celle-là, bon, elle a moins marché, mais c'est normal aussi. Là, la vignette un petit peu moins, est un petit peu plus classique. Et euh, les Patreons, eux, ont eu droit à euh, une vidéo de 35 minutes où je montre cinq tablettes, pas quatre, mais 5. Cinq. Euh, cinq tablettes euh, et je compare trois tailles d'écran. Donc, voilà, c'est vraiment la vidéo. Euh, un peu un peu geek euh, dans le sens où euh, je montre dans tous les sens euh, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc, c'est un bon guide d'achat euh, que, que j'ai pu proposer au Patreon et euh, qui va de la petite tablette euh, 7 pouces jusqu'à la 13 pouces. Hein. Donc, euh, là il y a vraiment euh, tout. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, euh, le rendu, euh, je pense que sur la vidéo elle est, elle est assez complète. Euh, donc, il y a ça, et depuis euh, la dernière fois, ben, il y a eu quand même 7 nouveaux Patreons. Donc, merci à vous, bienvenue à vous. Hein, Puisqu'il y a eu euh, Claudio Com, qui est, euh, Gomme qui est venu, il y a eu Adrien Doroth, euh, il y a eu Seb Mouy hein, qui est là ce soir, euh, il y a eu Mathilde, Sarah, euh, Gascoigne et euh, Adrien G qui est euh, Adrécha. Euh, donc voilà, donc 7 nouveaux et ce fait qu'on est déjà 27 sur le Patreon. Donc vraiment merci pour vos soutiens, ça me fait euh, énormément plaisir. Je suis en train de commencer à, à galérer à vous mettre dans les, dans les crédits. Euh, à chaque fois je dois réduire la taille ou changer les trucs, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Euh, de d'avoir autant de, de soutien ça, ça fait plaisir donc merci énormément et d'ailleurs euh, merci voilà merci vraiment à tout le monde depuis le début hein, au 27 et euh, pour ceux qui ne le savent pas n'oubliez pas en fait vous pouvez soutenir sur Patreon si vous, vous, aimez, euh, si vous aimez le, le justement le, les lives les vidéos etc et, euh, et ça commence à un euro et tout le monde a les mêmes bonus hein. donc euh, c'est vraiment après selon votre envie y a pas de, j'ai pas fait de compte euh, si tu as payé 5 euros, tu as plus au début. C'était ça, mais j'aime pas du tout ces systèmes là. Je préfère que euh, vous vous mettiez selon ce que vous, vous avez envie de mettre. Donc voilà, euh, donc à partir de 1 euro. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Il y a tous les bonus qui sont ici. Je, je vais pas le, le, le décrire. Euh, surtout, il y a surtout des vidéos bonus qui est intéressante spécialement pour vous. Et euh, la dernière activité, c'est euh, la euh, c'est Bunko. C'est Bunko. Bunko, donc il y a Max et Pedro qui ont, qui ont beaucoup travaillé sur un, da, un nouvel épisode. Je les ai un tout petit peu aidés lors d'une soirée pour faire des, des retours, etc. Et pendant les écoutes, pour faire des retours de ce côté-là. Mais ils ont surtout fait le plus gros, surtout Pedro qui a fait pas mal de, 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 de veilles au niveau des interviews, etc. Et donc on a fait une vidéo sur Akata, enfin une interview, pardon, une interview, un podcast interview à un en interviewant Bruno Femme hein, qui est le responsable le directeur éditorial donc c'est une, une interview de 2h40 elle est très longue et en fait euh, voilà il y, a, il y a eu des très très bons retours dessus n'hésitez pas à aller la voir euh, je sais pas voilà podcast bonco n'hésitez pas à, à aller la voir voilà elle dure 2h44 et donc euh, voilà il y a eu des très très bons retours dessus et honnêtement c'est euh, j'ai juste participé un tout petit peu parce qu'avec le, le déménagement, j'ai pas pu participer au montage, ni à la... ni à la... Comment s'appelle euh, à, euh, à la conception, quoi. Hein. Juste une soirée et quelques petits retours, c'est tout. Euh, ben, voilà, moi, je, personnellement, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré l'émission. Donc, euh, allez-y, n'hésitez pas à écouter. Merci Matojora sur le retour du, du dernier euh, Bunko. Euh, donc tic tac tu as vidé ton compte bancaire ok ce mois-ci un manga ah oui mais là c'est pas moi qui t'ai influencé hein. <laughs> j'étais pas là <laughs> donc euh, donc voilà euh, et effectivement Jean-Jacques euh, c'est bien une référence euh, les 5% que je mets ici euh, c'est 100% manga c'est bien une référence à 100% de No Life parce que j'étais un gros gros fan de No Life je, je passais toutes mes soirées devant No Life à, à la grande époque de No Life j'étais abonné à leur service, j'étais euh, vraiment c'était faisait euh, partie de ma vie et, euh, et du coup euh, bah, du coup oui euh, c'est pour ça c'est des petites références euh, à ça et d'ailleurs j'avais pu voir Alex Pilo au, au dernier Angoulême et j'avais pu lui lui, lui lui vomir tout mon tout mon amour que j'ai pu sur euh, que j'ai pu avoir sur sur euh, No Life hein. j ai, j ai, euh, donc voilà il était euh, il était flatté <laughs> non, vraiment euh, j'adorais cette euh, cette chaîne de télévision. Euh, voilà, donc euh, pas plus, je vous remets le lien vers mes réseaux. Voilà, si, pour ceux qui, euh, euh, ceux qui verront la rediff ou qui découvrent le live, euh, etc. Alors, je vous propose qu'on fasse le programme habituel, puisque là c'est déjà 9h. Euh, et, euh, et donc, du coup, le programme habituel, on va commencer par des news. OK euh, Et voilà, bon, on va commencer par ça tranquillement, quelques news que j'ai sélectionnées. Donc Seb, tu as tu as testé, tu as commandé le labyrinthe des rasoirs. N'oubliez pas qu'il il euh, y a un bonko, euh, le bonko euh, des mangas malaisants. Euh, et euh, donc il euh, y a deux épisodes. Et moi j'avais fait un épisode aussi euh, sur les mangas, sur sept mangas malaisans, même 8 en vérité. Donc euh, n'hésitez pas à tester ça. Et oui, le, le labyrinthe des rasoirs, est, il est épique, épique. Bon maintenant je le lis sans problème, mais au début euh, ça, ça piquait. Alors, en termes de news, qu'avons-nous Alors, des news que j'ai sélectionnées. Hop là. Alors, n'hésitez pas à me dire, à me faire des retours. Hein, si des fois il y a des rubriques qui vous plaisent moins ou que vous trouvez moins pertinents, c'est important. Ou même si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Le but, c'est que ce soit un, un live qui, qui, qui évolue avec vous, hein, avec aussi euh, des attentes que vous pourriez avoir. Et, euh, et bien sûr que ça, ça me plaise, hein. le, le but c'est qu'on qu prenne tous du plaisir dans, dans, dans cette soirée. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire, lâchez que les news c'est un truc que j'aime bien euh, faire. Je ne sais pas si le planning par exemple c'est pertinent ou pas, on va, on va voir, on va, on va le tester encore sur quelques lives. Euh, et puis après il ben, y a les lectures euh, et achats classiques, format je sais que vous, vous appréciez, qui est toujours euh, sympathique à faire. Bonsoir Diès, bienvenue à toi. Alors un petit, euh, une petite news... Euh, C'était Kago qui revient chez les éditions Hubert, puisqu'aujourd'hui, euh, à part euh, Imo et donc maintenant Hubert, il euh, n'y euh, a pas beaucoup d'éditeurs qui, euh, qui euh, font du Cago. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a Démencia euh, 21 qui va sortir. Et Démencia 21 de mémoire, de mémoire, j'en avais parlé, je crois, sur. Euh... Je ne sais pas si on va le voir. Vous, vous doutez bien que je n'ai pas euh... dénoncé. Je crois que j'en avais parlé dans... Ah, je ne me suis pas inscrit. Euh, tant pis, c'est pas grave. Normalement, j'en avais parlé sur mon sur mon Insta. Et donc, euh... et donc du coup, euh... hop là, je vais revenir sur la news. J'en avais parlé sur mon, sur mon Insta. Je ne sais pas si je l'ouvre là. Hop, j'aimerais bien le retrouver fil hop là voilà Ce sera mieux ici on va essayer de voir si le je jeu le retrouve et j'ai fait une petite critique dessus alors dementia 21 c'est pas le meilleur cago hein. justement on devait en parler dans le live il a du mal à charger on devait en parler dans le live pour comment s'appelle euh, pour la, la Mangatech, c'était justement un des, un des prochains. J'ai pas eu l'occasion d'en parler. Voilà, oh butin là, RAM. Bon, c'est pas grave. On va laisser tomber ça. Je, je pensais le trouver plus rapidement, mais euh, mais voilà. Euh, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur rapidement, comme ça vous pouvez déjà vous faire une première idée si ça vous intéresse. Et il y a aussi un artbook, Alors, j'ai pas commandé l'artbook. Je l'achèterai, je pense, à Angoulême ou bon, un truc comme ça, directement sur leur stand. Moi, perso, bon, la version méga de luxe ne m'intéresse pas trop, euh, mais la version classique me suffira euh, amplement pour euh, apprécier euh, l'artbook, puisque j'avais déjà acheté le premier qui était très cool. Et, et même si je connais bien Kago, il y avait encore des, des illustrations. C'est comme ça, je fais, ouf, celle-là, euh, elle, elle pique un peu, mais euh, j'aime bien, bien. Donc, euh, euh, alors... Hop là. Donc voilà, je vais vous montrer quelques images. Comme ça. Euh, euh, alors, je vais activer le téléphone, le téléphone je vais juste remettre ça, mettre ça, comme, ça comme il faut. Hop là, hop là. Hop là, là, là. pardon. Parce que du coup, comme je la l'ai enlevé, c'est bien que le réglage s'est enlevé. Allez, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc en fait, il y avait un coffret à l'époque. Mais on le reverra plus en détail à l'exploration de la Mangatech. Et ça, c'est le... le... Il y a deux volumes. On va commencer un peu ah, par de des rogo Des Et en fait, c'est l'histoire d'une infirmière, en gros. Euh, en gros. Euh, bon, bien sûr, bon, sûr c'est que à, à à la... À la... À la Mais... Mais ça marche moyen, en fait. On sent que... Il a... Il a pas eu... Il a pas eu... Beaucoup d'idées. Et il a eu du mal à se rouler. il a eu du mal à se Double son. Double son. Hop là. Effectivement, j'avais pas coupé le son de mon téléphone. C'est bon, désolé. Donc là, c'est bon, maintenant ça devrait fonctionner. Euh, D'habitude, je le coupe, mais là, en, en, vous montrant la, en vous montrant la pièce à côté, j'ai oublié. Euh, du coup, voilà, le Kago, le, le il, est, il est sympathique, mais euh, honnêtement, c'est clairement pas un de ses meilleurs. Donc, euh, je vous montrerai plus à l'exploration de la Mangatech, parce que là, c'est juste histoire de vous, montrer, euh, de vous montrer ça. Moi, perso, euh, je me contenterai de ma version anglaise. Et je ne vais pas acheter la version française. Parce que le manga n'était pas, euh, pas assez bien. Voilà. Il n'était pas assez bien. Donc euh, je ne le trouvais pas euh, hyper quali. c'est pas un des meilleurs Kago Donc voilà. Euh, alors. Donc ça, c'est juste pour dire, voilà, ça va sortir. Après, si vous êtes fan de cago, allez-y. Hein, faut pas hésiter à, 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 le, à se le procurer. Mais euh, voilà, j'en ai dû des, des meilleurs. Clairement. Et. J'essaie de voir si j'arrive à retrouver ma, ma critique sur le... que J'y je, je, arrive. Sur le, mon, mon Insta. Parce qu'à l'époque, je, je chroniquais beaucoup, beaucoup de, de mangas. Et après, euh, bah, j'ai manqué de temps et j'ai arrêté. Et en fait, je voulais chroniquer en live maintenant. Mais avant, j'en faisais une version écrite. Ah ben voilà, il est là. Il est là. Voilà, je vous avais mis des, des trucs. Et surtout, je vous avais mis une petite, une petite critique euh, euh, ici. Euh, ta 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 ta. Donc voilà, ouais, il y a des choses intéressantes en dedans, mais euh, c'est pas euh, c'est pas... pas euh, voilà, ça, ça, ça tourne vite en rond. Il aurait pu aller plus loin dans certains sujets. Euh, alors, je continue. Euh, une autre news, c'est celle-ci. C'est le fils de Taiwan. Alors, c'est pas pour le manga en lui-même, puisque le manga en lui-même, euh, ben, du coup, euh, je ne sais pas du tout de ce que ça vaut, de quoi ça parle. Je sais juste que c'est en, en quatre tomes. Mais c'est plutôt cette news, ce qui est intéressant, c'est le retour de la collection Madin. Parce que ça faisait très longtemps que Kana n'avait pas publié euh, Madine euh, depuis, je pense, 2020, euh, avant le, la crise Covid. Et, euh, et donc, du coup... C'est très intéressant parce que le label n'est pas mort. Et ça veut dire qu'on risque d'avoir des nouveaux mangas qui vont sortir là-dedans. Et c'est comme il y avait eu la collection c'est Sensei avec Lupin qui était revenu. Alors ça arrive vraiment au compte goutte mais les labels en tout cas ne sont pas morts. Et ça, c'est cool. Titac, non, c'est pas moi qui avais conseillé Escal à Yokohama. Moi je n'accroche pas trop à ces... Euh, j'avais pas trop accroché à ce manga euh, très contemplatif c'est pas trop mon, mon kiff à moi donc ça c'est pas moi qui l'ai conseillé euh, donc voilà donc c'est juste ça alors après euh, les fils de taïwan euh, je sais voilà 4 volumes je verrai si je me les procure ou pas euh, moi je préfère souvent les one shot ça fait beaucoup 4 volumes mais euh, pourquoi pas euh, à tester donc voilà après c'est des titres qui sont souvent un peu onéreux en hein, 18,50 huit euros je sais pas combien de pages ça fait mais euh, ça, voilà, des collections comme ça sont toujours un peu plus chères. Euh, news suivante. Voilà, je sais pas si... Euh, en tout cas, moi j'ai quasiment tous les madines japonais. Je crois que je n'ai pas tous les madines euh, euh, chinois ou coréens, etc. Il fallait que je me les procure. Mais à chaque fois, souvent, c'est des, des très bons titres. Ou des titres très agréables à lire. Alors, j'avais noté celle-ci. Euh, puisque celle-ci, elle était un peu à, à mi chemin, mais il y a eu du nouveau depuis hein, le, le, le changement de couverture de, de Crunchyroll et Casé, qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, voilà, beaucoup de tweets si on veut, euh, euh, notamment avec les couvertures, euh, etc. Alors je vais pas, je vais vraiment basculer puisque maintenant euh, j'ai vu que ça y est, ils, ils allaient euh, euh, ils allaient finalement garder le truc transparent, mais mettre, euh, mettre toujours cette image-là. C'est pas très beau, c'est pas très harmonieux. Ils ont fait euh, un entre-deux, pas sur toutes les séries, mais un entre-deux. Donc voilà, je, 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 je passe, mais euh, il y avait un changement de, de charte graphique. Alors par contre, les petites news cool, euh, c'est que et officiellement, ben, ça y est, pour Angoulême, c'est les 50 ans, donc euh, il fallait qu'il frappe un peu fort. Il va y avoir donc l'auteur de l'attaque des Titans qui sera présent euh, au festival d'Angoulême, hein, donc au festival de la BD d'Angoulême. Attention, ils n'ont pas dit qu'il allait dédicacer, ils n'ont pas dit qu'il donnerait pour les stands de conférences euh, ou de choses comme ça. En tout cas, je n'ai pas vu. Euh, on ne sait pas son programme, on ne sait pas si c'est juste il vient pour le plaisir ou pas. Euh, donc voilà. Donc du coup. Du coup, ben, euh, ceux qui sont fans, il y aura au moins une exposition qui sera cool à voir, je suppose. Ben, J'espère, en tout cas, pour, euh, pour ça, ça devrait être très bien. La seule chose, c'est que voilà, si vous y allez en espérant voir l'auteur, attention, vous pourriez être déçu. Si vous espérez absolument avoir un autographe, attention, il va y avoir du monde. Du monde, ça veut dire faire la queue très longtemps pour un tirage au sort euh, et potentiellement ne pas l'avoir. Hein, donc. Euh, c'est à vous de à vous de voir vos priorités mais sachez que ça va être compliqué je pense d'avoir une dédicace un peu comme quand Urazawa était venu c'était il y avait beaucoup beaucoup de monde salut Rude salut euh, donc voilà donc du coup, euh, donc du coup moi j'y serai en goulam vous le savez donc ça c'est bon euh, et, euh, et donc voilà ça c'est plutôt cool et il euh, y a aussi le il y a aussi le comment s'appelle euh, Ito qui va venir, puisque Mangetsu euh, a dévoilé officiellement que euh, je ne l'ai pas remis là, non, a dévoilé officiellement que euh, il venait. Donc ça, voilà. Et il a retiré son tweet, puisque ben, euh, et comme il a écrit, il a dit euh, en accord avec euh, Journal du Japon, en accord avec euh, le festival, euh, l'annonce est sortie trop tôt, et il fallait pas. Donc, euh, donc voilà. Et aussi on sait... Hop là. Euh, tac, 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 je sais pas si, s'ils si l'ont enlevé ou pas. Mais sur le journal du Japon, ils avaient fait une news sur Junji Ito. Mais ils ne l'ont peut-être pas gardé. Je, je pensais... Voilà, je pense... Non, je ne l'ai pas. Je pensais... Euh, je n'ai pas pensé à faire une capture. Je pensais avoir fait une capture d'écran. Je, je regarde si je, je l'ai gardé. Bah, avec le déménagement et tout ça, je ne sais pas si j'ai gardé la capture d'écran en fait. Ah si, là je l'ai gardé, elle est là. Euh, toc, je la sors. J'avais piqué euh, la story de, de Zeno qu'il avait, qui avait repartagée tout simplement. Hop. Voilà. Euh, et donc voilà, donc on avait la, la certitude qu'il allait venir. Il euh, y en a un troisième aussi qui a été... Alors je ne sais pas s'il était annoncé, le troisième ou pas. Euh, je l'ai vu que ça en parlait sur les réseaux et compagnie, mais je n'ai pas vu d'annonce euh, officielle. Euh, mais en tout cas, c'est un troisième auteur qui commence par i aussi, son nom de famille. Je ne vais, euh, vais pas le dire là, mais, euh, mais on le trouve facilement sur les réseaux. On va laisser, euh, on va laisser les gens chercher. Ça sera rigolo. Par contre, on ne sait pas qui est le catalogue. Et le catalogue aussi bien, ça peut être un quatrième. Parce que tout le monde se bat pour savoir ben, qui aura le catalogue de l'exposition cette année, qui sera l'exposition majeure. Ça, ils ne l'ont pas dévoilé à Angoulême encore. Donc, aussi bien, on aura un quatrième, euh, une quatrième personne avec, euh, avec le, comment dire, le, le, le belle expo et le, et le catalogue. Donc voilà. Mais ce n'est pas Agio. Enfin, en tout, cas, euh, en tout cas, de ce qui a été annoncé aujourd'hui, il n'y a pas Agio. Euh, donc voilà, c'est donc, plutôt cool. Bonne nouvelle pour... Euh, pour, pour les fans tout ça donc ça c'est j'aime bien euh, donc voilà moi j'y serai en tout cas je, comme chaque année et ça va être cool donc voilà merci Simfea d'être passé euh, oui <laughs> oui sinon je te je vais te faire un geste promis <laughs> mais je t'ai cité t'as vu hein, je t'ai mis avec ton beau nom et tout hein. euh, donc voilà donc, Evil a donné un gros indice hein, sur le, sur le chat. Je ne dirai rien. Euh, ensuite, euh, une autre news. Euh, C'est celle-ci. Saka qui annonce un nouveau manga qui s'appelle Great Trailer euh, du mec qui a fait euh, Survivant, le remake. Salut Mathilde. Alors, je ne sais pas du tout ce que ce manga vaut. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais visuellement, je trouve ça très cool, très sympa. Il y a un côté, euh, euh, il y a un côté un peu, euh, enfin, très crayonné, euh, euh, très croquis dans, dans, dans ses dessins. Euh, J'aime bien euh, ce côté-là. On a l'impression que c'est pas, il y a pas trop de numérique et tout. Et euh, voilà, je sais pas, il y, a, il y a un charme dans ses dessins. J'ai hâte de lire, euh, euh, de lire ce, ce manga-là. Il a l'air en tout cas très intéressant. Donc, je ne sais pas ce comme je dis, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais même pas combien il y a de volumes d'ailleurs dessus. Est-ce il euh, y a la source Saka là C'est lui Gekai Donc catalogue... Euh, je sais même pas, même pas regardé le nombre de volumes qu'il y avait. On va regarder sur Manga News. Est-ce qu'ils ont, ils ont dû le référencer maintenant Great Trailer... Un volume en cours, donc à voir. Comme ça en cours, moi je me méfie toujours. Mais il y a un volume en cours. Édition... Non, il n'y a pas plus. En tout cas, c'est intriguant. C'est intriguant et donc je me dis, ben pourquoi pas Donc, euh, un titre que je vais euh, mettre à suivre. Ça serait bien que ce soit inoué euh, pour Angoulême. Je sais pas, ça fait gros inoué. à voir. Euh, en une suivante que je trouvais intéressant aussi, euh, c'était celle-ci. Euh, vous le savez, en ce moment, les webtoons, euh, c'est ça cartonne à fond. Euh, et il y a encore un nouveau label qui arrive. Donc Camondo Books, donc un nouveau webtoon papier. Donc voilà, c'est déjà en application, il y en a, il y en a au moins 10, Mais alors en papier, pareil, il y en a encore, il y en a un sacré paquet. Donc là, en termes de sortie de webtoon, c'est compliqué de vraiment passer à côté et de, pardon, et d'ignorer totalement les webtoons. Alors je sais pas du tout ce que vaut leur catalogue et tout. Bon, je sais juste que c'est le même prix que les autres, etc. Mais voilà, à chaque fois qu'il y avait un éditeur de webtoon, je, je vous le dis. Donc c'est intéressant. Enfin fait, dès qu'il y a un nouvel éditeur, c'est intéressant ou un nouveau label. Et là, ben voilà, un nouveau webtoon, encore, encore un nouvel éditeur de webtoon. Euh, donc c'est qui est spécialisé là-dedans. Donc c'est ça qui est, euh, qui est intéressant en fait. C'est qu'on voit que le, le marché change, évolue aussi euh, euh, tout doucement quoi, vers, euh, vers de, des nouveaux titres qui sortent du Japon. Surtout ça. Et toujours dans ce délire de, de mettre une publication euh, qui a été prévue pour le, pour le téléphone, qui fonctionne très bien sur téléphone, mais de le mettre sur papier. Donc ça, c'est toujours un concept particulier. Euh, je ne sais pas s'ils vont vivre hein, tous ces éditeurs, mais en tout cas, ils tentent leur chance. Hein. Alors, il y avait une autre news. Je vais un peu vite parce que c'est des news où il n'y a pas besoin de, 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 de trucs. Euh, alors, non, Boris, le point poisson d'argent n'a pas été fait. D'accord Mais, 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 euh, j'ai montré ma pièce à Manga. Et euh, surtout, j'ai ça maintenant. J'ai ça, vous voyez Il y a, y a des sprays spécial poisson d'argent, anti-poisson d'argent. Voilà. Donc euh, là, ça, je vais arroser ma pièce pour être sûr de ne pas en avoir. Je l'ai acheté spécialement pour pour ici. Donc voilà, je vais... Et la mettre là, comme ça je l'aurai toujours devant moi. Quand je vous parlerai, je verrai mon, mon anti-poisson d'argent. Je ne savais pas qu'il y avait des produits spéciaux dédiés à ça. Donc là, je vais m'en servir. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Mais avant de mettre mes, mes mangas, je, je vais en mettre. Ah. Euh. Ça s'appelle poisson d'argent. Hein. Tu peux taper poisson d'argent en sticky. C'est hein. comme ça qu'elle ça s'appelle. Euh. Alors... Black Box, Black Box il lance une nouvelle collection. Alors je l'ai noté cette collection euh, parce que je trouvais ça assez intéressant. C'était que c'était des animés comics. Et alors des animés comics, il y en a déjà eu dans le passé. Hein. Il y a déjà eu Dragon Ball par exemple qui en a eu. Euh, donc euh, il y a, je sais plus, 40 volumes d'animés comics qui sont sortis. Donc pour ceux qui connaissent pas, un animé comics c'est ça. C'est-à-dire que. Hop là, il y a des images ici sur le, le site. On prend la série télé. On fait des screenshots et on les met dans un livre. Le Club Dorothée faisait ça. Le Club Dorothée faisait ses propres animés comics dans euh, les magazines. Hein. Je parle du, du Club Dorothée magazine. Donc ça, c'est euh, ce qui c'est ce qu'ils vont faire. Et donc là, par exemple, il y a City Hunter euh, qui vont faire. Alors perso, j'ai un peu de mal à, à, à vraiment voir le, le plaisir de lire ça ou l'intérêt de lire ça. la limite, euh, je préférais voir l'animé directement, mais Bref, en tout cas, euh, c'est ils vont sortir euh, donc deux tomes euh, de City Hunter. Alors je sais plus ce qu'il y a comme autre titre. Euh, elle est tout ma news. Elle est là, hop là. Euh, ils vont sortir euh, réincarnation donc Pissama Earth, Nadia en six tomes, Megazone, Albator donc euh, Windaria et Dirty euh, Dirty Pair, Dirty je crois qu'il sort toutes les versions possibles. Euh, donc voilà, donc du coup. Ça m'a fait un peu rire de voir ça. De... Le Club Dorothée avec tout compris, avec le Club Dorothée Magazine, euh, Dragon Ball Comics Animé, là pareil, ça s'est vendu. Il y avait eu Akira aussi en comics animé, il y a très longtemps chez Kana. Et, euh, et là, City Hunter et tous ces mangas-là. Est-ce euh, qu'il y, est qu y a vraiment des gens que ça intéresse dans le, dans le chat Dites-moi, parce que j'en ai, mais au... moi perso, ça ne m'intéresse absolument pas de, de voir des, des versions animées mises en papier. Quoi. Autant regarder les versions animées. Surtout que c'est pas comme si le dessin avait été un peu retravaillé et tout. C'est vraiment des screenshots qu'ils ont. Ils cropent et puis ils font une mise en page et puis basta, quoi. Ils mettent des bulles. Mais c'est tout. Donc toi, Tic-Tac, oui. Mais pourquoi ça t'intéresse, même solder C'est ça le, le truc. Est -ce que, pourquoi ça t'intéresse d'avoir ça dans ta collection C'est ça qui est, euh, qui est... qui est intéressant. Donc voilà, je l'ai mentionné parce que moi, je me dis, mais pourquoi ça Donc le... Voilà, le premier TV spécial issu de la série. Bon, OK. Donc, je pense qu'ils vont tester. Hein. De toute façon, il faut bien tester pour voir si, si ça marche. Hein. En tout cas, perso, ça sera sans moi. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, pas intéressé du tout. Valeur <laughs> juste de max. Ouais, donc, pareil. Ouais, on est à peu près tous du même. Ouais, et encore, même les fans hardcore, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je, je, Aucune idée. Alors, la news suivante. La news suivante, c'est le report et le changement de format de prix pour le manga gourmet solitaire. Et je trouvais ça intéressant parce que euh, à la base, il était censé sortir en grand format et finalement ils vont le sortir en petit format, enfin en format moyen, ils le sortent en petit format et le prix qui euh, bah, est divisé par deux quasiment. Et c'est assez intéressant parce que de mémoire, j'ai pas souvenir d'une annonce euh, dans ce sens-là. C'est-à-dire... Euh, une annonce où il y a un changement de format qui avait été prévu. Généralement, on le voit. À chaque fois qu'il y a un truc qui ne plaît pas, euh, même dans les derniers trucs, ils en parlent et puis de toute façon, la production, elle est déjà lancée. Donc, euh, on ne. Euh, comment dire On euh, euh, ne. On, on ressort, enfin, je veux dire, on ne change pas les plans. On calme un peu le jeu avec les fans et puis après, on passe à autre chose. Là, ils ont vraiment changé de format. Il y a un changement de stratégie dessus ils se sont rendus compte que peut-être que le format n'était pas adapté et que ça risquait de foirer la série parce qu'elle était peut-être un peu trop chère pour, 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 pour cette série-là. Donc je trouvais ça intéressant. De mémoire, en tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Un changement de format euh, au dernier moment. <coughs> euh... D'accord, donc, donc toi, tic-tac, tout à l'heure, pour City Hunter, c'était pour les compléter. Voilà, C'est vraiment pour la collecte. Quoi. Donc non, ce on n'a pas parlé de fleurs de pierre et je ne l'ai pas acheté, donc euh, du coup... Euh... On ne pourra pas en parler. Et parce que bon, ma librairie ne l'avait pas. Euh... Ah oui, oui, effectivement, ils ont officialisé Georgie aussi. Georgie, je les ai, mais en petit format. J'en avais parlé euh, euh, dans mon dans un live Mangatech. Et, euh, et c'est vrai que le grand format était cool. Mais euh, mais là, je ne savais pas que c'était en, cou en couverture souple. Euh... Ouais, donc ouais, peut-être Mato Joran. Hein, peut-être que. Et ils l'ont annoncé. Pour, euh, avant d'avoir les droits, je ne sais pas trop. Mais oui, avec le Japon, ils ont dû bien négocier. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ou le Japon n'était pas d'accord. Euh... Ah, d'accord. Toi aussi, Mathilde, tu penses ça Mais c'était ça. Donc du coup, mauvais, euh, mauvais, mauvais temps dans le planning. Ils ont un peu comme, euh, je crois que c'était Glenna avec euh, le premier volume d'Évangélion, Il avait annoncé, il pensait avoir la validation, mais en fait, ils ne l'ont pas, euh, ils ne l'ont pas euh, eu. Euh, comment ça s'appelle, peut... enfin, ils, ils en vérité ils n'avaient pas eu la confirmation officielle ils avait annoncé, bon ça n'a pas changé les choses mais, mais, euh, mais là peut-être pareil, ils ont dû l'annoncer en pensant qu'ils avaient le, la possibilité, enfin qu'ils avaient le droit et puis finalement ils, ils sont revenus dessus quoi. Euh, mais je pense que c'est mieux qu'ils le sortent en petit format ce truc là, hein, euh, qu'en qu qu moyen donc euh, ok donc voilà, donc c'est juste un petit truc, je trouvais ça intéressant parce que bah du coup, euh, euh, bah, du coup voilà, ça, ça sera plus accessible en tout cas pour ceux qui veulent l'acheter. Personnellement, c'est pas une série que moi qui m'intéresse. Me, qui me, qui J'avais adoré Très pour Trait de, de, de l'autrice, mais euh, voilà, je suis pas dans... j'ai pas envie de faire sa collection. Les lire, oui, si j'ai l'occasion, mais pas de les acheter. Euh, donc voilà. Et Fleurs de Pierre, bah oui, il sort aujourd'hui. Euh, J'hésite encore à l'acheter, j'ai envie de l'acheter, mais le prix... Euh, pff, euh, il pique un peu. Donc euh, d'un côté, j'ai envie de soutenir, mais de l'autre, j'ai pas envie de soutenir le fait de payer 35 balles euh, ce livre-là. Euh, parce que des gros, gros, des grands, grands formats, moi, je ne suis pas très fan de ces méga formats. Donc euh, voilà, je me laisse le temps de réfléchir. De toute façon, les quatre volumes, ils vont sortir sur 5 ans. Donc euh, on a largement le temps. Euh, alors, la news suivante. C'est euh, la ressortie des histoires courtes d'Hiroki Endo, l'auteur de Eden. Alors j'en parle parce que alors déjà, ceux qui n'ont pas lu Eden, allez lire Eden. Eden, c'est est génial. C'est clairement euh, une œuvre de SF de, de, euh, de qui n'a qui, qui pas vieilli, qui est vraiment euh, génial. Et euh, les histoires courtes, je les ai aussi. Alors je ne peux pas vous les sortir. Hein. Vous avez vu l'état de ma, de ma collection la voie l'année, mais j'ai euh, euh, je les avais lus à l'époque et j'ai pas j'ai pas de souvenir hein, des histoires, mais j'ai un souvenir, c'est que ça m'avait marqué dans le sens où j'avais trouvé ça génial. Pourtant à l'époque, je vous avais déjà expliqué dans d'autres lives, à l'époque je n'aimais pas les séries courtes. J'avais même expliqué ça, je crois, dans mon parcours de lecteur, dans la vidéo. Je n'aimais pas les séries courtes, les, les, et encore moins les petites histoires courtes dans un one shot. C'est-à-dire que déjà un one shot, une histoire de one shot, je trouvais ça euh, pas terrible parce que euh, je trouvais que ils n'avaient pas le temps de développer l'histoire. Et à l'époque, je préfère avoir beaucoup de volumes. Et, euh, et quand j'avais lu Eden, c'était un des rares livres auxquels j'avais pris vraiment un kiff à, à lire les petites histoires. Bon, en fait, je me suis dit, mais bah ouais, mais ces histoires, elles sont, elles sont suffisantes en fait. Et donc, du coup, je m'étais régalé à lire les histoires courtes de de Sauter. Donc, il y a que il n'y a que deux volumes, donc là, un volume en grand, en, dans leur nouveau format. Donc, franchement, si vous avez envie de découvrir cet auteur, euh, ou si vous avez Eden déjà, ne passez pas à côté de, euh, des histoires courtes d'Hiroki Endo, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si euh, certains l'ont déjà lu. Celui-ci qui a la, la première édition, la petite. Moi, j'en ai une, elle est, elle est pourrie. Elle est jaune, elle, est, elle, elle, a, elle a pris le soleil et tout. Je l'avais acheté d'occasion à l'époque. Et euh, en tout cas, voilà, c'est. Je pense que c'est une belle façon de, 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 de découvrir l'auteur sous différentes facettes. Et, et pour une fois, des histoires courtes euh, sont vraiment géniales à lire. Donc voilà, ne passez pas à côté. Donc, ouais, avec vois Arnaud, pareil, hein, donc de, de bons souvenirs. Euh, alors, il reste trois news hein, que j'ai notées. Voilà, là, là, de toute façon, c'était des news assez légères, hein, parce que c'était était la reprise. Et puis il n'y a pas tout le temps des dramas et compagnie. Et puis même si Anna, on avait déjà parlé euh, la dernière fois de Glenna, on avait parlé là de, de, de déjà un petit peu de Kazé. Euh, à la limite on pourra en reparler après, mais, mais c'est tout quoi. Y a, y a, Après c'est des news très classiques. Euh, alors, alors des news qui commencent à arriver et il fallait bien que ça arrive parce que ça commençait à râler euh, comme quoi Panini avait augmenté ses prix euh, et, et un autre aussi. Mais, euh, et Kana, je crois, je sais plus, mais le, le, le. Ça y est, ça arrive, puisque tout le monde avait provisionné plus ou moins, je pense, les gros éditeurs pour 2022 euh, ces stocks de papier, mais ça y est, on commence à arriver en 2023, et là, eh ben, il se rend compte qu'il faut augmenter les prix. Donc Gléna est en train de dégainer euh, sa nouvelle politique tarifaire, euh, donc ça va, c'est pas méchant, c'est-à-dire que si on suit bien, euh, les, les premiers mangas ont pris 10 centimes, ce qui est absolument rien, honnêtement. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas augmenté que c'est rien du tout. Mais on voit qu'ils voulaient vraiment rester sous la barre symbolique des 7 euros, hein, clairement. Et le reste a pris 30-35 centimes. C'est tellement des machines de, 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 de guerre en termes d'impression que voilà, l'inflation reste assez limitée chez eux, de manière, de manière générale. Donc du coup, honnêtement, c'est pas beaucoup. Mais il y a Kurokawa aussi qui a aussi dégainé sur l'augmentation. Ils ont même fait un live d'ailleurs. Euh, Là-dessus, je l'ai écouté, c'était assez, euh, assez intéressant. Ils avaient déjà fait un. Euh, Grégoire Elou, il avait déjà participé, je crois, à un manga ou un truc comme ça, où il expliquait justement tous ces problèmes-là, et euh, d'impression. De, de, et euh, là, il a fait un live sur le Curo Live, il est disponible là, sur leur chaîne YouTube, je crois. Euh, je sais plus, voilà, mais il Ils le mettent ici sur la news. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent, le, ceux qui veulent euh, voir la vidéo. Ça dure une heure, hein, donc euh, c'est quand même assez long. Euh, qui explique avec un des, euh, des fabricants de papier. Et eux, leur, euh, leur augmentation, voilà, elle est un petit peu, euh, un peu plus. Euh, donc, des fois, c'est 5 centimes. Euh, voilà, des fois, euh, fois c'est 30. Voilà, Mais bon, dans l'ensemble, ce n'est pas, pas trop méchant. C'est surtout les petits, en fait. Les petits qui, eux, prennent 30 centimes. Ce qui fait un peu mal pour, pour ceux qui euh, aimaient les mangas à moins de 7 euros. Moi, perso, ça fait longtemps que j'achète plus des mangas à 7 euros. Alors, ça ne me change rien du tout. Euh, donc voilà, donc ça, ben voilà, c'est normal. Vous allez avoir des augmentations euh, comme ça, et honnêtement, c'est pas méchant comme augmentation. C'est euh, euh, même si je sais que quand euh, on, est, euh, on est jeune ou étudiant, euh, 10 centimes c'est peut-être la fin du monde, mais en vérité, c'est rien du tout. Euh, donc voilà, euh, ouais, non, les hippos, si tu veux te les acheter, euh, il faut quoi. Euh, alors, Seb Mugi pour la série de MMA de Hiroki Ando. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc euh, je ne pourrais pas te le te dire. Donc voilà. Euh... Donc oui, donc euh, Matojura, tu liras les Eden. n'as pas encore lu les Eden. Mais oui, c'est pas mal, je pense, le, le petit one shot pour se mettre euh, juste découvrir l'auteur. En tout cas, dans tous les cas, tout est bien. Euh, donc ouais, donc c'est euh, notaku, et ouais. tu verras, c'est cool, euh, Hiroki Endo. Et euh... Donc, oui, oui, il était intéressant le live Kurokawa. Après, des fois, Greg il a, il a, il a tendance à, avoir, à vouloir surdramatiser certains points que, que l'autre partie, euh, partie a euh, justement le reprendre. Non, non, là, ça, ça, il n'y a pas de corrélation. Mais euh, de manière générale, c'était intéressant. Et si tu étais intéressé par le sujet, euh, comme je te disais, il y avait un manga cast spécial crise du papier. Alors, attends, on va aller voir chez eux. Euh, podcast manga cast euh, doc alors, je sais plus lesquels c'était mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça j'avais écouté ça il y a je sais pas si je vais vous le retrouver là voilà c'est celui le 86 euh, alors le, 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 la discussion euh, s'étale un petit peu elle est un peu longue euh, sur l'ensemble je trouve que la version youtube est clairement beaucoup plus concise et, euh, et moins répétitive que, que dans le podcast. Il est un petit peu plus enroulé pour le podcast. Mais voilà, il revient là-dessus pour ceux qui veulent écouter un peu plus là-dessus. Mais honnêtement, le, 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 le YouTube se suffit à lui-même. Euh, donc, oui, ben Julien, le papier fait co-augmenter, co-augmenter. Et maintenant, c'est le coût énergétique. Parce que, euh, comme ils expliquent, le transformer euh, la pâte, euh, à papier, en vraiment en papier, c'est très très énergivore en fait, en énergie. Donc c'est pour ça que même, moi je serais très curieux de voir l'impact en réalité écologique euh, dessus, sur le, le, la filière du papier parce que je pense qu'elle est assez importante euh, quand voilà, on dit par exemple le numérique, il y a les serveurs, il y a siami quand on prend toute la chaîne de production du papier. Euh, je ne suis pas convaincu que le papier soit, soit plus écologique. <laughs> Mais ça, je pas de chiffres. Là. Il faudrait que je me renseigne un jour. Euh... Le tic-tac. Donc, maintenant que les formats doubles sont plus, in... plus, in... Sont plus intéressants, comme à l'époque des mensuels rouliers, des comics semi-mix, chez Français. Qu'est-ce que tu veux dire en fait C'est que maintenant, tu préfères les formats doubles, c'est ça Salut, euh, y a-t-il un pilote dans la vie Enfin, dans le manga. <laughs> Bon, J'ai saisi ta référence, hein, ça c'est bon. Mais oui, salut, bienvenue à toi. Euh, donc, un podcast sur, sur le manga. Euh, c'est cool de, de passer, merci. Salut euh, CJ, bienvenue à toi. Euh, donc, ça a l'air pas mal, je vais l'écouter pendant le télétravail. Oui, tu peux parce que en fait, c'est juste des personnes qui parlent. Donc, tu n'as pas besoin de regarder les images, tu peux vraiment l'écouter en podcast, le, le, cette version YouTube. Exactement Julien, avec les livres qui finissent en pilon, parce qu'il y a des retours, et même un, un petit éditeur qui n'a pas, pas des retours très élevés, ça reste du 5-7%. Donc imaginez euh, quand, vous, quand un éditeur imprime 200 000 livres et qui a euh, qui a potentiellement 5% de retour, et que c'est du pilon, parce qu'il y a des défectueux, etc. Ça a un coup, ça a un coup. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça, je serais très curieux dessus. Mais en tout cas, voilà. Ne, ne soyez pas surpris que tous les éditeurs là, euh, augmentent leur prix. Alors, news suivante. Il reste deux. Ça va aller vite. Euh... Hidechi Inou va revenir chez Imo. Ideshi Inou, un des maîtres euh, de l'horreur. Hein. Bon, après, euh, les, les, les noms hein, entre Dieu, machin, roi, on s'en fout. Mais un des grands auteurs euh, d'horreur euh, du Japon va revenir avec trois mangas. Donc, le premier, c'est Onimbo. Le deuxième, c'est le cadavre vivant. Et le troisième, c'est le chat noir. Alors, du coup, euh, c'est cool parce que ça respecte. Je sais pas si on voit les trois. Voilà. Ça respecte, ça, c'est les anciens. Ça respecte la charte graphique euh, des autres. Donc, ça, c'est très, très cool. Et c'est cool d'avoir du Inno à nouveau. Donc, euh, moi, j'aime bien Inno. Euh, il est assez chelou dans ses dessins et tout. Alors, je ne peux pas vous montrer les... les autres Inno, mais normalement, je vous ai. Je vous ai... Ah! du mal je vous les avais déjà montrés dans euh, la, la manga tech euh, sur mon 3 ou un truc comme ça à, à vérifier euh, donc voilà donc ça à noter moi je trouve que c'est cool ça je l'ai acheté c'est sûr donc derrière euh, ça c'est bien ça merci euh, merci pour le retour sur, sur le podcast euh, je le transmettrai aux, aux copains ça, ça fait plaisir euh... Ah ben écoute, bienvenue à toi. Tu verras, je fais des, des, des lives et des, et, et des petites vidéos sur les sujets du manga. N'hésite pas à explorer. C'est avec plaisir. Euh... Donc Julien, ouais, le lézard noir avec ses livres sous film est l'un des plus écolos car ses retours sont revendables. Euh, oui, alors après, c'est toujours pareil, il y a un hein, film plastique dessus, mais euh, les livres s'habillent moins. Donc euh, c'était toujours... Euh... C'est toujours euh, discutable. Mais euh, je sais que le Lézard Noir fait beaucoup de, de revente de livres. Euh, comment, comment il appelle ça Je ne me rappelle plus, mais sur son, son stand, à chaque fois, il y a, y a des livres qui vont moins cher parce qu'ils ont été un petit peu abîmés, ils ont un peu vécu. Et du coup, ça peut être l'occasion de faire des bonnes affaires si on n'est pas regardant sur l'état du livre. Quoi. Donc ça, c'est cool. Euh, donc voilà, donc, euh, je ne sais pas qui, euh, qui a lu déjà Inno, qui a, euh, a déjà... Euh, mmh. Euh, l'us qui a existé puisqu'il y a, a Inno en anglais je sais pas s'il si est sorti là city of pig je l'ai pas commandé encore donc euh, je crois que alors si je regarde la Mangatech, des vidéos je crois que c'est celle là on va, on va regarder si on la trouve ah ben merci pour ton retour sur le numérique c'est cool je sais que je sais que ça euh, ça a plu, le, le retour, sur, enfin, la, la vidéo sur le numérique a plu. Il euh, y a eu, bien sûr, il y a toujours des personnes qui étaient moins convaincues, mais euh, malgré tout, ça, 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 ça a attiré la curiosité. Je pense que Ino va être ici. Hop, hop. Non. Alors, hop ici. J'essaie de voir si je vous les retrouve. Ah, ils sont là-dedans, mais je pense qu'il est là-dedans. Il euh, faut à retrouver, mais. Il en a tellement. Euh... Il y en a trop. J'en montre trop dans le <laughs> dedans. Non, comme ça, je pas à vous retrouver. L'aperçu n'est pas suffisant. Mais, euh, mais il est là en tout cas. Euh... Dans, dans ce live-là, je pense. Euh, donc voilà, donc je peux pas vous montrer les livres du coup parce que bah, vous avez vu, hein, ils, sont, ils sont cachés. Euh, mais, euh, euh, mais du coup, euh, voilà. Donc Ino, en gros, j'essaie de retrouver, de, de parler en même temps. Euh, Ino, c'est surtout qu'il a un univers très euh, très glock. Alors c'est pas les images que je montre. Hein. Je suis juste en train de essayer de trouver. Ça c'est du Mez non, mais je ne sais pas. Pour moi, c'était ici, mais je n'arrive pas à le retrouver. J'ai dû les dé... Peut-être qu'ils n'étaient pas... Je sais pas. Ah, voilà, ils sont là. Les Ino. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, j'ai rangés je crois. Ça y est, c'est ça. Voilà, ça c'est Ino. Je vous le mets en grand. Vous voyez, donc c'est la tech numéro 2 à 1h10 à peu près. Donc, vous voyez, le dessin est très particulier. C'est très, euh, euh, comment dire, euh, très, très dégoûtant en même temps, c'est très malaisant, voilà, c'est très malaisant son dessin. Et moi j'aime beaucoup ces histoires, surtout euh, Panorama de l'enfer. Euh, après, voilà, il faut, il faut, accrocher, ça reste, un, euh, voilà, il y a un côté exactement, voilà, une ambiance très malsaine, très malsaine, dérangeante, comme dit Boris. Euh, et ça, voilà, il faut, il faut que ça plaise, hein, il faut accrocher à cette ambiance-là. Qui a, qui a des personnages un peu grossiers euh, derrière, mais en fait les situations elles sont vraiment euh, elles sont, elles sont affreuses en fait, elles sont vraiment vraiment affreuses. Quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder Inception de live, hein, vous avez vu, euh, je vous montre des lives dans des lives. Quoi. Euh, donc c'était l'exploration numéro 2, et, euh, et c'était à 1h10, vous devriez, je pense, 1h10, euh, tous les voir. Donc N'hésitez pas à jeter un oeil dessus, ça pourra peut-être vous, euh, vous donner envie de découvrir cet auteur. Donc euh, moi j'aime beaucoup. Quoi. Donc Arnaud, Tal et trois. un grand oui pour Rino, pour Julien. J'ai lu et apprécié sans pour autant parler de Maître de l'Horreur. Oui après voilà moi les noms à chaque fois ça me fatigue un petit peu donc euh, je reprends un peu le texte voilà mais le Maître de l'Horreur sera de retour. C'est après ça reste très très ma marketing. Euh... Donc voilà. Alors. Euh... Alors, je ne connais pas euh, Julien, le stoteur, le, du coup, Stéphane Blanquet. Je ne suis pas du tout calé en BD, donc du coup, euh, je suis très, très mauvais. Alors, je vais juste lire le commentaire de, de Tic qui répondait tout à l'heure sur les, sur les éditions doubles. Alors, oui, dans les années 90, je prenais les reliés pour pouvoir tout suivre Titan, Spidey, Strange, Special Strange et les RMC, les top BD avant les concurrents comme Image. Et avec les rééditions en gros format, comme les versions Omnibus pour Panini, Marvel, 80 euros, mais pas 800 mais pour 800 à 1200 pages, pour un fort, OK, euh, contre un format simple de 120 pages pour 18-20 euros. Et le, voilà, et le manga se tourne vers cette politique pour les formats plus grands. Oui, d'accord, oui, oui. Mais oui. Oui, il y a une certaine, euh, un petit peu, bobotisation du manga aujourd'hui, hein, clairement. Mais, euh, mais ça, c'est voilà, pas d'aujourd'hui de vouloir proposer euh, du manga euh, plus cher, euh, soi-disant plus qualitatif euh, en, en format. Et au final, euh, ben, on, ça, on paye un peu la rareté aussi du, du, du manga. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir. Euh, certains sont, sont vraiment sur ce créneau-là. Et là, euh, quand on arrive à des histoires comme Issan ou comme là, les, les Fleurs de Pierre chez, chez euh, Revival, là, à 30 balles de volume, euh, on est vraiment là dans des, des prix qui, qui, sont hyper, euh, qui font un peu mal. Quoi. Donc ça. Euh... Euh, mais ça, il faut, voilà, faut s'y faire maintenant. Ils savent très bien qu'ils s'adressent à une tranche très, très particulière. Euh, et la dernière news pour aujourd'hui, euh, c'est celle-ci qui est arrivée juste avant, là, de, il y a quelques jours. Euh, c'est Fushigi Yugi, le retour. Qui connaît Fushigi Yugi C'est le charnac. Bienvenue. C'est toi, Charnac, qui fais la vidéo, la, la chaîne ébulaire c'est bien toi normalement. Parce que de j'avais vu ton nom dedans. Alors pour Fushigi Yugi, c'est une série, moi c'est mon premier shojo que j'avais lu en 98. Et Fushigi Yugi, moi j'ai hâte de vous le montrer conformément à les Tech, parce que c'est un c'est un manga que j'adore. Et euh, le premier a 18 volumes. Il euh, y a eu donc une préquelle, parce qu'en fait il y a quatre prêtresses dedans. Il y a eu une préquelle euh, qui faisait 12 volumes et il manquait la dernière partie, le dernier arc, euh, donc Bacchio, euh, qui avait commencé en 2017 mais qui avait été mis en pause, euh, etc. Et apparemment ça reprend l'année prochaine, euh, donc à l'automne 2023. Donc c'est on a le temps, mais, je, mais là ça y est, elle est en train de préparer. Euh, elle est en train de préparer le, le comment s'appelle, le, le, la suite. Et donc ça, ça fait plaisir parce que moi j'ai hâte de savoir la fin de ma saga. J'adore cette saga et j'ai hâte de vous en parler. Donc ça, quand on fera la Mangatech dessus, on va passer un bon moment sur Fushigi Yugi. Je vous préviens. Donc voilà, c'était, ça c'est ma petite news plaisir. Et pour vous, il y a rien de plus quoi. Euh, Oui Charnac, c'est toi qui fais la chaîne nébulaire normalement, parce que je crois avoir vu ton nom dessus. Sharna qui est un patreon si je me trompe pas. Euh, il faut, faut que je revérifie, mais oui, normalement oui. Je vais vérifier parce qu'à force, je commence à, à ne pas me rappeler de tous les noms. Vous voyez comme je suis euh, je suis mauvais. <laughs> Hop. Euh, donc du coup, euh, donc voilà, ça c'était les news. Pour, euh, pour euh, ce mois-ci. Et euh, je peux vous proposer qu'on enchaîne sur le planning rapidement. Ah, tu es Gabriel, voilà, c'est ça. Mais c'est toi qui fais la chaîne Nébulaire ou pas je, je ne sais plus. C'est ça la question, surtout. Donc, Fushigi Yugi, tellement, nostal... tellement de nostalgie, oui, tout à fait, oui. Salut Sarah Ah, peut c'est peut-être la Sarah aussi de mon Patreon, alors, c'est possible. Parce que là, je n'ai pas les pseudos. Euh, parce que sur le Discord, euh, vous êtes en doré, donc je le sais de suite. Euh, là, sur YouTube, je ne le sais pas. Euh, donc, du coup, euh, le planning. Allez, on va faire le planning. On va aller un peu vite fait sur le planning parce que j'ai pas mal de lectures et il est déjà euh, il est déjà tard. Euh, ça, ça, vite. Ah non, mais c'est pas toi, alors. C'est pas toi. C'est une chaîne sur les chevaliers du zodiaque que j'aime beaucoup. Euh, la, la chaîne nébulaire. Pour ceux qui aiment les chevaliers du zodiaque. Hop là, n'hésitez pas à aller voir euh, cette chaîne. Euh, c est, c est, le mec, il est archi fan de, de, des cheveux de Zodiac et il analyse tout. J'aimerais faire la même chose avec Tezuka. Hein. C'est tellement qu'il y a d'infos et tout. J'ai juste pas le temps pour faire ça, mais je sais même pas d'où il trouve ce temps pour faire tout, euh, toutes ces vidéos à gogo parce qu'il en a fait, mais, mais il en a fait mille quoi. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir la, la chaîne Nebulaire. C'est une très très bonne chaîne. Euh... Alors, le planning. Est-ce que vous aimez le planning Moi, c'est la question que je vous pose surtout. Est-ce que vous aimez cette petite partie ou... Où... Non, on va aller surtout sur Manga euh, Sanctuary. Parce que les images sont en grand. <laughs> Est-ce que vous aimez le, 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 le planning, savoir si je continue ou pas euh, cette partie, si ça vous intéresse ou pas? Hein, vous savez, hein, le but du planning, c'est regarder un petit peu ce qui sort. Moi je vous dis qu'est-ce qui m'intéresse perso, qu'est-ce qui semble intéressant. Et des fois, s'arrêter dessus, s'il y a vraiment un truc à dire, sinon, ben, je passe. Ah, si bien toi, Sarah, mais bienvenue. Donc, Boris ne change rien, ça Boris. Donc voilà, je pose la question régulièrement parce que c'est important d'avoir vos feedbacks. Hein. Je me doute bien que euh, euh, c'est jamais euh, facile de dire à quelqu'un « Ah ouais, non, ça, j'aime pas trop euh, euh, le mettre dans les formes pour pas vexer, etc. » Moi, je vais pas me vexer si vous me dites « Ah, c'est vrai que cette partie-là, je la trouve un peu plus faible ou moins intéressante. Moi je préfère. Je préfère, je préfère qu'on me le dise. Euh, très très bien. Alors, donc toi, Aota, tu enregistres ta collection sur manga sanctuary. Moi, je continue à le faire, mais j'utilise surtout manga collect maintenant. Alors, en sortie euh, planning, bon alors, ben, vous avez le Dan Dadan hein, qui sort. Hein. Je ne l'ai pas lu. Je pas lu, donc euh, je ne peux même pas vous dire si c'est bien, pas bien. Euh, J'aurais bien aimé le lire, mais, euh, mais je ne l'ai pas lu. Donc euh, il fallait que je, que, que je m'y penche. Euh, déjà, je n'ai pas lu le dernier chapitre de Chaîne Somaine. Il faut que je m'y mette. Parce que les mangas comme ça, je lis, je parle pas spécialement, mais je, je les lis aussi. Bon, Vous êtes tous adorables, c'est cool si, si vous aimez cette partie-là. Euh, J'essaye de ne pas trop taper la table et le micro, parce que je sais que des fois dans les lives, ça, ça s'entend. Et, euh, et là, euh, que vous avez vu tout à l'heure, j'ai acheté des bras et compagnie. Je suis en train de faire des essais avec des nouveaux bras que je me suis euh, fait plaisir. Et, euh, et je vais essayer après de mettre le, le micro en hauteur pour justement éviter ce genre de, de son. Donc je, je, je réfléchis à des setups, à améliorer des setups et tout. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte que le décor revienne avec ma, ma pièce derrière. <laughs> Alors du coup, ben, Fleur de Pierre qui sort. Alors, Fleur de Pierre, qui est un manga qui avait qui été euh, édité euh, il y a très longtemps, mais qui n'a jamais été fini. Mmh. Et n'hésitez pas à me dire vous ce qui vous intéresse hein, quand vous voyez passer les, les trucs. Mmh. Ça ne veut pas dire que. Alors n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que je ne cite pas le manga ou je n'en parle pas, que ce n'est pas bien. C'est juste qu'il n'a pas attiré mon attention plus que ça. Derrière. Euh, donc Fleur de Pierre, ça m'intéresse. Le prix me refroidit tellement. Pardon. Mais euh, je pense qu'il me faudrait pas grand-chose pour que je, je passe le pas pour l'acheter. Il y a bien un manga que j'aimerais lire moi, c'est Golden Guys, mais juste en, en lecture un peu popcorn. Voilà. Alors, euh, la communication de l'éditeur aujourd'hui, il dit que Golden Guys est un manga underground. Non, non, non. C'est un manga très mainstream euh, qui est juste dans euh, le milieu des yakuza. Hein. C'est hyper mainstream. Ne, ce n'est pas de l'underground je vous montrerai de l'underground ce que c'est euh, d'ailleurs je sais pas si j'en ai de l'underground non bon, c'est pas grave c'est dans les sacs je vous montrerai euh, normalement à la prochaine à la prochaine euh, manga hein, qu'on va faire dans 15 jours je vais vous montrer ce que c'est de l'underground et vous allez voir que ça n'a rien à voir et l'underground ça pique les yeux je peux vous l'assurer donc euh, là non c'est très très mainstream hein, je vous le dis <laughs> Euh, donc il y a... Alors les enfants d'Ipro4, moi c'est pas une série qui me donne envie. J'ai lu, euh, lu déjà euh, ben, le... son autre série qui était... Euh, euh... Ah La série chez du Pic j'ai chroniqué le, le, le mois dernier. J'ai un trou. Trou de mémoire, attendez, je vais regarder. Le bateau de Thésée, voilà. Le bateau de Thésée. Merci, euh... <coughs> les Le bateau de Thésée et, euh... et donc du coup... Euh... Ben, le bateau de, le bateau de sais moi j'ai pas plus accroché que ça. Il y a des qualités mais pas pour quelqu'un qui a déjà lu plein de mangas, plus pour quelqu'un qui n'a pas lu beaucoup de ce côté là. Et euh, j'avais déjà lu Young Badjak etc. Et ça a l'air euh, plein de bons sentiments. Les, euh, c'est pas, c'est euh... Say Hello to Blajack, pardon. Euh, ça a l'air plein de bons sentiments mais c'est clairement pas, euh... clairement pas un, enfin, un manga que moi en tout cas m'attire. Je pense que ça, c'est le manga que je pourrais lire dans une offre numérique, mais pas acheter. Euh, Rakaï Blues, hein, Blues, je vous en avais parlé plein de fois dans mes lives. Hein. Moi, je, je kiffe Rakaï Blues, même s'il a des gros problèmes euh, aujourd'hui de, de, dans les valeurs qu'il transmet. Mais bon, c'est du furio. Euh, mais franchement, Rakaï Blues, c'est un manga où je rigole beaucoup. Donc, euh, n'hésitez pas à, à le lire. Franchement, il est très, très cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a après Non, 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 non. Je regarde. Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Bon, Ranking of King, je n'ai pas lu le manga, mais j'ai pas envie de l'acheter. C'est un manga, vois, je le rends numérique, ça me suffirait. Mais j'aimerais bien lire quand même le, la version papier, ça m'intéresse. Ça euh, alors, il y a le Kamen Rider V3 EX. Euh, alors, ça m'intéresserait bien de le lire, mais honnêtement, j'ai pas envie de payer 30 balles pour, euh, pour avoir du, du Kamen Rider. Et en plus, il y a le Kamen Rider euh, qui n'est même pas dessiné par... Euh, il, euh, le Taro shinemori, Donc, euh, du coup, c'est euh, qui qui le, de... voilà, c'est ah oui, c'est l'auteur euh, de Natsuko No Sake et de, du disciple de d'Oraku. Euh, donc voilà, moi ça me, ça me, ça me donne pas. Alors les amants sacrifiés, euh, ça me parle pas les amants sacrifiés. Euh, alors moi ça m'a pas, euh, ça m'a pas tenté. Donc, enfin euh, en tout cas. Euh... Euh, comme ça, là, ça ne me, ça me dit rien. Mais euh, c'est peut-être très bien. Ça, je, là, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, vous, ça vous intrigue. Euh, alors, attendez, je, je regarde un petit peu ce que vous écrivez parce que j'essaye de, 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 de lire au fur et à mesure. Ah, donc voilà, donc Tic Tac, tu as tu as acheté Rakaille Blues. Moi je dis racaille blues, hein. moi j'ai l'habitude de dire racaille blues. Donc je te ferai une sélection underground. De toute façon, il y a deux, il y a deux mangas à acheter. Tu as déjà une belle sélection dedans. Euh, Shichoufu pourrait te qualifier d'underground. Non, Shichoufu c'est... Euh... Ah ouais, euh, d'un quoi on pourrait le mettre, Shichoufu euh, Il pourrait aller dans underground. Il pourrait y aller... Euh... Je, je pense que oui. Oui, oui. Il, il, est, il, est il est tellement perché ce manga. Euh, ouais, je, je pense qu'on peut le mettre dedans. Après c'est compliqué hein, de, le, de, 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 quali de qualifier des fois des mangas euh, euh, de ce côté-là. Euh... Donc oui, euh, c'est l'Otaku, effectivement. Ce n'est pas pas si furieux que c'est underground. Hein. Alors, Ushijima, c'est dans un milieu underground, mais ce n'est pas des mangas underground. Voilà. Euh, D'accord, c'est le, ah, le même dessinateur que Rainbow. Et j'ai pas lu Rainbow. Euh, j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Ah, je comprends pourquoi ça ça vous intrigue. Rainbow. Mais non, Rainbow, j'ai jamais lu. Donc du coup, euh, c'est pour ça que ça ne me m'attirait pas plus que ça. Je comprends. Ujishima euh, j'avais lu une vingtaine de tomes à l'époque, et après je m'étais un peu lassé. Je pense qu'il faut pas les... il faut les lire par arc et faire des pauses. Sinon euh, on décroche. Enfin, en tout cas, moi, j'avais décroché. Euh, Blue Even, moi, j'étais déjà Blue Even, c'est du Takahashi. Euh, J'ai plus trop de souvenirs, mais il y a Blue Heaven qui ressort, en tout cas. Euh, bon, Dai, hein, qui est euh, Fly, hein, qui est toujours très cool. J'en avais parlé il y a longtemps dans un live. La fin de Eden. Ne ratez pas Eden. Achetez Eden, c'est vraiment génial. Euh, Ken, qui revient en édition extrême. Alors, du coup, je ne sais pas si Ken est une édition souple. Ou une édition hardcover. Je pense que c'est une édition souple, mais je ne sais pas. Euh, du coup, c'est la question en suspens. J'ai hâte d'être le 12 pour voir euh, voir le truc. Donc, euh, donc voilà. Honnêtement, je pense que si vous avez l'édition euh, l'ancienne, ça n'a aucun intérêt d'acheter celle-là. Il n'y aura pas grand-chose de, de nouveau, quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais ça ressort. Moi, j'adore Ken. En tout cas, le souvenir, j'ai de Ken, je kiffe. Donc voilà, c'est toujours un petit un petit plaisir à à acheter, à enfin à lire quoi. J'ai trop envie de me les relire depuis longtemps. Ça fait ça fait six mois j'en parle et j'ai toujours pas relu. Bon, Hiroki Endo en a parlé. Planète, acheter Planète. Planète c'est vraiment génial. Donc euh, donc euh, voilà. Donc ça c'est c'est vraiment très très cool à lire. Moi c'est une des séries qui m'avait marqué quand je l'ai lu et j'ai été très très surpris que ce soit le même auteur que Villain de Saga. Et quand euh, de Saga a fait l'arc numéro 2, c'est-à-dire l'arc de, des paysans, pour ceux qui l'ont lu, j'ai fait ok, c'est bien le même auteur qui a fait ça. Donc euh, j'ai compris. Euh, Golden Guys, il y a des chances que ce soit long. Hein, parce qu'en plus, j'avais lu l'interview euh, sur le magazine Atom. Et honnêtement, euh, il a fait des, des séries de 60 volumes déjà. Hein. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a après Bon, j'ai passé le keeper parce que j'attends la fin maintenant. Euh... Tic tac, bah Ken, tu prends, le, tu prends la série originale, hein. c'est tout. Il hein. n'y a, de... a pas besoin de prendre les, le, le, les spin-off et tout ça, hein. ça reste pour les fans. Hein. Adabana, c'est une série qui me donne envie. Hein. J'ai envie de me les acheter en numérique. Bon, J'ai tellement à lire que là, j'achète rien. Enfin, je ne vais pas l'acheter de suite, mais, euh... mais ça me donne bien envie. Euh, je regarde un petit peu ce qu'il y a après. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Euh, Black Box, ouais, bah là ça continue. Moi j'ai toujours pas lu mais je, ça, me, ça me. ça me tente bien d'essayer. Euh, Adabana, j'attends que des retours sur l'ensemble de la série avant de me lancer. Parce que souvent on est un peu déçu. Et j'en ai marre d'acheter des séries et de, 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 de dépenser mon argent pour rien. Euh, ouais, mais Golden Guy si c'est le premier arc euh, après il y en aura d'autres donc euh, c'est donc l'ensemble de la série quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on a ben, Les enfants de la mer qui ressort. Donc euh, les enfants de la mer ne passez pas à côté. Et, euh, et donc du coup ça aussi c'est une série qui est vraiment géniale. Euh, je sais que l'édition là elle est un peu, un peu critiquée, mais euh, bon, en, moi la perso euh, ne lisez les enfants de la mer c'est vraiment euh, c'est vraiment génial quoi. Euh, ben vous, me ferez, euh, vous me ferez vos retours quand vous aurez eu le troisième. Hein, la, la prochaine fois. Comme ça, vous me direz si vraiment ça vaut le coup que je les achète ou pas. Dans tous les cas, je les achèterai seulement numérique. Euh. Il y a des, des fortes chances. Euh, donc Fable. Hein, Fable, je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai tout lu. Donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller lire Fable, c'est vraiment très cool. Sacré Mamie, hein, ça je l'ai plusieurs fois, je l'ai conseillé, surtout le début. Le début est vraiment génial. Euh, même la suite est bien mais euh, c'est juste que c'est moins des histoires, euh, des vraies histoires euh, inspirées de sa vie. Voilà. Euh, Dites-lui euh, c'est du basket et moi je suis pas très fan de basket donc du coup euh, je pourrais pas vous le, le conseiller. Euh, parce que je suis pas la cible du tout quoi. Mais, mais Slam, Slam Dunk je l'ai revendu pour vous dire. J'ai adoré le début de Slam Dunk et puis je me suis euh, fait chier comme un rat à partir du volume 15. C'était long à lire pour moi quoi. Donc vous voyez... Euh, euh, pour dire à quel point je ne suis pas le, le la cible, même euh, rookies à l'époque j'avais adoré le début, et à partir du volume 7-8, c'était euh, une souffrance de lire les, ma les matchs de baseball quoi, c'était trop long. Donc voilà, Bambi hein, de Kaneko, un truc survolté. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore J'essaie de lire les titres parce que... Ah ben il y a Big X qui sort. Je vais peut-être recevoir mon, mon, super, mon pack super fan un jour, j'espère. J'espère. Darwin incident, ça m'intéresse. Me, ça me, ça euh, mais j'attends de voir un petit peu comment ça évolue. Parce que là, euh, là, c'est le genre de série, on ne sait pas trop où ça peut aller. Qu'est-ce qu'on a après lu le tome 4 de quoi euh, Du coup, de, de Big X Qu'un sonne la tempête moi, The Funeral Concerto, ok. Euh, le deuxième et dernier tour de The Moon Air. OK. Ah non, non, mon mari dort dans le congélateur, pardon. J'ai lu Moon Air. Euh, ok, mais il, il avait l'air intriguant ce titre. Transparente, moi je ne l'ai pas lu en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ensuite Alors, shoujin, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup les couvertures. Je, je trouve que les, ça sort chez Glenna, je crois que c'est ça Glenna, euh, j'aime beaucoup les couvertures, je les trouve très intrigantes, donc euh, en tout cas ça sait se démarquer. Alors bien sûr le prochain Takahama, hein, pour rappel Takahama, j'ai fait euh, deux, euh, deux vidéos dessus, hein. j'ai fait un live complet sur euh, l'autrice et sa carrière, et un live, un, un, une vidéo sur un guide de lecture de Takahama, et dedans j'aborde un petit peu ce manga là, mais comme je ne l'avais pas lu, je ne pouvais pas le, 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 comment dire, euh, le en parler plus. Mais euh, voilà, j'ai hâte de le lire celui-ci. Je pense que je l'achèterai au fur et à mesure de la sortie, pour euh, le lire au fur et à mesure. <coughs> Évangélion, ceux qui ne connaissent pas Evangélion, moi c'est une œuvre que je, je kiffe. Voilà, Je kiffe Evangélion. Euh, donc du coup, euh, n'hésitez pas à lire. Moi, je trouve que la version animée, euh, la version papier est la meilleure, la meilleure version de toutes les versions qui existent. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Ah, mon manga. <laughs> ah là, oui, juste Takama. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était ça. Un manga qui aime beaucoup Takama aussi. Et ça, ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on a Bon, Junji Ito, Suichi, c'est cool aussi à lire, c'est sympa. Euh, je les ai lus. Et là, c'est vrai que pour une fois, les, les deux volumes sont réunis. et, euh, et... Comme Sullivan était très fier, disait, il a une couverture exclusive. Euh, donc voilà, donc du coup, switch c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien chez Junji chez Ito. pas c'est pas son meilleur, je trouve, mais euh, il y a des bonnes histoires. C'est un peu répétitif, en fait, euh, Switchy. Donc ça se, ça se picore. Qu'est-ce qu'on a après Il manque beaucoup de couverture. Hein. Ah oui, alors Fatal Fiancé, je suis curieux parce que ça sort chez à, Akatombo, à je ne sais pas comment il s'appelle, c'est l'éditeur. Euh, voilà, atelier Acatombe. Ils ont dû couper, non C'est Acatombe, ok. Acatombe, euh, je crois que c'était plus long. Euh, si ça sortait pas chez quelqu'un d'autre, euh, enfin, c'était sorti chez quelqu'un d'autre, j'essaie de faire des phrases. Et si c'était sorti chez quelqu'un d'autre, je ne me serais pas intéressé. Par contre, l'auteur, euh, je, je me méfie un peu parce que c'est l'auteur de, de... À sa taille de danse qui est un truc de cul sur le théâtre, enfin du théâtre avec du cul, et blue euh, qui est aussi du cul. Voilà, donc euh, assez ah, bien ça. Akatombo, ouais, c'est bien ça. Et, euh, et donc du coup, euh, je, je, je suis méfiant sur ça. Voilà. Je, je, euh, blue, euh, c'est pas un truc qui m'a euh, euh, qui m'a marqué fortement. Et, et l'autre, je l'avais acheté à l'époque, je l'ai revendu parce que j'avais vraiment trouvé ça pas terrible. quoi Donc voilà. Euh... Donc voilà. Oui, ben, je, 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 je préfère la version papier, effectivement. Euh... Alors, ensuite, on continue. Ah ben là, je, je... il y a les Caracuri Circus aussi qui sont, qui sont très cool à lire. Alors après, il y a une grosse hype dessus. Moi, je trouve ça très très cool à lire. Après, je ne sais pas si on peut... Euh, qualifier ça de manga ultime et tout. Moi, je trouvais que dans le premier arc, il y avait quelques longueurs déjà, euh, des choses comme ça. Euh, même s'il y a des grosses surprises, euh, un événement où j'étais très surpris, après, à voir si vraiment ils maintiennent ce cap-là ou pas, mais j'avais été assez surpris par le euh, par, par ça. Mais euh, voilà, donc il y a, y, a, y, a, y a ça. Euh, mais voilà, j'aimerais bien... Moi franchement je, je voudrais bien acheter en numérique et le fait qu'il ne propose pas ça me frustre un peu. Et même si l'édition est très belle, j'ai pas la place pour euh, acheter 25 tomes euh, qui représentent 42 tomes en, en vrai. Quoi. Et après qu'est-ce qu'on a Non, là comme ça, il n'y a rien qui me parle. Euh... Putain, je vais te faire jouer mon lapin. Il y a quand même des, quand même des titres, ils sont, ils sont incroyables. Euh, ben non, ben du coup, on a fait le tour. Euh... Ah Oui, la politique de, tanka, de, de, de Mayan, oui, le numérique, euh, t'arriveras jamais. Eh ben, tant pis, je n'achèterai pas. Voilà, au bout d'un moment, euh, tant pis. Alors, j'ai lu déjà Shigeru, j'ai lu l'intégrale en 15 volumes. J'avais fini ça en anglais. Et euh, je les ai lus, mais moi, j'ai pas spécialement kiffé le délire. Alors, il y a des fois, visuellement, c'est très cool. Il y a des scènes vraiment, vraiment excellentes, mais il y a une telle exagération des situations que moi, ça ne m'a pas fait rentrer dedans, en fait. Euh, y a, y a, c'est une sorte de. Pour moi, c'est une sorte de nanar assumé. Je pense que si Manga il m'entend, il, il a deux crises cardiaques parce que je sais qu'il adore. Euh, Shiguri, euh, moi je suis pas du à fait du même avis et donc du coup euh, c'est c'est du manga qui est facile à lire euh, qui, qui est pas déplaisant mais un peu trop euh, un peu trop tout much en fait pour moi il va un peu trop dans l'extrême à chaque fois et et euh, je sais pas je il est trop sérieux dans son extrême voilà contrairement à un autre manga euh, que je parlerai tout à l'heure qui me lui me, me, me fait rire euh, donc voilà, donc moi Shiguri c'est pas c'est pas un métripe mé mé en tout cas ben ça y est on a fait le planning et là c'est 10 heures et on va pouvoir commencer à parler des lectures euh, donc ce ben, voilà, donc ça c'est cool euh, donc petit rappel, euh, ceux qui veulent euh, je rappelle pour eux, parce qu'il y a souvent des nouveaux sur la chaîne mais ceux qui souhaitent soutenir la chaîne c'est euh, euh, alors attends, euh, effectivement, un nanar ne veut pas dire mauvais, hein. attention, un nanar euh, c'est c'est euh, pas un ave, hein. c'est différent. Donc, euh, euh, donc, du coup, euh, du coup euh, c'est pour ça que quand je dis nanar, je n'insulte pas le manga. Hein. Est, moi j'aime beaucoup les nanars, c'est pas un problème, mais, euh, mais celui-ci, moi j'ai pas accroché. Donc voilà, et c'est pour ça que quand c'est assumé, c'est très cool et c'est parfaitement assumé, Shiguri, hein, mais je sais pas, moi je. J'ai pas aimé ce côté euh, ensanglanté, euh, boyau et tout ça, ça faisait un peu trop. Donc, euh, c'est donc pour ça que euh, moi j'adore Ken par contre, parce qu'il y a un côté sérieux dans Ken, mais je, ça me fait rire. Ça me fait rire. Euh, donc, toi, as, donc Soji, voilà, tu as, as retourné les quatre volumes de Karakuri Circus, ça très shonen. Et ben, c'est un peu moi, mon, mon truc, je, je le lis, mais euh, parce que j'ai lu les, le premier arc aujourd'hui. Euh, et parce que là, j'ai trouvé genre des de vieux scans un peu pourris pour euh, essayer de lire un peu, euh, mais en fait, euh, je prends pas plus de plaisir que ça. Il y a des bons moments, mais je suis pas en mode à fond dedans euh, euh, comme toi, donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de les faire, mais j'ai bien envie de les lire. Donc, ça aurait été en numérique, je les aurais achetés euh, sans problème, je les aurais lus, mais j'ai pas envie de les collectionner, clairement pas. Euh, donc, voilà, euh, ouais, c'est un peu dégueu, euh, Shiguri, euh, mais bon, c'est pas. Ça à la limite, bon, pas grave. ça me... Avec tout ce que j'ai lu, ça, ça, me dérange pas. Il euh... n'y a pas de souci, Dorothée, ça fait plaisir que tu, que tu passes. Donc, euh, bonne nuit à toi. Et puis, euh, de toute façon, comme tu dis, il y a la Rodif hein, qui, est... qui est là. Et puis là, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux. Hein. Vous êtes... Là, vous êtes 45 hein, connectés. Donc, c'est vraiment très très cool. Hein. Euh, donc vraiment, merci pour, pour ça. pour... Euh, votre fidélité et tout parce que vous êtes de plus en plus nombreux euh, vous appréciez justement ces, ces moments là qu'on passe ensemble et tout donc ça me fait plaisir moi de passer du temps à préparer ces soirées et, euh, et là vraiment bon, moi j'ai regretté de ne pas avoir fait le live euh, il y a 15 jours mais on va se rattraper et, euh, et en plus euh, je pense que je ferai des mini lives euh, de rangement de Mangatech alors ça sera pas euh, un truc hyper passionnant hein. Je vous allez me ranger, je répondrai un peu aux, aux questions mais, euh, mais je pense que je lancerai des mini lives euh, comme ça par contre il n'y a pas d'heure, hein, je lance euh, euh, et puis ça disparaîtra de la chaîne. Hein. Euh, tout à fait, tic-tac. Hein, le nanar peut devenir culte. Hein, et Ken, c'est ça, hein, c'est culte. Hein, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ça, Après, on, est, on a une, une affinité ou pas avec le nanar, on aime ou pas. Il y en a certains on accroche, d'autres on trouve ça nul. Bon, moi, chez Uri, j'ai lu les 15 hein, pourtant, mais euh, je ai, ai pas aimé. Euh, donc voilà, Donc comme je disais, voilà, si vous, vous pouvez soutenir la chaîne, n'oubliez pas, vous avez plein de façons de le faire. Euh, vous pouvez tout à fait, ben, rien que partager, ça c'est génial. Euh, avec un petit commentaire, ça, ça c'est mieux si, euh, quand vous partagez. Euh, bien sûr, liker, commenter, tout ça, ça c'est très classique. Vous pouvez aussi utiliser les liens dans la vidéo. Il y a des liens de partenariat. C'est-à-dire que si vous commandez via les liens sur Amazon, n'importe quoi, hein, ou euh, sur, euh, euh, sur BDFugue des mangas, euh, moi j'ai un petit pourcentage. Ce qui fait qu'en fait, euh, ben, vous aidez la chaîne indirectement. Euh, là, j'ai acheté un peu de matériel grâce à ça et c'est vraiment génial. Et, euh, et pareil, euh, si vous n'avez pas de contrat QTN et que vous voulez gagner euh, 10 balles dessus, ben, vous créez un compte avec mon, mon code qui est dedans. Et, euh, et ça, vous, euh, ça vous créditera de, de 10 euros. Donc euh, je crois qu'il faut commander 20 euros ou un truc comme ça. En gros, euh, ça vous fait moitié prix. Quoi. Donc c'est plutôt cool pour, pour ça. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, regardez dans la description. Je ne fais pas du forcing dessus, je, je répète régulièrement. Et bien sûr, vous avez le Patreon avec des vidéos exclusives. Donc voilà, je... je, je, je... Je pense que les vidéos plaisent au, au Patreon. Donc, euh, j'essaye en tout cas d'en fournir au moins une par mois. Et, euh, le mois pour, et le, ce mois-ci, ça sera un petit live euh, privé euh, avec vous. Donc, ça devrait être très cool. Donc, voilà. Alors, par contre, ça sera le même décor. Hein. Ça ne sera pas dans la, avec la nouvelle manga tech. Hein. Euh, allez, c'est 10h. Je propose qu'on passe aux lectures. Il y a quelques lectures euh, que j'ai faites ce, euh, ce mois-ci que, malgré tout, euh, j'ai réussi à le lire. Mais euh, donc, surtout des, des livres qui étaient euh, des livres que je n'avais pas lu dans ma collection. Donc, il y a un peu de tout, dans le sens où il y a des titres un petit peu euh, obscurs, euh, vraiment euh, personne connaît, et, euh, et les trucs un petit peu plus généralistes. Donc, voilà, il y a un petit peu les deux. Donc, euh, il y a à la fois en physique et, en, et, en, et sur la tablette, puisque, puisque là, avec le déménagement, c'était plus compliqué pour moi d'avoir accès à, tout, à tous mes bouquins. Donc, on va y aller. Allez, on va commencer. Vous êtes chaud là pour les, les premiers Donc, euh, alors Charnac, non, j'ai pas lu Les Enfants de la Baleine. J'avais essayé de regarder l'animé, euh, j'ai regardé trois épisodes et ça m'avait saoulé, mais <laughs> saoulé, saoulé, saoulé. Donc du coup, je n'avais pas poursuivi ma ma découverte du manga. Et quand j'ai vu que le manga faisait euh, 20 tomes, etc., euh, j'ai lâché l'affaire en fait. C'est euh, trop de volume et puis il y a, y a tellement de choses à lire que j'ai dit ben bah, c'est pas grave. Si vraiment euh, cette série doit revenir un jour dans mes mains. Elle reviendra. C'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère privilégier des petites séries euh, que des longues séries parce que j'ai moins de temps à lire, en fait. Donc, non, du coup, je n'ai pas lu Les Enfants de la Baleine. Et je ne sais pas si, euh, par rapport à la version animée, euh, est-ce que la version animée est, pas, est bien ou pas, mais euh, c'était long, quoi. Le, le scène d'introduction, là, au bout de trois épisodes, il ne s'était rien passé. J'ai fait, bon, je crois que ce n'est pas pour moi. Alors, on va faire un peu de place. J'ai plein de place, mais alors, du coup, pour l'instant, comme c'est un nouveau euh, setup, euh, je suis pas encore bien rodé dessus. On va essayer de faire au mieux. Alors, je vais passer sur le ici. C'est ma main. C'est dommage qu'il y ait ce décalage là. Il n'y avait pas ce décalage tout à l'heure. Alors, le premier, ah, c'est bien là. C'est bien, ben voilà. Comme ça, je pourrais vous parler euh, comme ça. Je vous vois, vous m'entendez bien. C'est impeccable. Euh... Ouais, donc voilà. Donc la version animée est un peu lente, ouais. Donc c'est ça, ça me, ça me rassure. Alors Mazinger Z, qui l'a lu celui-ci Alors là, il y a de la lecture éclectique, hein, il n'y a rien de tout. Hein. Alors, attendez, je vais en profiter. Le temps que vous répondez, je vais remplir ma gourde. Je reviens dans, dans deux minutes. Je mets le petit écran de pause. Voilà. Salut Begita, bienvenue à toi. Alors, euh, j'avais parlé, donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au live d'août, j'avais relu le one-shot Goldorak. Alors, je ne l'ai pas euh, retrouvé pour vous le remontrer, mais bon, j'en ai parlé au dernier live. Et euh, ça m'avait bien plu, euh, puisque j'avais lu aussi... Euh... Ah, <laughs> Oui Boris, en fait Gonagai, je déteste pas Gonagai. C'est juste que je trouve que dans l'ensemble de son œuvre, il y a beaucoup de, de mangas qui méritent pas d'être portés. Euh... Enfin voilà, tu me diras. Il y a quelques titres qui ressortent, mais le reste, euh, surtout ce qui est sorti souvent chez Black Box, ça n'a pas l'air génial quoi. J'ai pas lu, mais dans les retours que j'ai eus, c'est voilà, c'est assez bof donc, euh, donc voilà. Donc non moi Gonagai avec plaisir. Moi je pourrais lire tout son catalogue pour le plaisir. Mais pas à acheter, quoi. pas à collectionner. Euh, salut euh, Simona, bienvenue à toi. Et salut euh, Olosaur. Euh, donc, effectivement, donc, ça va ressortir chez Isan. Hein, euh, de cela. Alors, je l'avais acheté, je ne savais pas hein, que ça sortait chez Isan, hein, je vous le dis. Puisqu'en fait, je l'ai découvert vraiment à la Japan Expo. Et je les je avais commandé juste avant la Japan Expo, en fait. Mais donc, du coup, Goldorak, je l'avais lu. Et euh, j'avais euh, lu le one shot Goldorak. Et j'avais lu la BD Goldorak, je vous en avais parlé. Et ça m'avait vraiment, euh, vraiment plu. D'accord Et donc, euh, du coup, je me suis dit bon, ben, je vais, euh, à y être, je vais acheter la, la collecte. Donc, les, les Great Mazinger, ceux-là, là, hein, les 6 les, les, les les volumes, et aussi euh, euh, pardon, les Mazinger Z et le Great Mazinger. Donc, il fait, lui, un volume. On va en parler euh, rapidement. D'accord Donc, du coup, pour rappel, la série Mazinger Z, hein, c'est la série qui est l'originale. D'accord Donc, l'original, c'est vraiment la série qui a lancé euh, les, ces robots-là. Après, il y a eu Great Mazinger ici, et après, il y a eu Grandizer, donc Goldorak, qui a conclu tout ça. Donc, euh, oui, et Black Box a bien édité Goldorak, le One Shot, et les quatre volumes qui euh, sont que scénarisés par Gonagai. Et euh, Isan n'y compte publier le même manga. C'est le même manga, mais avec des planches supplémentaires, des pages couleurs, etc. Donc euh, Donc, voilà. Et je te répondrai après Soji sur, sur Devinman. Et donc du coup, euh, donc du coup voilà, donc ça c'est pour dire que c'est la série un petit peu originale. Et de quoi ça parle Alors le scénario il est assez simple, hein. il, est, il est assez simple et efficace. Attendez, je me mets, laissez-moi juste bien me caler, voilà, parce que je, comme je dis, je suis pas habitué à ce, à ce setup et il faut que je voilà que je vous mette bien comme il faut le livre. Euh, donc, oui, alors c'est peu édité hein, chez, chez Blackbox euh, maintenant. Hein. Donc, euh, moi j'ai acheté une, un pack défraîchi entre guillemets, euh, leur pack occasion euh, euh, qu'ils qui, qui, qui ont chez eux. Euh, donc, voilà. Euh, ben, en fait, ils n'ont plus les droits, Blackbox. Et maintenant, c'est Hissène qui a racheté les droits, tout simplement. Euh, donc, du coup, ben, le scénario c'est assez simple et efficace. En gros, on va suivre l'histoire de Koji, Koji là qui est ici. Euh, qui, euh, lui, c'est un lycéen peut-être brûlé, euh, qui euh, bah, il, il roule à fond avec sa moto parce que c'est un bad boy, euh, mais bon, il a, il a pas un mauvais fond, hein, on est d'accord. Et euh, c'est pas un voyou, mais bon, là, il frime pas mal, on va dire. Et il vit avec son frère et, et son euh, grand-père, qui, qui est un éminent scientifique, euh, à, la, à la tête totalement euh, défoncée. Il fait un petit peu peur, ce grand-père. Ouais, tout ça, c'est les pages couleurs, hein. c'est ce qu'il y aura très certainement dans l'édition Isan. Et donc du coup, euh, voilà, et en fait il va y avoir un tremblement de terre. Euh, alors voilà, bon l'explication elle, elle est elle est assez rapide. Hein. Il va y avoir un tremblement de terre. Et euh, ben, du coup, euh, suite à ça, ça m'énerve, c'est que... Hop là. C'était droit et maintenant c'est plus droit. Ouais c'est pas j'ai pas. Hop. là. Je règle parce que ça m'énerve. J'aime bien quand c'est droit. Voilà, c'est mieux. Oui, ils vendent encore le pack, mais plus en neuf. Ils n'ont plus le droit. Euh, Normalement, ils ne devraient même pas le vendre dans d'occasion, mais ça, c'est autre chose. Et donc, du coup, en gros, il va avoir un tremblement bon de terre et il va découvrir son grand-père. Et c'est là qu'il va découvrir l'existence de Mazinger, un robot ultra puissant. Et il va lui donner le. Il va avoir le choix, en fait, euh, de... de dire. Ben, euh... Qu'est-ce qui, euh, enfin comment dire euh, Attends, je, je vais recommencer. En gros, voilà, il, il fait, il fait le, le, le comment dire, il découvre Mazinger et c'est un robot qui va contrôler directement depuis sa tête avec un petit vaisseau et tout ça et il va devoir se retrouver à lutter contre le Docteur L. Je sais pas si on va le voir, le Docteur L, euh, qui est le méchant, euh, voilà, parce qu'il faut toujours un méchant. Euh, on le verra sûrement après, je vous montrerai et euh, qui cherche lui à s'emparer de la Terre, bien, bien entendu. Hein. Alors, il est assez intéressant parce que dès le début, ça ouvre sur une question en mode qu'est-ce que tu ferais si tu avais une telle puissance Est-ce que tu serais le méchant qui détruit tout Ou au contraire, devenir le justicier Alors, bon, vous doutez bien que le héros va rapidement choisir le, le, le côté de la justice, hein, donc euh, de ce côté-là. Mais en fait, le manga, il démarre assez vite parce que quand Kabuto il a le choix, d'accord euh, ben, D'entrée, il prend le robot et parce qu'ils se font attaquer par. Euh, par euh, par des méchants, mais sauf qu'il sait pas le contrôler le robot. Donc en fait, il, il détruit absolument tout dans la ville. Donc, il, le premier chapitre, il détruit la moitié de la ville en fait. Il a l'armée contre lui euh, et compagnie. Et c'est un autre robot, un robot fille. Je reviendrai un peu dessus euh, après. Hop là, j'essaie de vous montrer les, les images. Voilà, c'est un autre robot, un robot fille qui va un petit peu le calmer en lui disant "Et là, euh, t'es es gentil ou t'es méchant Là, tu fais quoi donc voilà, et après, rapidement, mais de suite, ça, ça enchaîne sur des combats de robots, puisque euh, hop là, immédiatement, il y a un premier robot, là, euh, euh, qui arrive au premier volume. Ah bah voilà, non, c'est pas le docteur S. Euh, donc voilà, donc ça, c'est le... c'est un peu le, le truc, donc, un scénario très... très, très basique de, de ce côté-là. Donc le ton, il est assez léger, il est assez humoristique, hein, malgré tout, mais il y a quand même des enjeux... <tousse> pardon, il y a quand même des enjeux... Je vais enlever ce truc-là, pas qu'il fasse de bruit. Euh, il y a quand même des enjeux assez importants, en fait. Donc, euh, ça reste un bon divertissement, et ça reste surtout des gros combats de robots. Hein. Donc, ceux qui aiment les combats de robots, vous allez vous éclater euh, de, de ce côté-là. Et si je ne me trompe pas, Mazinger, en fait, c'est euh, le premier... Euh, euh, une des évolutions hyper importantes, parce que c'est un des premiers où le, le héros contrôle le robot à l'intérieur, en fait, du robot. C'est-à-dire que... Avant, il y avait les robots autonomes comme Astro, il y avait des robots télécommandés comme euh, Tetsujin 28, mais là, cette fois, c'est une étape supplémentaire où le gars, il va dans le robot et il contrôle directement le robot. Et ça, à l'époque, de mémoire, euh, ça n'avait jamais été fait. Et je crois que c'est cette série-là qui amène cette, euh, cette nouvelle dimension dans l'évolution des gros robots. Donc voilà. Et... Euh, euh, et bien sûr, ben, les robots ils vont évoluer, euh, je veux dire, ils, ils peuvent avoir des armes, euh, à un moment, il va pouvoir voler. Bon, ça, on doute que c'est aussi pour faire fonctionner euh, les jouets hein, derrière. Euh, et franchement, quand je l'ai lu, eh ben, j'ai trouvé ça très cool. Et je ne pensais pas, je pensais que c'était un peu nul. Et euh, eh ben, franchement, c'est très, très cool. Alors, il faut le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire un divertissement des années 70, euh, avec des scènes d'action, mais les scènes d'action sont plutôt sympas. Euh, et je trouve qu'elle est... Je ne sais pas, le... euh, j'ai pas de mon plaisir en, fait, en, le... en le lisant en fait. Il y, y a une histoire qui se développe. Euh, oui, c'est des chapitres avec des méchants qui reviennent, etc. C'est parfois un peu répétitif. Euh, c'est toujours un peu le même, le même schéma narratif, même s'il essaye de, de varier. Mais c'est toujours, voilà, il y, y a le méchant, le méchant n'arrive pas à le tuer. Euh, puis il y a des nouveaux méchants qui arrivent et puis euh, de, de manière différente, un petit peu plus sournois. Etc., etc., et ça, ben voilà. Moi j'ai ai beaucoup aimé en fait parce que finalement c'est prenant et euh, on se fait plaisir euh, euh, derrière en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc, de ce que j'ai pu noter euh, dedans, euh, c'est qu'il y, euh, y avait des robots, euh, donc genre le, le, le robot fille. Alors, j'ai retrouvé le, le truc, j'avais noté, c'était page tome 6, page 38. Voilà. Donc, le robot fille qui, bien sûr, qui, bien sûr est obligé euh, d'avoir des nichons, hein, parce que sinon, euh, euh, c'est n'est pas une fille. Hein, voilà euh, ben, Du coup, son, son attaque spéciale, voilà c'est qu'elle peut tirer des missiles de ses nichons. Hein, voilà, c'est plutôt cool. Hein, donc, euh, c'est. Voilà, Gonagai. Hein, Il faut pas chercher plus. Euh, mais c'est surtout, en fait, ben, d'origine, c'est très cool parce que dès le début. Il y, a, il, y a, il y a la pilote fille en fait, dès le début. Donc, ça, c'est très cool. C'est-à-dire que là, euh, je suis dans les premières histoires et le premier robot, enfin, le deuxième robot qui arrive, c'est justement ce robot fille là qui euh, va essayer de le. Pardon. Hop là, désolé. Qui va essayer de le calmer un petit peu et tout. Le seul problème, c'est qu'en fait, ben, ça reste un manga pour garçons et donc ben, elle ne est... elle va pas servir à grand-chose en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle n'est pas très puissante, elle se fait toujours défoncer et, euh, et en gros, elle va surtout servir à faire briller le héros, hein, puisqu'il va la sauver, puisque euh, finalement, elle va assez peu le sortir de situation. Euh, machin. Et quand on parle de nana, avec bah, Gonagai, il bah, y a pas mal de scènes etchi, c'est-à-dire que, genre, euh, j'avais noté dans le tome 4, il hein, y a des scènes de bain, naturellement. Je rappelle, hein, c'est un manga pour garçon. Voilà, il va scènes... on voit rien, hein, c'est du etchi euh, tout gentil. Il y a des petits clins d'œil, vous de Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, de Vilman, c'est génial. Moi, j'adore De Vilman. Je trouve que c'est un des meilleurs mangas de, de Gonagai. Euh, J'en reparlerai plus en détail quand on l'explorera avec la manga Mais clairement, si vous devez découvrir un manga, euh, pour moi, c'est Gonagai. Voilà, il ne faut pas. Enfin, c'est De Villeman. pardon. Je suis en train de, de lire vos commentaires en même temps et mon cerveau, mon cerveau s'embrouille. Euh, donc du coup, vraiment, euh, lisez, euh, lisez De Villemann, c'est euh, vraiment très cool. Par contre, si vous avez la version... Euh, pas de souci Lady, euh, merci à toi d'être restée euh, si tard. À la prochaine. Euh, si euh, vous avez la version euh, euh, de Black Box, surtout quand vous lisez De Villeman, ne lisez pas le tome 3. Euh, Lisez-le après. Le tome 3, c'est Chine De Villeman, qui sont des histoires annexes, où il se déplace dans le temps et qui n'apporte absolument rien à l'histoire et qui, au contraire, euh, vous casse totalement dans le trip de Devilman. Donc, si vous devez lire euh, cette version-là, moi j'ai les deux versions j'ai la version d'Ibex, toute vieille, et la Black Box. Et honnêtement, quand j'ai lu la version Black Box, j'étais beaucoup moins dedans. Quand j'ai relu ma version euh, d'Ibex, qui est beaucoup plus euh, pure, parce qu'il n'y a pas toutes ces pages supplémentaires et il n'y a pas ce, ce volume supplémentaire, Et eh je trouvais que c'était euh, le récit était plus pur et aller droit au but. Donc voilà, donc si vous lisez le faites attention à ça. Ne lisez pas le volume 3, lisez-le après. Voilà, vous pouvez me faire confiance euh, sur cette partie-là. Euh, donc voilà, donc des scènes de bain, par exemple. Euh, et donc du coup, euh, voilà, ou alors des trucs où elles se retrouvent. Euh, je vous montre un peu comme ça, en mode d'autres images, mais... Et quelle page déjà C'est la 114 Voilà, ou voilà, genre à un moment il y a des sortes de pantins euh, qui viennent les attaquer et hop, elles se retrouvent à poil. Voilà, bien sûr, parce que sinon, euh... Euh, sinon c'est pas drôle. Euh, donc voilà, des petits trucs comme ça de Echi, un peu facile. Euh, ben ça, c'est ça, c'est go Nagai. Euh, Et voilà, ah, il si, y avait un autre truc mais m'avait fait rire, genre à un moment il y a un combat, ben, après là, c'est du ça me fait rire. Hein. Je veux dire, je, le, je, je vous le montre parce que ça ça m'a fait rigoler quand je l'ai lu. Mais en fait, à un moment, il y a des, justement des jumelles. Elles se mettent dans un robot. Donc, robot toujours avec des boobs. Hein, et elles sont dans les boobs. Hein, donc, ça, c'est c'est très drôle. Euh, donc, du coup, quand elles se font attaquer, le robot derrière lui attrape les boobs pour essayer de les écraser. Voilà, donc moi, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que même là, même sur les robots, oui, tu sens qu'il adore ça. Quoi. <laughs> ça m'a trop, trop fait rire. Donc voilà. Et sinon, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le. Il euh, y a des petites pubs. Alors, euh, enfin, j'ai bien aimé. Je trouvé ça rigolo. Euh, c'est la petite pub au milieu pour euh, l'One Wolf and Cub. Alors, déjà, il fait de la pub euh, pour euh, l'École impudique. Euh, voilà, un peu gratos. Et en bas, il fait un petit clin d'œil à, à l'One Wolf and Cup ici pour faire de la pub. Donc voilà, ça m'a fait rire. Pour ceux qui ont lu le manga, euh, ils, comprendront, euh, bon, ils comprendront de suite la référence. Ah. Voilà, euh, merci Seb. À bientôt euh, pour quelle version de Black Box, euh, n'importe laquelle en fait, hein, c'est la même à chaque fois, et même s'ils ont ressorti, merci euh, Lilo Loli d'être venu. Euh, donc voilà, donc n'importe laquelle, moi je préfère la version d'Ibex hein, de, de, de Vinman. Euh, donc voilà, donc après en gros pour continuer. Euh, je trouvais que côté méchant, c'était assez diversifié parce qu'il puissent pas mal dans les euh, légendes nordiques, etc. Et en fait, il y a des fois... Merci Bégita, à la prochaine. Euh, et même des fois, euh, il, y a, il y a un peu des, des vibes d'Evangélion qui est sorti bien, bien plus tard, bien entendu. Euh, alors, les design, c'est très anguleux euh, pour le côté machin. Mais il y a des robots doubles, il y a des pantins. Euh, euh, il y a même un chapitre super touchant avec un, une petite fille et un robot euh, qui était franchement euh, très, très cool. Il y a des fois des, des choix moraux euh, à la fin. Donc c est, c est quand même, il y a quand même des choses un peu plus profondes que l'on sent dedans, qui est assez cool. Il essaye en tout cas d'amener des réflexions en plus du divertissement. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé euh, celui-ci. Et c'est comme le, le Ashura, euh, le, le premier méchant euh, derrière. Euh, et donc du coup, euh, c'était dans quel volume Alors, Je crois que c'était dans le 3. Et Ashura, ce qui est intéressant, je crois que c'est là. Voilà. Ashura, c'est un personnage qui est à la fois homme, à la fois femme en fait. Euh, donc c'est assez intéressant. Bon, c'est la seule scène où on le voit nu en fait. Hein. Mais euh, c'est juste dommage que la dualité n'a pas été vraiment exploitée au maximum euh, dessus parce qu'on a un peu l'impression que c'est toujours, euh, toujours pareil. Mais ce méchant est plutôt cool. Et après, dans le tome, dans celui-ci de Tom, il y avait justement un desbire qui était avec ce robot, et ça me rappelait moi un petit peu une scène dans Gum où il ouvre son cerveau et envoie une puce, et ça me faisait un peu penser à ça en fait. Euh, donc voilà, il y a des idées comme ça déjà très novatrices, ça, ça fourmille d'idées en fait dans dedans. Donc ça c'était très cool à, à découvrir en fait. Et en fait, comme Goldorak, c'est assez violent, c'est très violent, où par exemple c'est pas pour les, les enfants, où, genre, à un moment, il euh, y a des gens qui se font kidnapper, et en fait, ils sont euh, directement sur le robot, et bien sûr, bah, si tu frappes avec le robot, bah, tu les tues. Et donc, du coup, voilà il y a des dilemmes comme ça, un peu moraux, euh, et, euh, et c'est plutôt cool, et il et, et y a beaucoup de morts. Il <laughs> y a beaucoup de massacres à chaque fois. Donc, voilà, ça, c'est plutôt excellent. Après, son gros défaut, en fait, c'est surtout qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que. À un moment, on arrive à la fin, euh, et en fait, le manga était devenu un support pour l'animé, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un anime. C'est vraiment devenu un support pour l'animé, et on se retrouve à la fin avec ce texte, voilà celui-ci, qui nous explique qu'en fait, ben, Gonagai euh, n'a pas fait de fin, en vérité, il a fait une fin, mais plus tard, parce que là, euh, ça se terminait en mode, bon, mais ben ça y est, le grand méchant va attaquer euh, son attaque ultime. et euh, et donc du coup, oui, c'est comme la tortue de Willman, tout à fait ouais, pour le robot. Et, euh, et donc du coup, il explique, etc., que finalement, mais il a fait que des petits chapitres euh, comme ça pour euh, occuper l'espace et, et, et publier des petites choses, donc un peu en, en mode monstre de la semaine. Clairement, ça c'est pas intéressant. Il euh, y a 13 histoires euh, comme ça. Et, euh, et c'est vraiment là du cross-média, c'est-à-dire que des fois, il y a des personnages qui arrivent, on ne les connaît pas, mais ils ont très certainement dû apparaître euh, dans... Euh, euh, dans le, comment ça euh, dans pour avant de revenir euh, dans le manga. Et, euh, et ça fait cross-media. Mais à la fin, malgré tout, il y a un épilogue. Et cet épilogue, il a dessiné après. Et c'est la fin de euh, Mazinger Z. Donc c'est presque dommage que Black Box euh, ne l'ait pas mis à la fin du tome 5 pour conclure. Et mis ses histoires annexes euh, après. Alors l'histoire s'est un peu jetée à l'arrache. Hein. Euh, je veux dire là-dessus. Euh... Euh, là-dessus, je veux dire, c'est rushé. Hein. Il faut pas s'attendre à une fin extraordinaire. Hein. C'est bim bim, il le tue, et puis euh, fini, euh, le monde est sauvé. Euh, pleine d'histoires. Donc, euh, bah, du coup, euh, euh, bah, c'est une bonne découverte, en fait. Hein. J'ai passé, passé un petit moment dessus, là. Mais c'est une bonne découverte, et franchement, je le relirai avec plaisir. Mais par contre, je vous apprends les histoires euh, monstres de la semaine, vraiment juste l'histoire, euh, l'équivalent de cinq volumes. Quoi. Et, euh, et ça m'a presque donné envie de regarder la série télé. Parce que j'ai envie de, un peu de comparer tout, mais il y a 92 épisodes, donc c'est mort, je ne regarderai jamais ça. Mais par curiosité, j'aurais bien aimé euh, regarder quelques épisodes, en fait. Et voilà, sinon après, euh, après c'est Black Box, mais le lettrage Black Box, c'est quand même une catastrophe. Hein. Et pff, Quand tu le lis, j'avais eu ça sur Kim mais mais regardez, genre là, je sais pas, il y a la place dans la bulle quand même. Pourquoi Pourquoi c'est centré sur le dessin, quoi ou alors combien de fois il y a des... Euh, alors là, ce n'est pas le cas, mais, mais des fois des mots qui sont coupés, alors qu'il suffit des fois juste alors, de, le, de, le, de le remettre proprement dans la bulle pour le mettre à en l'entier, quoi. Donc c'est... Franchement, le lettrage chez Blackbox, des fois, euh, c'est très aléatoire. C'est très amateur. Euh, donc voilà, bon, je m'arrête là pour Mazinger Z. Hein, euh, c'est une bonne lecture dans son genre. Moi, j franchement, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les gros robots... Euh, si les divertissements des années 70, ça vous gêne pas et tout, ben moi, ça m'a un peu réconcilié avec les robots géants. Parce que moi, les robots géants, j'ai jamais vraiment aimé ça. Ça m'a toujours fait un peu chier. Et euh, j'ai jamais kiffé. Et là, ben, ben, franchement, euh, une, bonne lecture, une bonne lecture. Je ne sais pas si c'est si un axe ça donne envie euh, par curiosité ou quoi. Alors, je ne dis pas que ça vaut euh, 30 euros chez Isad, il faut les avoir. Je pense, c'est pareil, c'est toujours abusif. Mais euh, cette édition-là, pour moi, elle était parfaite, je n'avais pas besoin de plus. Je l'aurais au numérique, ça aurait suffi, mais ça n'existe pas. Donc, euh... Merci, Diaz, d'être venu. Euh... Oui, ça ressemble un petit peu, effectivement, le, le, le visage qui tourne, c'est un peu dans la même idée, oui, tout à fait. Euh... Alors, pour Devilman, tu dis qu'il y a deux éditions. Et c'est dans la nouvelle qu'il y a ces pages supplémentaires. Tu es sûr parce que moi j'ai la toute première édition de chez Dybex, j'ai la première édition chez Blackbox et il y a toutes les pages su supplémentaires et ce fameux Shin de Willman. Et après ils ont ressorti une édition euh, avec des nouvelles couvertures et, euh, et en fait ça par contre pour moi c'était la même avec des nouvelles couvertures. Alors j'ai pas pu comparer avec la nouvelle, mais en tout cas moi j'ai la, la première édition Blackbox aussi et dedans il y a tout ça. Voilà. Et euh, tic-tac, l'école impudique, euh, c'est quoi ben, C'est une, une soirée, euh, c'est un manga euh, qui a été à l'époque très, euh, très décrié, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre au Japon à l'époque, euh, qui se voulait totalement immoral. Et en fait, ça se passe dans une école et c'est des professeurs qui sont immoraux euh, et qui font plein de, de sévices à leurs élèves. Voilà. Mais c'est tourné totalement en totale comédie dérision. J'en reparlerai lors de live, mais c'est quand même assez particulier. Salut Ed, bienvenue. Ed qui explose avec sa chaîne, là. Euh, J'ai vu, hein, tu, de, tu arrives bientôt à 6000 ou quoi. Donc c'est cool. Merci d'être passé, Ed. Enfin, de passer, pardon. Euh, donc c'est super. Donc voilà, avec Ed, on avait fait des vidéos ensemble hein, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Donc des vidéos très cool sur l'école emportée. Donc ça, c'était très très sympathique. Hein. Euh, donc oui, bah, toujours moi je te conseille d'investir plus dans le Devine Man, hein, clairement. Hein. Si tu dois choisir, investis là-dedans. Euh, donc voilà. <laughs> je l'avais dit, Ed, euh, j'allais propulser ta chaîne. <laughs> donc voilà. Euh, pas de souci, c'est Il n'y a pas de souci. Euh, merci d'être venu. Euh... alors non pour Devilman par contre j'ai pas trop sa genèse mais je suis surpris que ce soit, euh, euh, ce soit tiré de l'anime je... je suis pas convaincu par cette théorie là hein. pour moi là c'est le manga et l'anime était beaucoup plus soft pour que ça passe en fait voilà ah ok donc c'est bien ça Boris hein. la nouvelle édition de Devilman elle ne, ne l'a pas ok après, ce pas une perte. Hein. Les, honnêtement, les rajouts qu'a fait Gonagaï et les modifications qu'a fait Gonagaï sur Devilman, c'est totalement inutile. Euh, alors du coup, je vais quand même continuer sur le dernier. Et après, je ne vous embête plus avec les gros robots. Hein, c'est terminé. Euh, c'est le Great Mazinger. Voilà. Euh, Great Mazinger, ça va aller assez vite. Parce qu'en fait, Great Mazinger, qu'est-ce que c'est euh, c'est euh, la suite en fait de, de, de là qui a donné une série télé en 56 épisodes. Donc euh, c'est une suite très facile. C'est-à-dire qu'en fait les héros sont partis de Mazinger Z sont partis. Ah pardon, je me suis trompé. Mais je me disais c'est bizarre, il y a marqué euh, Mazinger Z dessus. Celui-ci avec une belle tête de vainqueur. Euh, ben du coup euh, ils sont partis étudier aux États-Unis. Voilà facile. Après avoir tué le Docteur L. Et euh, bien sûr, ce n'est pas terminé. Et en fait, c'est pareil. C'est un support pour l'animé. Donc du coup, euh, les héros, là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau robot qui arrive, qui s'appelle Great Mazinger, qui est encore meilleur. Euh, et donc, du coup, on a droit à des nouveaux couples de, 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 de héroïnes, des nouveaux méchants. Et, et des méchants, par contre, qui sont beaucoup plus inspirés sur des trucs organiques. On est plus sur... Euh, euh, des sortes d'animaux euh, ou des choses comme ça euh, donc ça c voilà, vous voyez euh, les, les généraux etc c'est beaucoup plus sur les animaux ça fait beaucoup penser à Kamen Rider euh, de, de ce côté là donc je pense qu'il a dû avoir sûrement une influence euh, de Kamen Rider à ce moment là euh, puisque Kamen Rider avait dû sortir très certainement euh, alors j'ai plus les années en tête hein, donc euh, il avait même dû sortir bien avant et donc clairement euh, voilà je disais c'est un manga qui euh, il, il finit, hein, mais alors c'est à l'arrache. C'est des petites histoires en mode monstre de la semaine. Euh, donc ça a assez peu d'intérêt. Je me suis même ennuyé en le lisant en fait. Hein. Je, je lisais, mais alors zéro, zéro plaisir. Euh, et c'est là où tu vois la différence entre Mazinger's Egg qui est une série où il y a un scénario, c'est étudié, euh, ça évolue même s'il a des défauts, et ça où c'est juste un support euh, derrière. Alors c'est pareil, hein, le One gold Goldorak, euh, c'est un support aussi, hein, mais. Mais euh, j'avais apprécié parce que les 4 volumes Goldorak sont tellement mauvais que finalement lire du Gonagai c'était bien mieux. Mais c'est un peu dans la même veine, quoi. Donc euh, là, bah, du coup, pas le copie de Mazinger Z, euh, mais avec les idées et en plus avec les idées en moins, donc euh, encore moins intéressant. Euh, le nouveau duo, il n'est pas intéressant. Le grand méchant est méchant, voilà, euh, c'est super et, euh, et ça a très peu d'intérêt, donc. Euh, euh, à part rajouter des éléments dans le lore euh, derrière, honnêtement, zéro quoi. Donc voilà, donc je habite vite oublié. Je ne sais même pas si je le garderai. Celui-ci, n'a vraiment aucun intérêt. Donc voilà, Mazinger Z je le garderai parce qu'ils sont cool, Mais Gret Mazinger, pff, je ne sais pas. Ou bon, alors si je le garde, c'est plus pour la collecte, parce que euh, je ne suis pas un volume près euh, dans ma collection. Quoi. Euh, donc voilà, donc ça, euh, Gret Mazinger, j'insiste pas plus pour les gros robots, je vous avais dit, ça serait rapide. Euh, parce qu'il n'y avait rien à dire dessus. Euh, donc voilà, donc je ne sais pas si euh, ça vous donne envie en tout cas de lire les gros robots. M Moi j'ai découvert, je suis content, je suis content, c'est une bonne, une bonne surprise. Après, ce n'est pas pour autant que j'irai acheter les Getter Robots, euh, les Machin G, etc. De, de Gonagai. Je pense plutôt que je me les lirai en anglais. Je, je, je trouverai des versions en anglais euh, parce que je ne suis pas assez fan euh, pour acheter des livres à 30 euros et les découvrir. Donc euh, j'ai envie de les découvrir. Mais pas, pas à 30 euros. Donc voilà, là, j'ai dû choper ça, le pack, je crois, à 60 euros sur leur site à Blackbox ou un truc comme ça. Euh, C'était tout à fait raisonnable. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, je n'aurais pas dépensé plus. Quoi. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais j'ai dû payer les 60 euros. Ça m'allait très bien. C'est là où j'avais pu commander Robocock. Pour ceux qui ont, ont vu le live à ce moment-là, donc ça c'était cool. Euh, du coup, euh, manga suivant. Alors, je vous ai dit, hein, ça va, il va y avoir de tout hein, pour ce live-là. Alors, c'est un manga de Moto Agio. Qui a lu du Moto Agio, hein, une autrice très connue en France? Qui a lu Moto Agio et euh, quoi Qu'est-ce que vous avez lu de Moto Agio Parce qu'il n'y a pas grand-chose en, en, en français et en anglais, alors qu'elle a fait pas mal de titres. Hein. Euh, moi j'ai tout lu à part le clan de peau, parce que j'ai le premier volume en anglais, mais je n'ai pas lu. Et vu que ça sort en français, euh, je vais me les acheter en français pour soutenir euh, Akata. Donc euh, dites-moi. Moi, euh, moi j'avais adoré le coffret euh, de, de l'anthologie. J'avais kiffé, j'avais euh, kiffé aux euh, euh, Barbara. Euh, de, de, de ce côté-là. Euh, ah, si, j'ai pas lu le, pas lu le Drink and dream and Dream et Other Stories, qui sont des histoires courtes, mais en fait, il y avait la moitié qui était déjà dans le coffret. Et pour ceux qui ne connaissent pas euh, Moto Agio euh, bah, c'est une grande dame qui a posé euh, les bases du, du shojo du boys' love, euh, qui a fait beaucoup de SF, et qui fait partie de ces autrices emblématiques hein, qui, qui sont injustement boudées en France. Alors attention, il n'y a pas eu qu'elle. Mais elle fait partie, euh, elle est très importante dans l'histoire du manga. Donc voilà, et je crois qu'il y en a plein qui, euh, qui ont. Salut euh, Antoine. Euh, donc tu as le clan de peau Boris. Toi tu as Nick, tu as lu le clan de Thomas, son anthologie Osawa Barbaras et son mapal. Mais flemme pour l'instant. D'accord. De... Donc tu n'as pas lu le, tu n'as pas lu Osawa mais il est très cool. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc le clan de peau pour découvrir euh, là, n'hésite franchement. Achetez le coffret si vous n'avez pas à le trouver. Il est vraiment génial quoi. Et je crois qu'il est dispo en numérique, euh, le coffret. Hein. Il n'est plus dispo en physique, mais je crois qu'il est dispo en numérique. Euh, Est-ce que je, je peux vérifier ça Là, Livre. Moto Agio. Ouais, ils sont disponibles à 7 euros le livre, donc 14 euros en tout. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment super quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, tu as lu l'anthologie, donc Matojora. Ma donc, euh, voilà. Tu aimerais lire. Ouais, il est cher, aux War Barbara. Après, c'est un grand format hardcover, mais pff, je, je, il pique un peu. Hein. Euh, voilà. Et effectivement, Nick, hein, le, le cœur d'Automar est aussi disponible en numérique pour 10 euros. Donc, pour ceux qui veulent découvrir justement le, le, un peu la naissance du Boys Love et tout, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, effectivement, c'est le fameux groupe de l'an 24. Attention, il n'y a pas. Le groupe de l'an 24, mais ça fait partie de ce groupe euh, qui qu a été renommé après pour, pour regrouper tous ces pionnières euh, du shoujo. Euh, donc, euh, voilà. et Antoine, j'ai déjà parlé pas mal de fois des nouvelles de Lovecraft, euh, donc je t'invite à aller revoir euh, euh, mon dernier live ou avant-dernier live Mangatech euh, où euh, je montre toutes les œuvres de Lovecraft euh, que ben, j'ai toutes, hein, donc euh, que j'ai euh, qui sont sorties, à part le Moloss qui est, qui est sorti entre temps. Donc, n'hésite pas à aller voir mes anciennes, euh, mes anciennes live Mangatech. Euh, tu, tu retrouveras facilement euh, ça euh, dedans. Euh, donc, voilà. Euh, donc, du coup, bon, il voilà, y a le clan de peau qui arrive chez Akata. Donc, ne ratez pas ça. Et donc, moi, j'ai lu euh, le dernier titre qui est sorti en anglais, qui est l'île Léo. <laughs> ouais, je vous ai teasé sur plein de <laughs> sur pour, pour ce manga-là. Je sais, je sais. Je suis, je suis désolé, j'aurais aimé, euh, aimé vous sortir un manga, euh, un grand manga de Moto Agio, mais euh, c'est pas moi qui fais les sorties. Hein. Mais je l'ai lu. Euh, lu, donc c'est une sortie anglaise. D'accord euh, Donc c'est un nouveau titre. Alors, je ne sais pas qui l'a lu, celui-ci. Euh, parce qu'en fait c'est un titre, en réalité, il est déjà sorti en français. Euh, je crois que c'est quoi, je ne sais pas si tu es encore là Linkas, mais tu, tu l'avais trouvé d'ailleurs. Euh, en fait, Moto Aguyo était venue à la Japan Expo en 2012. Et en 2012, euh, elle avait, elle avait auto-édité Léo Kun. Et Léo Kun, si on regarde un petit peu sur Manga News, euh, voilà, elle avait sorti ça, c'était de l'auto-édition, ça faisait 80 pages, et euh, c'était en français. D'accord euh, Donc ça, c'était très cool est que j'ai une note ouais. Elle était en français. Et euh, donc, du coup, euh, c'était sorti et c'était disponible qu'à la Japan Expo. Et donc, c'est quelque chose qui est assez rare. Et surtout qui est vendu très cher, puisque, à en croire, en tout cas, euh, les prix ici, c'était 12 euros pièce. x3, ça fait 36 euros. Bon, voilà, c'était de l'auto-édition, quoi. Hein. Je veux dire, il fallait les, les vouloir. Et donc, là, aujourd'hui, c'est sorti en anglais. Et je me suis dit, bah, c'est parfait. Je vais pouvoir les lire puisque je n'avais jamais réussi à tomber sur ces versions Japan Expo, euh, qui, qui, puis je n'avais jamais vraiment cherché non plus. Donc du coup, je dis, ben, c'est parfait. Donc de quoi parle Léo Kun, pour ceux que ça intéresse euh, Donc du coup, ben, en fait, c'est un, un recueil de huit histoires, plus ou moins courtes, où on va sur le petit Léo. Léo, qui est un chat ordinaire, d'accord euh, qui est ordinaire, mais il n'a pas, enfin, en gros, il a pas, je veux dire pas. dire ordinaire, c'est qu'il n'a pas de super pouvoir, quoi. Euh, Mais il, a, il peut parler avec les humains, donc ça, euh, voilà. Et euh, du moins, ils se comprennent parfaitement bien, ils peuvent communiquer ensemble. Et en fait, dans cette histoire, il va arriver plein d'aventures à Léo qui souhaite, en gros, découvrir le monde. Et souvent parce qu'il bon, y a un truc à bouffer ou parce qu'il euh, y a un truc à gagner. Voilà, euh, Léo, il est, il est très intéressé souvent pour faire les choses, mais il va découvrir le monde suivant euh, des petits travaux ou en accompagnant euh, euh, de, de, des personnes. Donc, par exemple, il va demander dans le premier chapitre à suivre euh, le petit garçon de la famille à l'école et il va expérimenter euh, la vie d'écolier. Voilà. Ou alors, euh, par exemple, il va hop là. Euh, j'essaie de voir euh, genre bon, voilà on, on, il va, euh, on lui apprend à aller sur la dans, dans sa litière euh, il apprend à faire un, un rendez-vous de, de, de mariage de mariage arrangé euh, il va être un moment assistant mangaka euh, un moment il va être il va passer un casting pour être acteur euh, voilà donc c'est ça ou alors euh, oui, un chat ordinaire qui peut parler aux humains. Oui, je sais. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne il, il, il vole pas. Enfin, fait, il n'a pas de pouvoir particulier. Mais euh, oui, effectivement, ma phrase n'est pas très logique, je me doute bien, mais il ne fait pas d'action particulière extraordinaire. C'est un chat. C'est voilà. un chat, c'est juste qu'il parle avec les humains, il se tient debout. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, des fois, il va aller au restaurant ou il va voir une amoureuse, des trucs comme ça. Et sur le fond, on va dire que Moto voilà, elle a voulu faire son petit. Euh, son petit manga sur les chats, euh, et essayer de, de, de trouver des situations un peu originales que personne n'a jamais fait. Euh, et donc sur le fond, enfin sur, le, sur le fond, bon, ben voilà, c'est assez original de ce côté-là. Sur la forme, c'est pas... Voilà, il y a à redire. Ça se gâte un petit peu. Donc euh, euh, l'éditeur, c'est Denpa. Voilà, c'est Denpa l'éditeur. Donc en gros, ça se gâte un petit peu sur la forme, parce qu'autant sur le fond c'est assez original, hein, on ne voit pas souvent des, des chats assistants mangaka et compagnie, mais en fait Léo déjà, ben, il se comporte vraiment comme un enfant. Alors quand je disais il était ordinaire, c est ordinaire, c'est voilà que je disais, oui il est ordinaire dans, dans ce sens où, euh, pour donner un exemple, euh, il fait vraiment le truc de chat, il juste il dort quoi, il, il dort, il, il, il glandouille, il a envie de bouffer, c'est tout ce qu'il fait. Mais voilà, il a quand même la particularité de pouvoir parler aux humains et compagnie. Mais dans son comportement, il est très, très enfantin. Il est, il est comme un enfant. Il a les mêmes réactions qu'un enfant, un peu de 4 ans, quoi. Donc il est gentil, mais il fait plein de bêtises. Voilà, il est à l'école. Voilà, là, par exemple, il, il est en train de jouer. Euh, il, euh, et puis, puis après, il va, il va renverser euh, il va renverser sa trousse, euh, etc. Et c'est un peu voulu pour l'effet comique. Mais je trouve que ça marche pas très bien en fait, entre la situation un peu sérieuse et lui là qui fait le bébé euh, je trouve que c'est pas c'est pas top quoi et euh, ou alors par exemple quand il est assistant mangaka il fait 3 millions de, bourre, de bourdes euh, voilà il se trompe dans les... Euh, voilà il genre là ah, il devait découper un truc et puis finalement il découpe la planche euh, des trucs comme ça ben ça pourrait être rigolo mais en fait c'est des chapitres qui sont longs et répétitifs et en fait ça devient pas drôle en fait et en fait, tout le monde est tellement gentil avec lui, et tellement compréhensif que, bon, euh, je sais pas, ça ne ça marche pas euh, plus que ça. quoi. Et donc, par exemple, même quand il va à l'école, le premier chapitre, moi j'étais assez, euh, un peu choqué même, quand il va à l'école, c'est fou parce qu'en fait, euh, il, il veut tout en jouer. Parce que, ben voilà, son chat, il veut jouer, et il doit rester sage, et donc il doit écouter pendant longtemps. Et en fait, ça n'est même triste, parce qu'en fait, ça fait un peu comme si... On avait l'impression que les gamins, du coup, ils étaient en prison, ils étaient totalement bridés dans leur action et tout, et qu'on les forçait à faire un truc. Et c'était même un peu un peu triste, en fait. Et j'étais là, j'ai fait, mais c'est un peu bizarre, quoi. C'est, En fait, ça montrait même que l'école, c'était ennuyeux. J'ai dit, bon, ok, l'effet, je pense que c'était pas subli à mais c'est ce qui ressort. Donc oui, effectivement, c'est une édition en, en intégrale, en, en, en un tome, euh, voilà. Et effectivement, l'édition, en fait, c'est que elle, elle a une, c'est pas une hardcover, mais la, la cover est épaisse. Et donc du coup, avec le chat et tout, ça fait un peu, un peu kitsch, comme tu dis. Hein. C'est exactement ça. Mais moi, surtout, ce qui m'a, ce qui m'a gêné, euh, parce qu'il va souvent s'en sortir des situations avec sa petite bouille entre guillemets mignonne, même si moi, je trouve qu'au dessin, euh, il y a un problème, quoi. En fait, la façon dont il est dessiné. Tu vois, c'est un chat qui est anthropomorphe, hein. il est sur ses deux pattes, là, il se comporte comme un humain et tout ça, mais il est à la fois pas assez réaliste et à la fois pas assez euh, comique. Et on a une sorte d'entre-deux où, en fait, des fois, il a des têtes. Euh, moi, il me rend mal à l'aise en fait. <laughs> il me rendait mal à l'aise en, en disant en bah, disant, en fait, c'est un effet comique, mais t'es trop réaliste et pas assez euh, euh, et pas assez comique. Et, euh, et moi, c'était un peu malaisant. Moi, je regardais le dessin et j'étais là en mode euh, tu, tu me fais un peu flipper, en fait, là. Euh, j'ai l'impression que tu vas tuer tout le monde, en fait. Donc, ça, en tout cas, ça n'a pas marché avec moi. Clairement, autant au niveau des histoires, même si j'ai rigolé une ou deux fois, hein, je ne vais pas le cacher, mais dans l'ensemble, c'est quand même très long, euh, c'est même malaisant. Et, et je n'y crois pas aux situations, ça ne marche pas, en fait. Euh, c'est un peu trop ancré dans le réel pour que ce soit drôle. Et, et puis, les histoires, elles sont quand même un peu inégales en, en qualité. Donc, si vous comptez découvrir l'autrice avec cette, ce manga-là, ne, ne commencez pas par ça, s'il vous plaît. <laughs> Il voilà, y a d'autres choses à sortir d'elle que sortir ça. Moi, je ne trouve pas ça super intéressant. Euh, si vous adorez Moto Agio, bien sûr, achetez-le pour la collection, ce n'est pas un souci. Mais moi, j'étais assez déçu de, euh, de, de, de ce côté-là. Euh, donc, voilà. Je vais en parler après de moi, Tsushima. J'en parlerai à la fin du live. Je l'ai lu aussi. Euh, mais en fait surtout je ne suis pas très fan des mangachas en fait. Hein. Donc euh, peut-être que mon avis il n'est pas très bon parce que euh, moi les manga de ça m'ennuie en, vite, j'aime bien les chats, mais j'en ai pas. Et je ne suis pas gaga devant un chat. Quoi. Donc euh, du coup je pense que ça, ça y joue. Donc il euh, y, y a un autre truc aussi, c'est que il n'y a pas de page couleur. Alors que dans l'édition, j'avais un peu cherché, mais j'ai toutes ces pages couleurs et tout. Et quand j'avais cherché, attendez, je ressors mon lien et je l'avais mis où Et quand j'avais cherché dans... Euh, 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 dans le, le, pour l'édition le, de la Japan Expo, et ben en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des pages couleurs, donc genre l'écolier Léo dans CP. Voilà, ben moi, hop, on le voit ici. Si j'enlève mon partage d'écran, hop, en noir et blanc. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu les pages couleurs pour une édition si récente et qui se veut forcément luxueuse en fait parce qu'elle est quand même brochée. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est brochée en fait. Donc elle se voit un peu luxueuse. Par contre, elle se défonce. Sur... J'ai juste lu. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une pliure là. Voilà. Et là, pourtant, je l'ai lu normalement. Je l'ai juste tenu sur le côté et tout. Et en fait, on, on, voit, la, on voit la pliure. L'édition n'est pas, euh, pas très quali, je dirais. Euh, donc voilà. Donc du coup, euh, vous pas. C'est du Moto Agio, mais là je suis vraiment pas tombé sur un titre qui m'a plu. Hein. Donc euh, je ne sais même pas si j'ai envie de le garder au final, ce, ce manga. Euh, parce que bah, garder un manga juste parce que j'aime beaucoup Moto Agio, juste pour garder un Moto Agio, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Donc je verrai. Mais en tout cas un peu déçu de, de ce manga. Euh, voilà, donc là on va parler d'un manga un peu, plus, euh, un peu plus récent. Parce que comme j'ai dit là, j'ai lu un peu de tout dans tous les sens. Et dans les mangas un peu plus récents, et euh, quand je le lis, tout ne peut pas être bien, hein, mais par contre je vous partage mes lectures, qu'elles soient bien ou pas bien, j'essaye en tout cas de, de ne pas garder que les choses bien, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi montrer ce qui, ce qui moi me plaît pas. Parce qu'il faut bien savoir que c'est pas, pas, pas parce que je n'ai pas aimé une œuvre qu'elle n'est pas bien. C'est juste que moi en tout cas, elle m'a fait zéro, zéro effet. Euh, le manga suivant. Oui, c'est un coup des poissons d'argent, t'as raison. Ouais. <laughs> euh, alors, je l'ai lu en, en numérique, parce que, euh, le, vous savez, cet été, j'ai passé une partie de mes vacances avec Max, euh, et il avait ramené avec lui pas mal de mangas, et il y avait les trois euh, ou quatre premiers Baki. Et Baki, donc on va parler de Baki. Euh, et je me suis dit, ben, c'était l'occasion de découvrir la série, puisqu'il ne faut pas mourir bête. Et je me suis dit, ben voilà quoi. Et, euh, et donc du coup... Euh, Vu que j'ai plus les livres et que je suis en train de les lire mais en version anglaise, euh, avec des magnifiques scans un peu pourris que j'ai trouvés, eh bien, on va regarder ça plutôt euh, pour illustrer tout ça. Et c'est dommage parce que Baki, ça fait partie, pareil, des séries que j'aurais préféré, que je lis en numérique, et que je préfère lire en numérique en fait. Alors attendez, je vais juste passer à la page 1. Voilà. Mais j'ai déjà dit que Freeren, moi j'ai pas aimé. Hein. Euh, Ed hein. c'est mort hein. Il faut, dans, mon, dans le podcast j'ai dit que j'avais pas aimé et, et, et je crois que j'en avais parlé dans, ma, dans mes lives donc c'est mort Ed je crois que notre amitié va se briser euh, à partir d'aujourd'hui hein. <laughs> non, non Frédéric j'ai pas, pas accroché à la limite le premier mais, euh, mais la suite euh, vraiment pas j'ai arrêté au quatrième je crois je, ça m'a gavé. Je, je prenais pas de plaisir à les lire en fait Alors, du coup, euh, donc Baki, qui a lu Baki Qui a acheté l'édition de Baki Je suis très curieux. Baki, voilà. Euh, donc Baki, alors attendez, avant il y avait un autre truc, euh, c'est que Baki, alors on va d'abord aller sur Wikipédia, parce que Baki quand même c'est une série euh, qui est euh, impressionnante, puisque on a 42 volumes pour la première série, on a 31 volumes pour la deuxième, qui s'appelle Baki. On a Amna Baki, qui fait 37 volumes. On a Bakidou, qui fait 22 volumes. Attention, on a Bakidou sans tirer, qui fait 11 volumes, qui est en cours. Euh, donc ça nous monte déjà à 143 volumes. Et il y a après les, les spin-offs, il doit y avoir une vingtaine de volumes pour les spin-offs. Donc Baki, c'est quand même une série qui est euh, assez impressionnante en termes de, de, de taux maison. Hein euh, donc du coup, l'édition voilà. euh, Meyane, elle est très bien, moi j'ai rien à dire, mais pareil, ce n'est pas les séries que j'ai envie de collectionner en, en physique, donc je suis très content de les lire euh, juste comme ça. Euh, donc voilà, Donc là la série originale fait 42, comme je disais, donc ça sort en 24. Et là aujourd'hui, j'ai lu 24 tomes sur les 42. Donc j'ai lu à peu près la moitié de la série de, de Baki. Donc je suis bien bien plus loin que ce qui a pu sortir aujourd'hui en France. Et, euh, et donc du coup, on va parler un petit peu de, de ça. Euh, donc toi, Nick, voilà, tu n'as pas accroché le dessin, et effectivement, le dessin est très particulier. Euh, mais il y a des choses qui, qui sont pas mal dans Baki. Euh, donc déjà, le début de Baki, il est il est direct. Hein. C'est-à-dire que Baki, euh, il est direct dans l'arène. Je vous montre un peu les pages là. Euh, il, est, il est direct dans, dans, dans l'arène, euh, il est super balèze, il a, il a plein, plein, plein. Alors là, on ne le voit pas là, mais voilà, c'est lui là, il a plein de cicatrices, euh, il va mettre à l'amende direct les experts en arts martiaux. On découvre qu'en fait, genre, pour être maître de Kung Fu, il s'est entraîné trois jours. Enfin bref, on sent que le gars, euh, il, est, il, il est balèze, quoi, il est balèze. Et, euh, et donc, on ne le présente pas, il n'y a rien, il est juste en plein tournoi. Et vas-y, on nous montre déjà des mecs hyper, hyper costauds, voilà, hyper costauds, capables de, 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 de faire des super coups et tout. Hop là. Euh, voilà, donc ça, c'est Baki. Euh, et même son chien, il a des cicatrices hein, au chien de Baki. Hein. Donc, c'est ça qui m'a fait, fait rire. Et donc, le but de Baki, c'est battre son père, son père qui est considéré comme l'être le plus fort de la Terre. Mais il est balèze, son père, vraiment balèze. Donc, euh, en gros, c'est ça. Et donc, euh, Baki, euh, l'histoire, elle est simple. Hein. C'est une succession de mecs hyper baraqués, de plus en plus forts, euh, remplis de cicatrices ou de muscles saillants euh, qui utilisent des techniques de plus en plus improbables. Euh, et c'est une surenchère de coups et de n'importe quoi dans les combats. Et il ne faut, voilà, faut pas chercher le réalisme. C'est juste du pur plaisir de divertissement. C'est le manga méga popcorn au caramel avec du chocolat et des pépites dessus pour voilà pour, pour se faire plaisir c'est vraiment que ça et tous les personnages ils sont au taquet dans leur rôle ils sont au taquet dedans c'est qu'à chaque fois ça, ça ça va très haut à chaque fois ça va très haut et donc du coup ça se lit très vite parce que c'est du divertissement c'est du gros combat donc de, de ce côté là attends hop là je crois que la page est décalée voilà euh... C'est du gros combat, tout le monde fait son malin et puis euh, chaque fois se fait défoncer, etc. Donc, ça, c'est euh, assez rigolo. Et c'est clairement pas prise de tête. Hein. Donc, il faut, faut clairement le voir comme ça. C'est un manga, il faut juste le lire et éteindre son cerveau. Mais quand on fait ça, il y a un côté qui, du coup, on oublie ce côté euh, n'importe quoi de, de Baki euh, qui n'est pas du tout réaliste et que c'est ça, mais on cherche pas du réalisme, on, de la, qui est pas de crédible. Voilà, qui n'est pas de crédible. Et en fait, parce que par exemple, bon déjà, ils ont un trip, c'est que sous le Tokyo Dome, là, qui est une sorte de, de, de stade géant, avec des concerts, tout ça, il y a une salle cachée où ce, euh, dans le sous-sol où, euh, où ils combattent. D'accord euh, Ils combattent et c'est des combats de l'extrême. Vraiment, les combats de l'extrême. C'est là où on est, là, justement. Euh, et dedans, par exemple, pour vous donner des, 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 des idées de, de combats, j'ai euh, un moment, il y a un mec qui s'appelle le Sécateur. Euh, et le sécateur, il arrive avec ses doigts, tac, tac, il te coupe les tendons, donc tu ne vois plus, euh, tu ne bouges plus ton bras, euh, etc. Et il est capable de te faire ça direct à travers la peau. Euh, et donc du coup, le mec, euh, une fois qu'il a gagné ou autre chose, que le combat est fini, alors il, il perd tous leurs dents à chaque fois. Hein. Une fois que le combat est fini, tu as le docteur, il arrive, il fait, attends, bouge pas, j'ai de la colle. Hop, c'est bon, tu retrouvé la vue. Voilà, on est à ce niveau-là hein, en termes de réalisme. Et, et quand on a compris que c'était ça le manga... Ok, bon, c'est bon. Ok, j'ai compris. On va pas chercher autre chose. Donc, du coup, il euh, y a des mecs. Voilà, euh, genre, à un moment, il y a un mec qui meurt sur la reine. Il meurt sur la reine. Et as un gars, et as un gars, il arrive et il plante sa main dans sa poitrine. Il prend son cœur comme ça. Et il max pour le faire revivre. Il le ranime. Et voilà. Et c'est bon. Le gars, il est à nouveau vivant. Il a presque pas de séquelles. Et on y va. Euh, donc c'est genre le truc là, il euh, y en a un, il a une technique, c'est euh, il est capable, je ne dis pas les persos parce que ça sert à rien, il est capable de rétracter ses couilles à l'intérieur pour pas être blessé pendant le combat. C'est une technique coréenne. Voilà, donc sachez-le, avant le combat, il est rétracte à l'intérieur de son corps et après il va se battre. Donc du coup, tu peux lui taper en plein milieu, il ne sent rien. <laughs> c'est énorme. C'est vraiment énorme. Euh, voilà, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme autre truc mais euh, en gros voilà c'est des gros délires, euh, des gros kings comme ça euh, donc c'est c'est quand on a compris ça et bien, en fait baki ça devient génial en fait parce qu'il faut c'est tellement c'est tellement over the top, je sais pas over the top c est, c est tellement ça va ça va dans le ciel que c'est énorme je vais vous montrer un autre volume euh, volume 3, par exemple oh, attendez parce que tous les mecs sont baraqués je hein, vous le dis euh, c'est hop parce que j'ai un peu mon écran qui est devant euh, voilà, donc il y, y a les combats de tout le monde, hein, ça c'est clair. Euh, donc voilà, donc comme je disais au début, ben, on découvre Baki là, qui est déjà super balèze, mais en fait après, rapidement, on va enchaîner sur un arc qui est le passé de Baki. C'est-à-dire que Baki il a 13 ans, parce que là il a 19 ans, je pense, comme ça, il a, il a 13 ans, ou même, je ne sais même plus quel âge il mais... a, mais là, dans l'arc du passé, il a 13 ans, il n'a pas encore ses cicatrices, et, euh, et euh, l'arc il dure jusqu'au tome euh, 20, un truc comme ça, et on découvre pourquoi il va affronter son père, et on découvre pourquoi il a ses cicatrices, et il y a des trucs totalement délire où en fait euh, il va à un moment dans la jungle affronter des commandos. Voilà, c'est pour vous dire euh, de, de, le truc. Euh, il, va, il va vivre, les, mais les commandos de l'enfer, hein, ce n'est pas les petits commandos. Quoi. Euh, donc voilà, mais après le schéma c'est toujours pareil, Baki, euh, il a peur de rien, il euh, y a toujours un gros baraquet ou une sorte Des fois, il n'y a pas que des humains. Euh, je ne dis pas plus. Et euh, qui va se taper dessus. Euh, il va gagner. Parfois, il perd. Mais bon, généralement, il va gagner. Et, euh, et voilà quoi. Et même son père, pour vous dire tellement qu'il est, il est perché, le gars, un moment, il arrive et euh, il, il dit Ouais, moi, euh, je vais tuer le premier ministre. Premier ministre au Japon, qui est l'homme le plus important. Je vais tuer le premier ministre et il arrive, et il y a déjà des, des, une centaine de mecs de l'armée, il arrive, il les défonce tous, et il arrive devant le premier ministre, et il fait, t'es mort, et il ne tue pas, et il se casse, juste pour montrer sa puissance. <laughs> à un moment, il y a, il y a un gros combat dans, dans Baki, avec le père de Baki, je ne dis pas plus pour ne pas dévoiler l'histoire, et juste avant le combat, il y a un tremblement de terre qui arrive, un truc improbable, mais, mais le père de Baki, ce qu'il fait, c'est qu'avec son poing, il tape le sol, et ça arrête le tremblement de terre direct, pour vous dire à quel point le mec il est puissant donc c'est énorme, moi je, je lisais j'étais là moi de... c'est tellement absurde que c'est du génie en fait, ça en devient du génie donc du coup voilà, c il faut vraiment s'attendre à ce, à ce genre de trip dans, dans Baki euh, donc voilà donc après effectivement le dessin euh, le dessin est très particulier, surtout dans les premières parties euh, donc ça je je, je, je reconnais mais au final, ça fait partie du charme de Baki. Moi, ça me... C'est atypique, c'est inattendu, mais moi, ça me dérange pas. Quand on s'y habitue, ben, limite, Baki, sans ce dessin-là, ça serait pas pareil. Voilà. Parce qu'il ne respecte pas les proportions. Je vais passer des... des... Hop. Allez, je vais passer au volume 6, par exemple. Euh, hop, là-bas. Au premier volume. Hop, merde. Première page. Ok, désolé. Euh, hop. Hop, euh, Voilà, il va euh, donc je disais, voilà, sans ce dessin, ça serait pas pareil. Voilà, ça, c'est le père de Baki, ça, par exemple, euh, qui est euh, ultra puissant. Oui, c'est Choc Tour fact hein, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et en fait, moi, ce qui me fait rire avec ces mecs ultra baraqués, voyez, d'un géant et tout, euh, tout ça, mais il y a une imagerie gay dedans qui est impressionnante, un peu comme Jojo. Hein, il y a une imagerie gay euh, c'est énorme parce qu'ils sont tellement baraqués que c'est. C'est plus crédible en fait. Et donc voilà, donc, tous les personnages, ils sont trois fonds dans leur truc, c'est ultra exagéré, c'est comme je dis, ça devient génial. Et puis voilà, il faut poser son cerveau, euh, mais ça m'a donné envie de voir la suite en fait. C est, c est, ça me donne envie de, 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 faire, de, de, de voir. Et en fait, on avale les pages, il n'y a pas beaucoup de texte, euh, c'est un gros délire. Euh, voilà, au moins il se bat contre un yakuza. Mais un yakuza, il est tellement découpé, c'est yakuza, que c'est pas possible. Quoi. Il y a des cicatrices, c'est juste taré. Et Donc, je vais me faire la série. J'ai envie de tout me lire maintenant. Euh, donc, là, déjà, je vous refaire un point quand j'aurai lu les, les, la fin de Baki. Ça sert à que je vous fasse un point intermédiaire, mais jusqu'au milieu, euh, c est, c est, franchement, c'est très cool. Le passé de Baki est très cool à lire. Euh, par contre, là, j'en suis où c'est revenu vers les volumes 22-23. Là, c'est revenu dans le présent et c'est à nouveau un tournoi. Et là, je me fais un peu chier à la lecture. C'est pas. Euh, vraiment euh, c'est pas intéressant, mais j'attends de voir que cet arc passe pour passer à la suite. Donc, ça, clairement, c'est genre série, j'achèterai jamais. Mais à lire, en quand euh, justement là, je déménageais, j'étais fatigué, j'ai beaucoup lu Baki aussi parce que, avec le déménagement et tout, j'étais fatigué, j'avais pas le temps de lire euh, les euh, mes bouquins comme je voulais et tout. Et euh, certains me demandaient un peu trop de, de, de réflexion entre guillemets. Et, euh, et donc du coup, mais Baki, en fait, c'était parfait. Pas, je me disais, non, mais celui-là est trop compliqué. Je vais lire Baki. Et Baki, j'avais les pages, le soir j'ai lisé ça sur la tablette. Et c'était parfait. C'était parfait. Euh, donc pour moi qui, qui avait le cerveau, qui était bien occupé la journée, et eh ben là, je pouvais lire sans problème. Ça ne me faisait pas réfléchir du tout. Euh, donc voilà, donc vous savez à quoi vous attendre avec ça. Donc euh, c'est assumé totalement. Euh, c'est... C'est on aime, on n'aime pas. Je veux dire, euh, il faut rentrer dans le délire. Si on rentre pas dans le délire, c'est un peu comme Jojo et consorts. Si on rentre pas dans le délire, on, vous allez vous faire chier. Euh, si vous rentrez dans le délire, dans le délire, ça va. Je pense que vous, passez, vous pouvez passer un très bon moment. Euh, voilà. Mais tu vois, tu le disais. Je suis en train de lire les commentaires. Tu le disais justement, Boris. Euh, donc c'est ça. Euh, donc un bon repos cerveau. Voilà, c'est ça. C'est pareil, j'avais commencé à lire Kengan d'Ashura aussi, puisqu'il les avait amenés. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est exactement le même, le même délire, mais en plus récent, en plus joli visuellement. Quoi. Donc, euh, Abete, tu vois, Boris, euh, tu, pile à l'instant où euh, j'en parle, tu, tu viens de mettre le message. Donc, euh, je, je pense que je lirai la suite de Kengan, j'avais lu cinq volumes. J'ai moins, moins accroché à Kengan qu'à Baki. Parce que, je sais pas, Baki, ça va tellement loin dans la connerie euh, que ça me fait rire. Tu vois, il tape, il, voilà, il tape bien au milieu, il lui fait Non, moi c'est bon, t'inquiète. J'ai ma technique, ma technique de ça rentre dedans. <laughs> donc ça me fait rire. Bon voilà. Voilà pour Baki. Bon, vous en, je vous en reparlerai sur la deuxième partie. Est-ce que c'est cool, pas cool Vous, vous verrez derrière. Quoi. Euh, donc voilà, je, je sais pas s'il y en a voilà, qui, qui sont tentés par Baki ou quoi, mais en tout cas, vous savez à quoi vous, vous attendre maintenant. Euh, ensuite, qu'avons-nous Je propose de passer au manga suivant Parce qu'il m'en reste encore euh, 1, 2, 3 Attends 1, 2, 3, 4 4 plus les achats, bon ça devrait le faire Je vais voir Qu'est-ce que j'ai marqué 1, 2 3 4 Et 5 5 mangas Donc euh, voilà Ça te fait penser à Coque de Combat. Bon, Coque de Combat est quand même plus joli hein, visuellement. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des stéréotypes dedans de, de, de combattants. C'est pas être possible. Alors là, je vais vous parler de deux mangas. De deux mangas qui ont dû se vendre à 5 exemplaires à peu près. Voilà, donc là, vous allez avoir du manga rare. Hein. Donc si vous voulez du manga euh, qui n'est pas collector, mais collector par le nombre de mangas vendus. Je pense que c'est pas mal. Là, je vais sortir deux, litres, deux livres euh, euh, directement à la suite. Alors, je préviens, il y en a un qui n'est pas terrible et un qui est pas mal. Euh, voilà, parce que là, ben, moi j'achète beaucoup de, de, de titres justement pour tester. Et euh, dans ces titres un petit peu particuliers. Et il y a des moments où ben, on tombe sur des belles surprises. Et il y a des moments ben, où voilà, on tombe sur des trucs un peu, un peu chelous. Donc en gros. Ça c'est un titre. Quand on avait travaillé sur l'épisode du podcast sur l'histoire orale du manga, on avait refait une sorte de base de données personnelle pour pouvoir justement retranscrire cette histoire. Et on avait refouillé des bases de données entières de, de manga sanctuary, de, de, de manga news, etc. Et dedans, j'étais tombé sur deux titres. Pardon, deux titres où je passais totalement à côté. Vraiment, je n'avais pas vu cela. Pourtant, moi, j'avais déjà fouillé plusieurs fois les bases de données pour chercher un peu les, les, les éditeurs pas connus, les titres atypiques et tout ça. Et ça, c'est deux volumes qui sont sortis au format moyen. Généralement, quand ça sort au format moyen, c'est déjà un, un, un public un peu, plus, un peu différent. Et donc, je me le suis procuré. Euh, donc, du coup, je me suis procuré le premier qui s'appelle Tokyo Room La vie en colocation, qui est sorti chez l'éditeur Claire de Lune. Éditeur auquel je n'ai aucun manga chez lui, bien entendu, euh, que je connaissais de nom, mais je ne savais même pas les titres qui sortaient. Et donc, du coup, euh, bon, ben celui-là, par exemple, eh n'était pas terrible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en gros, c'est l'histoire de trois nanas euh, d'une trentaine d'années qui vivent en location, euh, donc inspirées de leur vie réelle, hein, bien entendu. Euh, sauf que euh, ben elle raconte comment. Ça... Oui, voilà, ben c'est la niche, un hein, niche de niche. Hein. Là, vous voulez des mangas de niche, je vous en sors, moi. Ne hein, vous, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des, euh, des, des, des mangas comme Baki. Hein <laughs> et donc, du coup, euh, donc là, ben, en gros, c'est comment se passe la colocation, en fait Mais c'est pas vraiment des tranches de vie, c'est-à-dire que ce n'est pas des petites tranches de vie euh, cocasses, euh, rigolotes et tout. Ben, en fait, ça se veut un peu humoristique, tout ça, mais c'est plus une sorte de guide et de conseils qui sont euh, distillés dans des petites histoires entre elles. Donc par rapport au découpage, ben, au final, ce n'est pas des histoires du quotidien. Et là où le manga euh, Un pigeon à Paris, que je vous avais déjà présenté, euh, qui, je trouvais ça très drôle et bien fait, et euh, on, on suivait une, une japonaise qui venait à Paris pour, euh, pour travailler, faire des mangas, et puis qui repartait, et qui expliquait toutes ses difficultés à vivre à Paris et se comprendre, euh, le barrière de la langue, de la culture et tout, mais qui était très drôle à lire, euh, ben celui-là, ce n'est pas ça en fait ça se veut léger rigolo et mignon on va parler du papier après ça se veut léger parler et mignon mais en fait euh, c'est euh, c'est pas, pas super drôle en fait c'est à dire que ben déjà bon ça suit un peu la chronologie de, de leurs actions genre on cherche un logement on définit lequel ensuite on, on, on achète le, enfin, on loue le logement ensuite on aménage ensuite on, on, le, on le décore Ensuite on fait ci, ensuite on fait ça. Enfin bref, euh, c'est c'est euh, c'est les trucs. C'est plus par thématique. Et personnellement, moi ça m'intéresse pas de savoir comment vivre en colocation au Japon quoi. Euh, surtout ben, que c'est devant c'est écrit, c'est là là, c'est écrit un essai manga donc sur la vie de trois femmes donc qui euh, habitent ensemble. Donc euh, moi je m'attendais à des histoires du quotidien quoi. Et en fait, ben oui, elles expliquent un peu le quotidien, mais c'est plus leur interaction sous, enfin leur interaction genre des problèmes de ménage, d'aménagement, genre qui va payer les factures, des trucs un peu chiants du quotidien en fait. Et ça va même jusqu'à t'expliquer des infos entre des chapitres genre qu'est-ce que la colocation, la là la la, la la Et en fait, c'est nul, <laughs> c'est pas intéressant. <laughs> en fait, c'est c'est euh, même des fois ça détaille. Genre j'ai pas noté la page mais. Euh, voilà, genre, euh, elle va te mettre, euh, là c'est pas le cas, mais elle va te mettre une photo dans la salle de bain et puis elle va te dire alors ça ça appartient à elle, ça ça appartient à elle, ça ça appartient à elle, mais je m'en moque en fait, je, je, c'est pas intéressant, je m'en fous, je m'en fous de ce qu'il y a dans la cuisine et dans la salle de bain. Donc en final, leur vie perso c'est assez peu développé, c'est pas romancé, euh, c'est. Et en fait, il y a plein de sujets qu'elles auraient pu aborder hors de la colocation, mais ça sort pas de la maison en fait. Et... Même si le ton il se veut léger un petit peu en auto-dérision, c'est un peu trop gentil Et ça m'a pas fait rire. Euh... Et généralement l'humour c'est un petit peu genre, oh non j'ai mangé la part de machin dans son frigo et du coup elle cherche sa bouffe. Et du coup elle va racheter, elle va racheter une part en, en discrétos pour se faire pardonner quoi. Waouh. Ah ouais. Ouais. C'est super intéressant. <laughs> enfin bref, en fait. C'est un banal absolu. C'est un banal absolu et je suis assez déçu parce que c'est toujours intéressant de découvrir la, la, la vie d'autres personnes, de, de cultures différentes et tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est hyper scolaire et il n'y a pas de lâcher prise en fait. Et ça se veut gentil, même quand il y, y a des disputes. Et c'est voilà, les histoires sont un peu courtes, c'est pas, voilà, c'est un peu inintéressant. Et, euh, et en vérité, c'est une sorte de guide en fait, de guide de colocation, c'est un peu entre les deux. J'ai pas trop compris pourquoi ça, ça arrive en France en fait, parce que à la fois euh, c'est pas suffisant pour être un guide et à la fois euh, c'est euh, comment s'appelle, c'est c'est pas intéressant à lire. Quoi. Et donc là, au niveau du papier, euh, c'est ce que j'appelle le papier okagé. Voilà. Donc sa particularité, c'est effectivement de pouvoir lire six pages derrière. Et on arrive à des points. Ouh, vraiment c'est gênant, <laughs> genre euh, c'est dans l'autre bouquin, vous allez voir. Euh, voilà, genre, genre là, il y, y a un titre derrière. <laughs> en, enfin, je veux dire, peut-être vous voyez mal, mais en vrai, c'est super voyant le, 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 la page derrière. Euh, donc voilà, donc c'est des trucs comme ça. Euh, J'avais noté notre nomatopée, c'était quoi déjà? Ah oui. ah oui, oui il y a une page qui m'a fait rire. Je ne sais pas ce qu'il a après la traductrice ou le traducteur. Euh, c'est les onomatopées. Genre. Il euh, s'est pas fait chier en fait. Bruit de cuisson. Tu sais, au lieu de marquer. un truc comme ça, ou psi ou un machin, bruit de cuisson. Il euh, y en a un autre, c'est genre. Euh, euh, bruit de. bruit de feutre. <laughs> même, même pas il a cherché à. Même pas il a cherché à, à marquer. à essayer de trouver un équivalent. Donc c'est. C'est énorme en fait, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, mauvaise pioche. Euh, donc voilà, je ne comprends pas trop l'intérêt de, de sortir ça. Mais bon, ben en tout cas, j'ai tenté et ça, c'était une mauvaise pioche. Et oui, souvent le, le dessin est très basique dans ces cas-là quand c'est de la biographie et c'est dommage en fait. C'est dommage. Donc, encore plus niche que l'économie japonaise, oui, parce que celui-là, je ne connaissais pas et je pense qu'ils ont dû en vendre 5. Oui, c'est un peu ça, euh, Charnac, hein, C'est le, le manga pour dire. Tu veux un truc sur la colocation J'ai. Mais voilà, pas terrible. Donc voilà. Donc euh, édition Okage, elle est là, si vous la voulez. Tokyo Room. Et donc du coup, euh, ce même éditeur a sorti un deuxième livre. Et ce deuxième livre, il s'appelle. <laughs> attention, attention, parce que là, c'est un titre. Où vous n'êtes pas prêt. Vous êtes pas prêt. Je vous le montre. 30 ans. Bien que vierge, je dessine des mangas érotiques. Donc là, s'il n'y a pas un titre un peu plus tactique là, euh, dessus, on est quand même pas mal. Donc avec une couverture qui est extraordinaire, comme vous pouvez voir. Vraiment extraordinaire. Hop, on va relever ça. Voilà. C'est un peu plus droit, c'est mieux. Euh, c'est ici, Buchenson, euh, le, le, le hosting du SP de Dan Dan Dan. J'ai reçu ma pochette. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Que... Non, elle n'est pas là. Désolé, je ne l'ai pas. <laughs> Alors, du coup, ce titre, euh, du coup, ce titre, et eh bien voilà. Euh, donc, deuxième manga de niche, à nouveau, manga vraiment pas connu. Là, si vous voulez du collector, il y en a quatre qui l'ont, hein, euh, celui-ci. Euh, donc, du coup, on va parler de ce manga. Et ce manga, donc, je l'ai acheté aussi par curiosité. Et c'est un titre qui est euh, un peu racoleur, hein, clairement. Euh, où une mangaka va raconter son aventure dans euh, la, le manga érotique alors qu'elle est vierge. Tout est dit dans le titre, de toute façon. Hein, il n'y a plus de surprise à partir du moment où on a lu le titre. Donc, au début, effectivement, euh, je crois que l'arrière, voilà, l'autre côté est pas mal aussi. Euh, rude. Euh, et, et surtout, c'est très drôle, regardez ce qu'elle dit. Voilà. Euh, je dis pourtant à mes amis que j'ai eu des expériences avec des garçons dans ma vie. I, I, I. Voilà. Bon, Terre de Lune ne doit plus exister aujourd'hui. Hein. Alors, du coup. Euh, toc. Alors, papier au cagé aussi, hein. la même chose. Alors, le même. Et donc, du coup, justement, au début, au début, euh, elle nous raconte comment elle dessine des entailles, Alors qu'elle n'a jamais eu d'expérience dans sa vie. Euh, bien sûr, elle se documente à fond. Et euh, vu que les Hantails, ce n'est pas très réaliste, et on est d'accord, euh, ben, au final. Euh, euh, si y a un zizi, une chatoune, et ça rentre dedans, euh, ben c'est bon, hein, ça, fait, ça fait un entaille. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc elle nous montre un petit peu son processus créatif euh, au début. Euh, et genre elle s'invente des avatars. Genre à un moment, euh, elle a un vieillard. Alors vous verrez rien hein, dedans, hein, c'est hyper soft dans hein, le manga. Hein. Euh, à un moment, elle a, un, elle s'invente un vieillard. Voilà genre lui pour les côtés euh, très pervers. À un moment, elle s'invente un collégien pour le côté un peu euh, euh, coquin, désir, euh, voilà. qu'est-ce qui excite les collégiens. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, non, 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 c'est pas, euh, voilà, pas le même dessinateur. C'est juste que c'est dessiné... Voilà, c'est n'est pas le même. C'est pas les mêmes dessinatrices. parce C'est juste que c'est dessiné... Euh, c'est autobiographique. Et, et au Japon, c'est souvent comme ça, les autobiographies. Euh, donc voilà, donc il euh, y a ça. Et en fait, rapidement, on se rend compte qu'elle va vite faire le tour de la question. Et le manga va basculer sur un autre thème qui est un peu plus intéressant, puisque ça va aborder des thématiques un petit peu plus sociétales. C'est-à-dire comment une femme vierge de 30 ans est vue par la société et comment elle réagit face à ces différentes situations. En fait. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, C'est-à-dire qu'on part d'un postulat un peu racoleur, mais qui va finalement aller vers des thématiques pas mal. Donc ça va parler de la pression de la société. Ça va parler euh, du regard des gens parce que des fois elle va dire ben moi je suis vierge et là du coup ben, les gens comprennent pas mais pourquoi comment ça se fait c'est limite une maladie quoi euh, voilà de comment se comporter euh, de comment se comporter en société quand le sujet est abordé genre ben toi tes relations euh, euh, t'es avec un garçon machin donc il faut euh, euh, il faut faire ça oui c'est cher en plus c'était cher hein, le, le manga euh, donc du coup euh, donc ça sachant que la société japonaise tout ce qui est euh, cette partie féminine c'est tabou la sexualité féminine de manière générale est très tabou euh, ça n'en parle pas donc c'est un sujet qu'elle aborde d'accord alors ce manga il a il dix ans hein, déjà hein mais c'est un sujet qu'elle aborde et donc du coup il y a aussi euh, elle va elle va euh, euh, parler aussi de tout ce qui est la connotation d'être vierge c'est-à-dire d'être un peu une sorte d'espèce différente de ne pas être dans le moule en fait de ne pas être comme les autres et elle va partir d'ailleurs un moment dans un truc un peu malaisant avec euh, un radar à vierge, à un moment où elle est là ah, cette fille elle est vierge c'est sûr et machin j'ai pas trop compris ce chapitre mais voilà elle part, elle part un peu dans son délire mais qu'elle arrête après euh, et là où c'est intéressant c'est qu'elle parle aussi donc de la sexualité féminine notamment ben, tout ce qui est masturbation et qu'elle elle ne pratique pas parce qu'en fait elle a un sentiment de culpabilisation et un peu de dénigrement d'elle-même donc du coup même ce sujet là, euh, là ben, elle ne le fait pas parce que la, la, la société lui met une sorte de poids de le, le, la, lui mettre un peu une sorte de honte sur elle pour, pour pas euh, qu'elle ait une, au moins une sexualité seule, quoi. Donc ça, c'est euh, assez intéressant euh, à lire. Et d'ailleurs, pour elle, un truc qui ça semble évident, en fait, c'est un peu comme un saint Graal. C'est-à-dire que même si elle a appris à accepter sa situation, aujourd'hui, je vais tourner des pages, euh, ben en fait, pour elle, il faut qu'elle fasse ça avec un homme, en fait. Parce que c'est euh, comme une sorte de but ultime dans la vie, ben de de Ne plus être vierge en fait, même si euh, aujourd'hui elle, elle pousse pas le truc parce qu'elle pourrait très bien euh, passer par de la prostitution tout ce qu'on veut, mais c'est pas son but. Elle, elle veut faire une relation normale euh, parce qu'elle ira faire des rendez-vous arrangés. On va suivre ça en fait, de sorte de speed dating, des choses comme ça. Mais en fait, la manière dont elle parle, elle est un peu matrixée par la société et elle a besoin de, 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 de que ce soit euh, avec un homme et, euh, et c'est et de elle espère un jour ne plus être vierge. Voilà, même si elle se fait l'idée de, de l'être aujourd'hui. Euh, donc voilà. Donc là, où, et là, par contre, où le manga fâche un petit peu, ben c'est qu'en fait, le propos, euh, c'est qu'il est très hétéronormé. C'est-à-dire que bon le manga, il est un petit peu vieillot, il a 10 ans aujourd'hui, mais tout ce qui est homosexualité, ça ne passe plus. Enfin, ça, ça n'est pas abordé, pardon. Ce n'est pas du tout abordé. Euh, c'est totalement mis euh, de côté. Euh, et donc du coup, c'est voilà, totalement mis de côté ce côté-là. Et en fait, c'est surtout, euh, au final, en fait, c'est quoi, enfin, c'est quoi de vierge en fait. Et c'est assez intéressant parce que à la première page de ce de, de, dessus, ils donnent la la, 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 comment dire, la définition d'être une vierge. Et je pense c'est une définition japonaise il y a 10 ans. Et ils disent vierge. Donc c'est assez, assez fou. C'est volonté d'une femme de rester à la maison. Donc ça, on est c'est quand même assez incroyable de, 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 de noter ça. Volonté d'une femme de rester à la maison. Donc pour vous dire à quel point le, le système patriarcal japonais est présent. Mais surtout, femme célibataire. Voilà, Donc parce qu'il faut être marié. Hein, vous vous doutez bien, sinon on est vierge. Euh, femme n'ayant jamais eu d'échange avec un homme. Donc on précise bien avec un homme. Euh, donc, jeune fille plus celle vierge. Voilà. Et c'est bien ça, c'est la source d'Eijiwin, 3ème édition. Donc, c'est bien le dictionnaire japonais. Donc, ça, c'était hyper intéressant euh, à lire. Donc, on sent vraiment que c'est très hétéronormé, patriarcal et tout ce qu'on qu veut. Vous mettez tous les mots que vous voulez là-dessus. Et quand on regarde aujourd'hui la définition euh, du Larousse, donc euh, définition vierge Larousse, euh, toc, on y va. Et là, voilà, juste, vierge, c'est qui n'a jamais eu de relation sexuelle, tout court. Euh, si je cherche définition, attends, hop là, définition, je vais virer la rousse. Voilà, fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Donc, voilà, là c'est très clair, c'est-à-dire que c'est juste, ben, tu peux être... Euh, avec une autre fille, tu, peux, tu un autre garçon, n'importe, mais, mais voilà, ce n'est pas automatiquement ça, c'est beaucoup plus large. Donc on sent déjà cette, il y a vraiment une définition très, 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 très vieillotte, et ça montre indirectement un petit peu, comme je disais, toute cette construction mentale de la société qui s'est faite, euh, qui l'a formatée à penser ça. Et du coup, j'ai trouvé ce manga hyper intéressant pour ces thématiques-là. Alors, pas pour le discours de base, parce que le discours de base euh, qui est clairement sous-exploité, parce que à la base, je rappelle que c'était je dessine des, des mangas érotiques. Euh, et en fait, il euh, y avait plein de choses à raconter là-dessus. Mais ça, c'est totalement euh, mis de côté. Et, euh, et elle va parler du plutôt, plutôt du côté société, mais on sent que c'est un peu. Euh, ben, elle a vite fait le tour, elle ne savait plus quoi raconter sur euh, comment je crée des mangas. Et ça s'est un peu construit au fur et à mesure de ses idées, euh, des thématiques qu'elle voulait aborder. Donc, euh, euh, de manière générale, euh, euh, les, les, les histoires, en fait, euh, elles sont assez décousues, en fait. C'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas vraiment euh, euh, d'enchaînement, d'accord euh, elle, elle développe assez mal ces histoires et tout, et il n'y a pas de conclusion. Voilà, à la fin, euh, c'est juste une histoire. Et, euh, et entre les chapitres, des fois, c'est Ah oui, au en fait, on va vous quelques trucs. Voilà, deux pages, bisous, euh, tiens. Euh, donc voilà, ça aurait pu être très cool qu'elle détaille beaucoup plus. Donc voilà, donc pareil, comme je disais, édition au par exemple, ici, on a une page avec des points, et de l'autre côté, eh ben du coup, on a des trames avec des points, tellement que c'est transparent. Euh, donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé la lecture pour les thématiques, comme je disais, donc avis aux amateurs, pour ceux qui sont intéressés par ça. Euh, par contre, sur, sur la forme, euh, bon, et même le fond, enfin, j'ai aimé le fond, mais sur la forme, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc pareil, un manga assez particulier, avec une édition incroyable. Et c'est vrai que euh, ben le prix était cher en fait. Alors je les ai achetés d'occasion parce qu'ils n'étaient plus disponibles, hein, vous vous doutez bien. Euh, mais, 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 autant celui-ci, je crois que j'avais dû le payer 4 ou 5 balles parce que personne n'en voulait. Autant celui-ci, je crois que je l'ai payé 13 euros. Un truc comme ça. Euh, parce qu'il est, il est dur à trouver, en fait. Il n'était pas si facile à trouver. Et maintenant, je crois qu'il y était sur Rakuten, je crois. Je vais regarder Rakuten. Je vous partage l'écran parce que sinon, je le fais tout seul. Là. Euh... Bien que tant 30 ans, je vois s'il y 30 ans, bien que vierge, je dessine des mangas. Ça. voilà Il est à 13 euros, là. 13 euros plus les frais de port. Donc voilà, il a, il, a, il a augmenté. Donc voilà, donc euh, il n'était pas donné. Et en plus, 9, effectivement, il était à 13 balles déjà. 2012. Hop. C'est ça, 13 euros. Donc, euh, pas mal. Donc là, voilà, vous avez du manga de niche. Hein. Vous pouvez y aller. Allez, j'ai encore des mangas. J'ai encore pas mal de choses à dire. On va finir un peu plus tard que d'habitude ce soir. Et puis comme il n'y a pas eu de live le mois dernier, c'est l'occasion de d'en profiter, hein, on est d'accord. Euh, au pire, hein, vous, vous regarderez l'affaire en, en, en replay, c'est pas grave, <laughs> je serai tout seul à finir. Et <laughs> dit ça, mais vous êtes presque une trentaine. Hein. Donc ça va. Vous, euh, les, les mangas édition Okage, ça vous plaît apparemment. Hein. J'ai un peu l'impression. Euh, donc voilà, mais ça c'est les mangas de niche. Hein. Des fois, il euh, y, y, a, y a à boire et à manger, hein. on, peut, on peut clairement le dire. Il hein. y a de tout. Euh, allez, manga suivant, parce qu'il en reste encore 3-4, il y a les achats, mais les achats ça ira vite. J'ai lu La femme défigurée. Donc La femme défigurée, c'est une autrice que moi à l'époque j'avais zappé, clairement. Euh, le dessin m'avait jamais euh, attiré. Et, euh, et donc du coup, euh, donc, Kanako Inuki, hein, qui, euh, qui est considérée comme la reine de l'horreur, hein, toujours ses titres... Euh, Faussement honorifique. Euh, et donc, ben, en gros, ben, aujourd'hui, ces mangas, ils sont difficilement trouvables, mais j'avais réussi à mettre euh, la main sur, euh, pas trop cher sur la femme défigurée. Et donc, du coup, je me le suis pris. Et donc, du coup, je l'ai découvert grâce à ça, parce que je savais, j'avais lu euh, sur Atom l'interview euh, et je savais que euh, c'était. Euh, comment dire, que Umez avait eu une forte influence sur elle euh, et qu'elle était nommée la reine de l'horreur. Voilà. Donc, euh, c'est tout. Donc en gros là on va avoir cinq titres d'horreur euh, ben, qui euh, qui sont répartis là sur, les, sur les, euh, les, les deux volumes et dont deux histoires qui sont sur la femme défigurée une première histoire et sa suite une suite on va dire un peu facultative mais en tout cas il y a une suite et ben, franchement c'était excellent je me suis régalé à lire euh, à lire ça donc c'était une excellente surprise et euh, vous avez vu j'essaye de vous mettre des mangas euh, bien pas bien bien pas bien vous voyez j'essaie je, de vous faire des trucs cool tu vois dans la, dans la soirée et tout <laughs> Et eh bien ça, du coup, une bonne surprise. Et comme je disais, le dessin ne m'attirait pas plus que ça, parce que le dessin est un dessin assez particulier, un dessin assez, assez rond dans, dans, dans son truc. Euh, et donc, du coup, j'avais une appréhension. Et pour moi, pourtant, voilà j'avais lu pas mal de trucs un peu moches, et je sais pas, celui-là ne m'attirait pas plus que ça. J'avais peur que ce soit un peu un manga encore, euh, euh, lambda, quoi. Et, et en fait, son style fonctionne super bien quand on rentre dedans. Donc à chaque fois, à chaque histoire, en fait, elle va mettre en place vraiment une ambiance. Et petit à petit, ça s'installe, en fait, une ambiance malsaine ou horrifique. Il euh, y a la tension qui monte, c'est assez flippant en fait. Alors, euh, je... avec des guillemets, hein, il faut rentrer dedans, mais je trouvais, moi j'ai jamais eu peur, parce que quand je lis des mangas d'horreur, j'ai pas peur. Tu vois, au pire, euh, je suis là, euh, des fois un peu, le truc un peu dégoûtant ou machin, mais je suis pas là Oh mon dieu, j'ai trop peur, qu'est-ce qui va se passer mais j'aime bien l'ambiance, en fait. L'ambiance, euh, ce côté un peu ou. suspense. Et là, il y a une sorte de. je trouve de folie, en fait, qui est dans, dans, dedans. Et je trouve qu'elle arrive super bien à, à poser une ambiance, en fait. Et en fait, par rapport à Junji Ito ou Umez, eh ben, elle a pas du tout à rougir, au contraire. Et je trouve que même des fois, elle fait mieux. C'est-à-dire que. déjà, la narration, elle, elle est très prenante. Mais en plus, euh, je trouve qu'il y a des morts parmi. Euh, euh, des morts parmi les personnages euh, de, qui, qui, euh, qui sont là. Euh, tu tu entrevois un petit peu vers où le récit va, mais souvent elle clôture les histoires. Elle ne s'arrête pas au climax, par exemple. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et euh, là où souvent un Hito s'arrête euh, juste au climax, ou en UMS, des fois on a, un, on a un petit peu de mal à conclure, on, on voit pas trop son fil conducteur. Et euh, donc voilà. Donc ça c'est pour ça je trouve qu'elle est, elle est vraiment euh, très bien. Et la première histoire, ça reprend bah, du coup la légende urbaine euh, vivante là, de, de, de la femme euh, défigurée, euh, et donc du coup qui joue beaucoup sur la croyance des enfants, qui en gros, plus les enfants y croient, bah, plus euh, elle peut exister. Donc ça, c'était assez cool, euh, un côté un peu méta là, de, 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 de ce personnage. Euh, après, on avait un. un hop là, c'est attendez. C'est celui-ci. Ouais, voilà, c'est là. Après, on avait un truc sur les mollusques. C est, c est, je ne sais plus si c'est celui ou l'autre. Non, c'est le deuxième. Les mollusques. C'est ça. Genre, il euh, y a des trucs sur les, les mollusques où ça rappelle un petit peu euh, euh, une histoire de Ito. Euh, pareil, avec des, des, des mollusques aussi de derrière, ou une histoire de Tomier dans Ito. Euh, donc voilà, ça a été assez cool. C'était un peu dégueu cette histoire. Était, était plutôt euh, plutôt pas mal euh, donc voilà ou alors il euh, y a une autre où euh, euh, ah, ça, ça m'appelle même un peu du, du ino par moment hein, l'auteur je vous parlais tout à l'heure dans les news ou même des fois il euh, y a par exemple une où c'est la fécondation mp s'appelle et fécondation mp en fait c'est elle est assez pessimiste celle là mais elle part de la natalité au Japon en fait indirectement et avec une nana qui va devenir totalement obsédée par le sujet et qui va se finir par se faire parasiter par un, un fœtus parasite là, hein? enfin, un fœtus quoi, et euh, qui voilà s'ouvre les veines, enfin c'est dégueulasse dans, dans le truc, et ça fonctionne plutôt bien en fait de, de manière générale. Donc voilà donc la, la, la fin des figurines. très bonne surprise hein? dans deux de, de lectures. Il y a un recueil qui sort en anglais euh, là, qui euh, euh, qui est là, il faut que je l'achète. Je vous montre un petit peu. Voilà c'est celui-ci là. On peut le feuilleter. Voilà. Euh, hop là. Ah bon on va pas plus. Mais en, gros, euh, mais en gros, voilà, elle présente un peu les personnages et tout ça. Et euh, voilà, c'est un recueil de, de, de lecture. Et euh, j'ai bien envie de me le prendre celui-ci. Euh, donc j'aimerais même le prendre euh, sûrement. Je ne sais pas si je me le prends en physique ou en numérique. Je vais voir. Euh, selon le prix, je ne sais pas trop encore. Euh, donc voilà, donc ça c'est euh, c'est le truc. Donc aujourd'hui moi je cherche Tatari, qui est une autre série d'elle en six volumes je crois, pareil qui est un petit peu difficile à trouver. Si quelqu'un euh, les a, je suis preneur. Euh, donc voilà, donc euh, la femme défigurée, je sais pas si euh, quelqu'un l'a lu ou quelqu'un l'a ou quelqu'un a déjà lu du euh, de, des mangas de cette autrice. Mais euh, je peux que, en tout cas de ce que j'ai lu, je peux que vous les conseiller. Donc, euh, bonne, bonne surprise. Alors, il nous reste deux mangas et les achats. Allez, on y va. On va finir vers minuit, je pense. Oui, ben ouais, Mathilde, j'espère en tout cas que l'anglais le, 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 est cool, la, la sélection anglaise est cool. Alors là, c'est Que Note. Que Note est le monde fantastique. Qui a lu Que Note Il y a deux volumes. Donc euh, en fait, il y avait deux volumes. J'avais acheté le premier d'occasion et puis euh, finalement, je me suis dit bon, allez, commande le 2 et puis tu les lis. Euh, ça fait un moment que le 2 est sorti. Euh, euh, comme ça, c'est réglé et c'est bon. Donc déjà moi perso j'aime beaucoup les couvertures. Euh, vous savez moi l'objet je m'en fous un peu, mais je trouvais que là c'était intéressant parce qu'en fait il y a une carte vous voyez et la carte elle continue sur la tranche en fait. Vous voyez Et donc ça c'est très cool et ça le fait sur tous les côtés. Vous voyez ici, alors c'est un peu plus difficile là, sur le, de, de bouger le truc sur le côté. Euh, donc en fait c'est vraiment un, une carte un, un entier quoi donc voilà et ça, ça reprend cette partie là mais même toutes les pages elles ont tout un cadre je sais pas si vous voyez et c'est le cadre de la carte en fait euh, dessous je vous, vous zoome là et donc ça je trouvais que c'était euh, Assez atypique, c'est la première fois que je vois ça. Parce qu'autant, des fois, il colorie ça et tout sur le côté. Enfin, la tranche, il la colorie. Mais là, vraiment, on a, euh, on a un dessin. quoi Donc ça, c'est euh, assez cool. Euh, donc du coup, de quoi parle Kenote Donc Kenote, en gros, pour résumer vraiment de manière très, très rapide, on va suivre l'histoire de Bico qui est... Euh, euh, ouais, c'est pas donné. Hein, c'est pas donné. Euh, c'est l'histoire de Bico un humain, qui va rencontrer Kenote. Kenote, donc cette dent, euh, qui va, euh, qui en fait a été créé suite à l'ADN, à l'ADN euh, de Biko. Donc euh, du coup, ça fait partie un peu de lui quoi. Et donc Biko, lui, il a perdu ses parents et il vit dans une forêt. Alors il se fait attaquer, je passe un petit peu, mais après, voilà, il est là et il n'y a que Note qui apparaît. Donc tout le manga est en couleur. Hein. Euh, et donc du coup, on va suivre en fait chapitre par chapitre. Euh, on va sur un petit peu, en fait, c'est leur aventure à tous les deux, qui vont et ils vont explorer le monde et rencontrer euh, d'autres personnes parce que Biko n'est jamais sorti de, de sa forêt. Et donc, euh, entre chaque chapitre, chaque fois, il y a une sorte de mini ellipse et qui euh, permet de faire avancer euh, l'histoire. Et chaque chapitre nous fait découvrir des personnages totalement barrés, des personnages euh, chelous, très particuliers, euh, des formats typiques, euh, des, euh, genre là, des, des des plantes. Des plantes méga musclées, par exemple, euh, des trucs comme ça. Et c'est très chelou. Hein? Et c'est un peu n'importe quoi. Et petit à petit, en fait, il y a un univers qui semble en tout cas cohérent, qui se construit. Qu Au début, on se dit, mais c'est quoi cet univers C'est totalement décousu. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de cohérence, en fait. En tout cas, j'ai l'impression que l'auteur a construit un univers qui a une logique. Euh, donc, en fait, c'est le manga, il sait, on sait vraiment pas où l'histoire va nous mener. Euh, et c'est ce qui fait un petit peu aussi la force de ce manga. C'est-à-dire que c'est hyper imaginatif et c'est totalement décalé. Euh, donc ceux qui aiment les mangas comme ça, vous allez vous régaler. Et moi, dans l'idée, le, le parallèle que je pourrais faire, c'est un peu comme la série Rick et Morty. Pour ceux qui regardent, je ne sais pas qui regarde Rick et Morty, euh, ben Rick et Morty, moi j'adore cette série. Je suis en train de regarder en ce moment justement la saison 5. Et bien Rick et Morty, c'est ça en fait. Chaque épisode... On ne sait pas dans quoi il va, il va nous amener, et c'est à coup de multivers, à coup d'autres de, 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 civilisations, etc. Et à chaque fois, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de logique. Enfin, c'est vraiment, il, il se lâche, et j'ai un peu, peu l'impression qu'il y a ça à une autre échelle euh, dans Kenot, euh, euh, dans, dans ce manga-là. Donc voilà, ceux qui aiment Rick et Morty, je pense qu'ils retrouveront un petit peu les, les vibes de cette série là-dedans. Euh, et donc. Euh, euh, donc du coup, voilà, je ne vais pas vous, vous expliquer euh, ce que c'est Rick et Morty, hein, je vous laisserai euh, regarder pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc comme je disais, on va avoir une, des bras super musclés, euh, euh, d'un moment, euh, ils, vont avoir, ils vont être vampirisés par un jeu de, de School Life, euh, voilà, ils vont se retrouver esclaves dans des mines, junkies, enfin, c est, c est, c est, chaque fois, ils nous amènent un peu n'importe où, et toujours dans des un univers différents. Et il y a plein de thématiques sympas. Euh, comme la conscience des robots, euh, l'écologie avec les ressources de l'eau, euh, qui, qui l'eau est une source de conflit en fait. Il euh, y a la guerre, il y a les complotes gouvernementaux. Euh, a... Voilà, c'est un peu dilué dans l'histoire, mais tout ça, c'est abordé euh, à l'intérieur des de situations qu'ils vont, qu vont avoir. Alors, on peut lui reprocher un dessin très particulier. Euh, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Euh, à la limite, moi, ce n'est pas le dessin que je vais... Je vais... Parce que moi, le dessin, à la limite, ne me dérange pas. Ça, chacun a son univers graphique propre. C'est plutôt la narration. Ça, la narration, c'est un petit peu plus euh, fouillé. C'est-à-dire que dans la narration, l'action, des fois, est un peu confuse. Et entre les ellipses il faut bien suivre. Il faut bien suivre parce que des fois, on c'est ah d'accord, il s'est passé ça. L'action n'est pas super claire. Donc, euh, quand on a, on a refait le lien, c'est bon. Mais il y a des moments je... « Attends, Qu'est-ce qui s'est passé là J'ai pas compris. Ou alors, des fois, il y a un personnage en arrière-plan qu'on a vu euh, cinq pages avant, et puis donc il devient important. On dit, mais c'est qui ce personnage Et on revient en arrière, on fait, ah, d'accord, il est apparu là en fait. Euh, J'ai pas compris qu'il était si important que ça. Quoi. Donc, enfin, malgré ces petites, des fois, incohérences euh, derrière, euh, ben, en fait, l'auteur la, il approfondit assez bien l'univers. Il a la genèse, l'histoire voilà, le, le, des personnages. Je trouve que c'est très cool à, à suivre. Et il y, y a, une vraie histoire en fait qui se construit et c'est pas juste des, euh, c'est juste qu'ils nous donnent pas les clés au début en fait. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est assez cool. Euh, vous voyez, chaque, chaque, chaque page que je tourne, euh, c'est chaque fois des, des visuels différents. Hein. Hop, et la, 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 deuxième, euh, la deuxième volume est comme ça. J'aime bien ce côté euh, virtuel. Euh, donc du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, J'étais, j'avais lu l'extrait dans tome, tome, pas m'avait pas donné plus envie que ça. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé euh, que note. Comme je dis, c'est déroutant, c'est inattendu. On nous embarque dans un univers totalement barré, euh, dans... qui est incroyablement bordélique, hein, qui dans des sortes de délires métaphysiques, des, des fusions d'esprit de corps. C'est tous les personnages. Alors, les personnages ils sont très terre à terre, hein. ils sont un peu, un peu débiles des fois, mais c'est rigolo. Euh, c'est assez génial à lire, en fait. Euh, c'est le genre de manga où tu pas trop dans ta zone de confort, quoi. tu sais pas trop à quoi t'attendre, et c'est ça qui est bon en fait, c'est ça qui m'a plu dans, dans ce manga. Et, euh, et du coup, j'arrive à, à la fin du 2. Euh, moi, j'ai beaucoup kiffé, je me dis, mais, mais c'est bizarre, ouais, fusion de corps, machin enfin, c'est un peu tout. Et, et je me suis dit, mais attends, mais il va avoir du mal à conclure. Et je vois donc deuxième partie, fin. Et là, ah ben mince, en fait, il y a une troisième partie, et en fait, il y a trois volumes à que note et j'étais dégoûté parce qu'en fait celui-là il est sorti il y a super longtemps ce volume 2 et en fait depuis le volume 3 n'est toujours pas sorti au Japon et donc on attend j'attends le volume 3 maintenant. Alors la bonne nouvelle c'est que je ne suis peut-être pas obligé de me les relire si ça sort mais je pense que je me relirai tout parce que le volume 2 avait un sacré résumé du volume qu'on pouvait voir ici vraiment ils ont tout résumé dans le détail, j'ai tout lu, hein. je l'ai relu et tout. Et, et tu fais ah oui, bah c'est vraiment ils ont tout résumé dans le détail donc c'est très très pratique si euh, on veut on veut retrouver un truc plus précis mais euh, donc il y a ça et donc voilà donc c'est euh, je lirai le 3 avec le plaisir quand je, le, quand je le trouverai voilà de 2020 pour le volume 2 et le volume 3 n'est pas n'est pas sorti encore donc ça faisait deux ans je me suis dit bah ça fait deux ans que je peux le lire quoi il y a, y a que deux volumes et je me suis j'ai pas vérifié avant quoi euh, donc du coup voilà donc j'avais des préjugés sur la série et j'aurais pas dû euh, et bah, par exemple, ça ça serait sorti chez Imo, j'aurais même pas réfléchi, je l'aurais acheté direct, euh, je me serais même pas posé la question. Le fait que ce soit sorti chez Casterman, bah, du coup, je pas trop, j'avais peur d'un truc un peu aseptisé, et, et, et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas pour les enfants, quoi, hein. c'est assez, euh, assez dégueu, des fois assez violent. Euh. Donc voilà, c'est pas pour les enfants. Donc, je sens que le dernier volume, ça va partir dans la stratosphère, j'ai vraiment hâte. De, de, de voir où l'auteur va nous amener. Donc, ça, voilà. Bon, bonne lecture, euh, très, très, très bonne surprise, euh, très bonne découverte euh, de, pour Conot. Je ne sais pas si ça a donné envie à des, à des personnes de découvrir Conot. Euh, ce n'est pas donné. Après, c'est tout en couleur. Hein. C'est tout en couleur. Il y a 260 pages. Donc, voilà, c'est normal que ce soit un peu plus cher. Mais. Pff. À chaque fois les situations on se dit mais qu'est ce qui se passe dans cet univers mais c'est pas possible quoi donc voilà voilà pour Konote. Euh, qu'est ce qui reste comme manga alors il n'en reste plus qu'un de manga euh... <laughs> tu vas le prendre pour les tranches collector ce que tu feras c'est que dans ta collection zeno tu ne le mettras pas euh, comme ça d'accord mais du coup, tu le mettras comme ça dans ta collection. Comme ça, tu n'auras que les tranches. Ça, ça, tu vois, ça sera encore plus collecteur dans ta collection. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est très cool. Et le dernier, le dernier manga, c'est justement, c'est moi, Toshima. Alors, il faut savoir que je n'ai plus le manga parce que je suis allé le rendre, tout simplement. Euh, mais on va en parler. On va en parler. Et donc, je vais vous montrer une preview la preview qu'il y a sur le lézard noir. Je l'ai rendu parce qu'en fait, euh, je vais, je vais d'abord vous expliquer un peu le, le manga qu'il a lu, Moi, parce qu'il est, il est quand même très intrigant. Hein. Alors il faut savoir que c'est en trois volumes au Japon en cours, mais le lézard noir n'a pas mis de numéro dessus. Donc je pense qu'il voulait tenter euh, le retour sur ce volume et afficher un, un tome 2 si vraiment euh, ça marchait. Donc euh, voilà, mais je ne sais pas si c'est une compilation, si c'est vraiment le premier volume qu'il a publié. Donc ça, il n'y a que lui qui le sait. Euh, donc du coup euh, donc voilà, je dis et moi je vais le ramener, euh, parce que j'en ramène assez rarement, mais euh, quand vraiment ça ne me dit pas de l'avoir dans ma collection, euh, je, je ramène. Euh, du coup, c'est un manga de chat, hein, que ce soit clair, c'est un manga de chat. Euh, si vous n'aimez pas les chats, c'est comme Lille Léo, laissez tomber. Hein. Euh, donc. Euh, toi tu as, as apprécié, ok. Alors attention, je n'ai pas dit que je pas apprécié, je, je vais vous expliquer plus ça. Alors du coup, vous, avez, vous avez compris, le graphisme est ultra particulier, euh, c'est assez trash, et, euh, et donc du coup, euh, et surtout sur un peu les interactions et les chutes, hein. les... c'est assez ensanglanté parfois, hein. genre il se fait mal, tant pis, il meurt, quoi, tu vois, c'est c'est un peu des fois bête et méchant mais ça mais c'est rigolo c'est comique alors c'est pas comique dans le sens d'un genre dans What Michael je sais pas qui a déjà lu What Michael moi je les ai dans ma collection What Michael c'est ça c'est ce chat là là c'est très comique par contre c'est très BD BD rigolote avec des personnages rigolos etc donc donc voilà et en fait là non c'est pas c'est pas ça donc là c'est du point de vue des chats bien entendu euh, et en fait, il voit ça, ça c'est une maîtresse. En fait, il met la voix comme un papy. Donc voilà, c'est totalement décalé. Elle est toujours dessinée comme ça. Euh, et les chats, ils a... en fait, ils arrivent à communiquer entre eux, même si c'est pas de la parole. C'est pas comme Léo, ils parlent vraiment ensemble. Euh, là, c'est. Euh, on, on sent qu'en fait, ils se comprennent, mais qu'ils parlent pas la même langue. Euh, donc, c'est du point de vue de chat, etc. Et c'est vraiment, vraiment chelou. Donc, c'est des mini-histoires avec des petites situations de, de, de tous les jours. Et. J'avoue, hein, moi j'ai rigolé euh, plusieurs fois, ça a marché, l'humour a marché. Je l'ai lu par petits bouts comme toi, Matojora. Jora. Euh, donc là dessus, ouais, et même parfois, c'est même touchant. Des fois, c'est vraiment euh, dram même dramatique, c'est humoristique, donc ça touche un petit peu toutes les cordes et tout. Et, euh, et donc, du coup, c'est de ce que j'ai lu moi. C'est honnêtement, je n'ai pas lu un million de manga chat, mais c'est peut être le meilleur manga chat que j'ai lu. <laughs> donc on dire pourquoi tu l'as ramené machin, mais c'est limite le, 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 le meilleur que j'ai pu lire parce que euh, en fait ça marchait parce qu'il y a un côté de trash euh, derrière. Donc c'est ça qui m'avait qui m'avait euh, plu. Euh, même si la partie graphique un peu chelou là des fois c'était un peu un peu particulier, mais ça lui donne voilà ça lui donne son son caractère. Même si des fois je trouve que c'est un peu trop minimaliste de manière générale, ça manque un petit peu de variété graphique je trouve. Euh, et puis c'est, même si elle a la couleur, je trouve ça, je trouve ça un petit peu euh, léger. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que même si j'ai rigolé plusieurs fois, pendant ma lecture, je n'ai pas pris plus de plaisir que ça. C'est-à-dire que, comme Léo, moi, les Léo, les mangas de chat, ce pas mon kiff. Et donc, du coup, je suis pas vraiment le bon public pour ça, en fait. Et donc, du coup, je lis ça, et ben, tu fais, ben, en fait, euh, j'ai pas envie de le relire particulièrement, en fait. Je l'ai lu une fois, il y a des choses qui sont très rigolotes, euh, mais... Jamais je le relirai en fait. Donc, du coup, je me non, en fait, j'ai pas envie parce que je soutiens beaucoup euh, l'éditeur et tout, mais au bout d'un si vraiment ça me plaît pas, euh, stop. Donc, du coup, je l'ai ramené au magasin, ils me l'ont repris, euh, et ça, c'était pas c'était pas un souci. Euh, euh, donc, voilà, donc en fait, vraiment, si vous le prenez, et bon, il y en a qui l'ont lu, qui l'ont aimé, donc ça fait plaisir parce que, comme je dis, je, je pense que c'est le meilleur manga chat c'est là où j'ai le plus rigolé. Euh, en chat mais je ne suis pas le bon public pour, pour apprécier ça, donc ça montre quand même que, vous, que, que le manga n'est pas mauvais, hein. donc Sharnak tu sais en tout cas à quoi t'attendre euh, dessus et, euh, et, euh, et comme je disais voilà, moi je, je me suis même des fois un peu ennuyé à certaines histoires, parce que il y a des histoires, enfin, je ne sais pas j'avais du mal à me repérer dans la temporalité par moment, euh, euh, des chapitres etc, des fois c'est 4 pages des fois c'est plus long euh, je ne sais pas, mais j'avais un peu de mal à me, à me repérer euh, là-dessus et euh, et euh, j'ai pas été non plus émerveillé voilà parce que ben voilà c'est un chat avec ses humeurs je pense que je pense que quand on a des chats on rigole facilement parce qu'on connaît leurs réactions on a l'habitude de vivre avec et, et au final c'est vraiment un livre de chat tu veux donc euh, moi qui ai pas de chat ou enfin j'en ai, ai eu petit mais mais aujourd'hui j'ai pas de chat euh, j'ai pas d'animal chez moi j'ai pas d'animal de compagnie bah du coup ça me par le moins, ça me touche moins et ça m'intéresse moins en fait, tout simplement. Et, et donc, euh, donc si vous aimez les chats, c'est sûr que vous allez passer un bon moment et ça se voit par rapport à vos commentaires, ça me, ça me rassure, ça me rassure parce que c'est un peu l'idée que j'avais quoi. Euh, donc voilà, mais moi, leur comportement égoïste, tout ça, là-dedans, il n'y a rien de nouveau au final, il a rien de nouveau, c'est juste que c'est un peu plus trash que les autres, ça ne se veut pas mignon. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais bien aimé What Michael parce que c'était un peu léger, rigolo c'est des décalés et compagnie euh, et j'avais beaucoup aimé moi par exemple le journal des chats de Ito, parce qu'il parodiait les chats mais version horrifique donc euh, j'avais bien aimé ça euh, mais là la situation est un peu trop banale même si j'ai rigolé plusieurs fois euh, dedans euh, des fois c'était un peu je sais pas un peu trop simple et donc du coup ben, j'ai préféré ne pas le garder euh, et oui donc comme tu dis Nika, hein, des fois c'est touchant hein, c'est même touchant il euh, y a même un côté, un côté dramatique et tout euh, euh, non, ça marche pas Boris, hein. les chats et les poissons d'argent, c'est pas compatible. <laughs> non, j'ai pas d'animal, j'ai il faut de... s'en occuper après, je n'ai juste pas envie. Je <laughs> veux bien jouer avec, mais euh, en garder, pourquoi pas, mais pas, pas en avoir, ça ne me, me dit rien. Et ça, typiquement, pour moi, là, c'est le, euh, le genre de série que j'aurais parfaitement pu lire sur Mangayo. Ça, euh, ça aurait été parfait, mais le collectionner en physique dans mon truc à moi, bon... Euh, je ne serais pas revenu dessus. Donc voilà. Alors, tu, j'ai jamais lu. Hein. Je, je ne sais pas. Euh... Euh... Oui, donc voilà. Donc tu es d'accord avec moi, euh, Tzu Kabel. Euh, donc ça, ça parle normalement à ceux qui vivent au quotidien avec des chats. Les expressions sont folles. Voilà. Donc euh, donc voilà. Vous savez à quoi vous attendre parce que, et je le répète souvent, hein, le c'est pas parce que moi je n'aime pas que ce n'est pas bien. Et d'ailleurs. Je lui ai trouvé des qualités et je le répète, hein, c'est un des meilleurs manga de, de, de chat que j'ai lu et j'ai rigolé et pas, pas qu'une fois, j'ai dû rigoler bien, bien, je sais pas, presque une dizaine de fois dans le manga. Mais malgré tout, euh, malgré tout, voilà, je ne, je, ne verrais pas le relire en fait parce qu'il y a des moments, il y a des histoires, j'étais là, ça me plaît pas. Et puis des fois, il y avait une situation, ben, j'ai rigolé. Et puis après, ben, histoire suivante. Et en fait, j'avais du mal. À apprécier euh, apprécier les chats et l'histoire, etc. Mon animal de compagnie, euh, oui, c'est exactement ça, c'est euh, mon bébé, euh, bah, mangatech, c'est pour ça. <laughs> je la cajole, je la regarde tous les jours, je mets ma tête dedans. Comme dans la dernière vidéo, pareil. Donc ça voilà, c'était... Euh... C'était euh, mes lectures, donc euh, vous avez vu, mes lectures de ce mois-ci étaient quand même euh, très différentes. Euh, autant des mangas un peu plus connus que des mangas de niche, euh, des mangas des années 70 ou des, des trucs un peu, un peu perchés. Euh, donc ça, j'espère que ça vous a plu euh, de, de ce côté-là. Euh, J'étais content. Bah, la, la sélection, il voilà, n'y a, y a pas tout qui était bien à lire, mais en tout cas, ça vous donne un bel aperçu des mangas euh, souvent que je lisais euh, en découverte dans les petits éditeurs. Et des fois, il y a des belles surprises euh, ou, sa ou savoir comprendre derrière certains mangas comme euh, 30 ans, euh, euh, donc euh, celle qui dessine des, des mangas érotiques, ben, du coup, voilà, c'est intéressant de, de, de certains sujets qu'elle aborde dedans. Quoi. Et pour finir cette soirée, oh, pour finir cette soirée, on peut parler rapidement de mes derniers achats parce que j'avais rien acheté depuis deux mois avec le déménagement. Je ne m'étais pas amusé à acheter, j'avais juste acheté Phoenix pour le plaisir. Mais euh, j'ai acheté quelques trucs. Et je peux vous montrer rapidement parce que vous savez que les achats, je n'ai pas grand chose à dire dessus, hormis vous montrer des futures potentiels lectures. Donc le premier que j'ai acheté, hop C'est Yasha. Euh, Yasha, donc de la même autrice que Banana Fish ou Kamakura Diaris. Euh, puisque c'est une autrice que j'adore, que j'aime beaucoup 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 et euh, donc du coup il y a un nouveau manga d'elle qui sort je suis déçu que ça ne sorte pas en numérique parce que ça fait 6 volumes et c'est des mangas doubles euh, comme ça, donc ça va prendre pas mal de place dans la mangathèque mais euh, bon j'ai pas encore lu bien entendu mais j'ai hâte de au moins lire ces deux premiers volumes enfin ce premier volume euh, pour euh, me faire une idée donc euh, de ce que ça vaut, c'est très années 90 euh, donc voilà, en tout cas, je ne doute pas trop de la qualité du manga parce que l'autrice, elle est, elle est géniale. Moi, j'avais adoré Banana Fish à l'époque et surtout quand Makura c'était c'était ma, une des révélations de, de, de lecture, je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, donc du coup, euh, Yacha, euh, peut-être que je vous le chroniquerai euh, bientôt. Euh, J'ai acheté le Molos. Euh, donc le dernier euh, Abbey euh, que je n'avais pas donc euh, j'ai déjà parlé longuement de Goutanabe, ça ne sert à rien que j'en parle plus longtemps donc j'ai hâte de lire un petit peu ses histoires et euh, en théorie ben, c'est le dernier qui est, qui est sorti au Japon puisque là il est sur une nouvelle série mais de, de, de Lovecraft mais ce n'est toujours pas sorti donc euh, on va plus en avoir pendant un moment en théorie si je ne me trompe pas euh, j'ai acheté du coup la fin de no Temps Contraires. Et euh, petit spoil, euh, ben, je suis en train de les lire. Donc, euh, du coup, euh, alors je suis au tout début, j'ai lu 30 pages. Mais du coup, je pourrais vous en parler euh, très certainement le mois prochain. C'était un des mangas avec Wombs que j'attendais depuis longtemps. Donc là, j'ai hâte de le lire. Donc, c'était le dernier volume. Euh, j'ai acheté le dernier volume d'Aposim. Donc, ça me fait deux séries euh, terminées. Ça, je suis content. Je pense que je les lirai euh, après no Temps Contraire. Parce que ça va vite se lire. Hein, C'est du. C'est du niais, il hein, n'y a, a pas beaucoup de texte. Hein, donc ça, ça va vite se lire. Ou peut-être que je vais lire en parallèle. De le temps contraire. Euh, J'ai acheté celui-ci d'occasion. Euh, le reste, est, tout est neuf. Là, mais celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. C'est Magic de Shimizu. C'est celle qui a fait Princesse Kaguya et The Top Secret. On... J'ai un ami qui m'a beaucoup hypé sur cette, euh, cette autrice. Et euh, il m'a dit, ben prends le one-shot, il, il est sympathique. Donc du coup, je l'ai acheté, euh, acheté sur euh, d'occasion. Euh, donc voilà, donc, euh, à lire pour découvrir, avoir un, un premier euh, élément dedans, puisque Princesse Kaguya euh, n'a pas été annoncé euh, en réédition. Et, et j'aimerais bien que ça revienne, ça, c'est un manga, j'aimerais beaucoup lire. Et en plus, c'était incomplet la première fois. Et le, et le deuxième qui est top secret chez Tonkam est, euh, est en rupture depuis très longtemps. Donc, du coup, euh, pareil, si un jour elle le réimprime, je, je sauterai dessus. Et naturellement, ce n'est pas disponible en numérique, sinon ça serait trop simple. J'ai naturellement acheté La femme insecte hein, pour compléter ma collection Tezuka. Alors, je n'ai pas lu le texte au début de Xavier Guibert, je crois. C'est ça, Xavier Guibert, il y a un texte au début. Je ne l'ai pas lu. La femme insecte, euh, j'en ai parlé longuement euh, longuement dans mon dernier live. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Bon, le papier n'est pas foufou, à hein, nouveau, mais c'est comme euh, les autres papiers de, euh, de Boule-Humanité, etc. Hein, donc euh, je pense que le papier de l'édition Saka est de meilleure qualité, honnêtement. Mais je n'ai pas eu le temps de comparer les, les deux éditions et pour l'instant, euh, mon autre édition est là-bas. Donc pour le moment... Euh, je, je me contente de ce que j'ai, mais je, je n'ai pas pu comparer, je suis un peu déçu. Et il en reste trois. Hop là. Le dernier, enfin le dernier euh, Kengo shizo qui est sorti, euh, je crois que je ne sais pas si c'est les histoires de jeunesse, je crois de mémoire. Alors j'ai toujours pas lu Mauvaise Herbe, ça fait un moment que je veux le lire et j'ai toujours pas pris le temps de le lire, mais ben, je lirai Mauvaise Herbe et je lirai celui-ci après. Donc voilà. Euh, oui, la, la police de, de la femme insecte n'est pas terrible. Donc voilà, donc mauvaise herbe, euh, enfin mauvaise herbe. Euh, le jour du typhon. Donc j'ai hâte de le lire, ça a l'air euh, très cool. Moi j'aime beaucoup cet auteur, donc euh, c'était très cool que les armoires le, le suivent. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté? Il en reste plus que deux. Il reste La Grande Traversée, puisque j'avais ai, beaucoup aimé Rakugo euh, à la vie et à la mort. Euh, donc ça j'ai trouvé très cool. Stoutris, je la trouve très bien. Et euh, ça me donnait envie en fait de lire un petit peu plus d'elle. Donc là, ben, quand ça sort un peu en one shot comme ça, ça, ça donne envie en fait de, 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 de découvrir. Donc je l'ai pris. Donc pareil, je, je verrai ce que ça vaut. Et ça me permettra de me faire un peu une sorte d'avis définitif aussi sur elle. Et le dernier que j'ai acheté, celui-ci. Donc euh, pareil, autrice de... Autrice de... comment quoi ça s'appelle euh, De Edsban et... Au revoir Mina, euh, que j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré. Euh, ben du coup voilà, j'ai hâte de lire celui-ci aussi parce que il a l'air très 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 cool. Euh, donc voilà donc euh, pour l'instant pas plus. Et effectivement j'aurais aimé acheter Box, mais vous vous doutez bien que euh, il n'était pas de, dans ma librairie, donc je ne l'ai pas commandé euh, encore. Mais il y a box que j'aurais aimé acheter et aussi euh, je, je serais maman là, je sais plus quoi là de, euh, de celle qui avait fait euh, les Runa, là. celle qui avait fait euh... ah c'est pas le monde selon cette chaîne. si c'est le monde selon cette chaîne. si si attends je ne me rappelle plus à chaque fois je confonds les deux non c'est pas le monde selon cette chaîne. Comment s'appelle notre livre euh... Ah Daru-chan, voilà, Daru-chan, merci uh, mouille À chaque fois, je ne sais pas pourquoi je confonds les deux titres. Je... Les deux histoires, il n'y a aucun souci, je sais parfaitement euh, bien les différencier, puis ça n'a rien à voir. Mais alors, le, le titre, à chaque fois, euh, je... je me perds avec euh, Satchan et daru -chan. Donc euh, du coup, à euh, chaque fois, je suis là en mode, mais c'est lequel. Donc voilà, donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Et effectivement, j'aimerais acheter Box et euh, j'ai vraiment envie. Après, euh, je ne m'inquiète pas trop parce que dans tous les cas, euh, euh, si vraiment là je l'ai pas, au pire je pourrais toujours l'acheter en goulême ou un truc comme ça. Euh, ça ne disparaîtra pas. Et puis, il euh, y a trois volumes à box. Donc euh, si vraiment je n'ai pas acheté le truc, euh, j'achèterai les trois d'un coup et puis je me les lirai. Voilà, ça, pas... je ne m'inquiète pas là-dessus. Et euh, non, le Sensei euh, de Jérôme Alquier euh, ne me tente pas du tout. Euh, bon, déjà, apparemment, les, retours, les premiers retours ne euh, sont pas ultra ultra positif mais euh, j'ai vu qu'il y avait cinq tomes et là franchement moi c'est pas c'est pas du tout mon kiff en fait alors ça pas j'ai l'impression que ça, ça reprend la partie euh, qui manquait la dernière que l'auteur n'a jamais fait mais je sais pas ça me tente pas autant Goldorak bah, j'ai eu l'opportunité de la lire euh, je l'ai lu euh, et c'était vraiment bien euh, c'était une sorte de suite et tout autant je sais pas là je suis pas hypé euh, euh, là et puis ça fait 66 pages enfin je sais pas j'aurais préféré un livre euh, un peu plus conséquent. Donc je ne m'interdis pas de, de changer d'avis, hein, mais pour l'instant, en le feuilletant et tout, ça me donnait pas plus envie que ça. Et, euh, et pareil, je préférais le lire en numérique, clairement. Là, ça, c'est pas un truc que j'ai envie de collectionner. Euh, donc, et j'ai regardé. Je sais, si je crois qu'ils sont disponibles en numérique. Je crois qu'il y est. Il y est lié, je, je, je me tâte à l'acheter euh, euh, ou pas. donc euh, Mais bon, le problème, c'est que j'ai tellement de lectures déjà en papier. C'est toujours compliqué après d'acheter en numérique parce que j'achète ce qui n'est pas dispo en numérique en papier. Et puis je me retrouve en fait avec des titres que je veux acheter en numérique, que je mets dans mes listes à suivre et que je mets, et que je mets en, en attente parce que ben, en fait, j'ai déjà trop de papier à lire en fait. Donc voilà, donc, en tout cas, je, je, je ne manque pas de séries en numérique à lire, ça c'est sûr. C'est avant le sanctuaire Ok. Ben, ouais. ben, je ne je suis pas IP spécialement. Euh, par le truc parce que toutes ces suites et tout euh, ça ça répond à la demande d'un public qui est très demandeur euh, de, qui est très atteint de nostalgie et euh, je, je peux comprendre que le, le, le truc soit très respectueux etc. J'ai pas lu Albator donc je ne peux pas me faire d'idée dessus mais moi c'est pas le produit premier qui m'intéresse en fait. Je n'ai pas cette nostalgie euh, de mes séries d'enfance, j'adore mes séries d'enfance, c'est pas un souci. Mais je ne les glorifie pas non plus. Quoi. Elles ont, ont leurs qualités, elles ont leurs défauts. Il y en a qui ont très mal vieilli. Euh, et voilà, aujourd'hui, vous uh, lisez City Hunter, ça, ça peut parfois être un peu gênant dans certaines situations. Uh, un Ken, uh, on voit les trucs, c'est uh, niveau scénario, c'est quand même assez, assez léger. Et Dragon Ball, c'est toujours la même chose. Quoi. Donc, il y, y a plein de choses comme ça qu'on peut, qu peut reprocher. Et c'est pas pour autant que je ne prends pas de plaisir à les relire. Mais les produits dérivés m'intéressent moins derrière en fait. Euh, voilà. Même si la BD Goldorak, j'ai trouvé que c'était un super, un super hommage, une vraie suite et tout, super intéressante. Donc ça clairement, la BD Goldorak, pour moi, c'est une réussite en termes de, de, de produits. Salut brochette d'agneau. tu arrives à la fin là. Hein on a... Ça y est, hein c'est terminé. Euh... On, on a tout fait. <laughs> tu arrives tard. <laughs> Euh, donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas si vous avez euh, des dernières questions, des derniers retours, n'importe, euh, puisque là, il ben, n'y a pas, pas plus euh, de, de, de ce côté-là. Donc on a été nombreux ce soir, et, euh, et même là, c'est minuit, il y a encore du monde. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc comme je disais, euh, vous pouvez soutenir la chaîne euh, sur Patreon, tout ça. Et puis la semaine prochaine, je vais planifier un petit live privé avec euh, les Patreons ça sera le, le bonus du mois. Donc du coup, euh, euh, du coup voilà, le, le, comment dire, euh, ça sera l'occasion de passer un petit moment plus privilégié, on va dire. Et, euh, et puis après, ben, voilà, vous avez N'hésitez pas à regarder les liens en description, etc. C'est cool. Euh, Vas-y, Ed, pose la question. Il n'y a pas de souci, prochaine d'Agneau. Tu, tu, tu auras la rediff. Elle est là pour ça, justement. Je, mets, je ferai le time code très certainement demain. Ah Ed, eh bien, écoute, j'en ai parlé au tout début de la vidéo. Mais je vais te résumer ça rapidement. Le déménagement s'est bien passé, euh, même si je me suis blessé au milieu. Euh, mes amis et ma copine ont parfaitement assuré la suite. Euh, mon œil va très bien, il est, il est rétabli. J'ai retrouvé ma vue normalement, même si là on m'a donné un nouveau produit. Là, je ne sais pas si je fais une petite réaction ou pas, mais comme tu le vois, mes deux yeux là, j'arrive à les ouvrir, donc euh, je suis content. Maintenant, c'est du suivi. Même si peut-être que je peux encore me faire opérer parce qu'il y a des poussières apparemment donc à suivre de près et sinon euh, j'étais assez fatigué beaucoup de travail dans la nouvelle maison parce que il y avait beaucoup de choses à préparer mais euh, je prépare ma pièce à manga tranquillement donc ça ça motive donc ça je vais bien je t'en remercie voilà et Teron je n'ai pas d'infos sur Gundam The Origin. Euh, à part que je sais qu'il y a une édition anglaise et que apparemment euh, je crois avoir entendu parler que la, la, la licence avait été prise en France mais je n'ai aucune idée d'où de, de, ça en est. Euh, donc voilà. Et eh bien merci Charnac en tout cas d'être resté toute la soirée. Ça fait plaisir. Donc voilà, Ed. Après, Ed, n'hésite pas, on, on peut prendre le temps en privé de discuter ou de s'appeler. Euh, n'hésite pas en tout cas. C'est toujours cool, de passer une petite soirée euh, tranquille. Euh, donc voilà, eh bien, écoutez, je crois que on y est, là, c'est minuit, euh, c'est pas mal, on va aller se coucher parce que demain, je travaille aussi euh, comme beaucoup d'entre vous. Mais euh, ben voilà, donc euh, merci à tous d'avoir suivi euh, ce live. J'espère que ça vous a plu, que la sélection de lecture a été euh, euh, très euh, très diverse et que, que ça vous a plu. Et euh, ben on se retrouve nous dans 15 jours. On va enfin faire la suite de la mangatech. Alors, il y aura tout. Il y aura, je sais pas s'il si y aura la mangatech encore installée ou pas. J'aimerais bien, mais c'est je ne garantis pas. Mais là-bas, euh, j'ai trois sacs. Euh, je vais vous montrer ça, mais j'ai trois sacs. Hop. Si je passe sur le... ici. Voilà, là-bas, ici là, j'ai trois sacs des, des mangas que en théorie on devrait parler euh, la prochaine fois. Donc voilà, j'avais prévu mon coup euh, au cas où. Et bon après, je me suis fait mal à l'œil, donc non, mais j'avais prévu mon coup pour ça. Donc euh, voilà. Eh bien, écoutez, bonne nuit tout le monde. Merci à tous euh, pour vos commentaires, euh, votre participation, euh, votre fidélité, parce que vous, vous revenez souvent et ça me fait vraiment plaisir. Ça, vous appréciez à chaque fois euh, la, la, la soirée qu'on passe ensemble. Donc, euh, je vous dis à, à très bientôt. Et puis, euh, et puis voilà, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.